Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la case rétro. Nous sommes le dimanche 6 avril, merci à tous de nous retrouver pour ce premier podcast en direct. Et aujourd'hui je suis accompagné des membres de la rédaction de la case rétro.fr avec Mikado Twix. Comment ça va Mika? Bah ça va très bien, content d'enregistrer pour une première en live. Et également Looping, comment ça va Looping? Salut à tous, ça va très 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 bien. Le Master Soubikoun, comment ça va Soubi? Salut tout le monde, ça va nickel. Le fringant Professeur Oz, comment ça va Professeur? Pourquoi j'ai droit à l'objectif de Gerfo? Allez, tout ça va très bien. Et le sémillant Gerfo, comment ça va Gerfo? Pourquoi j'ai pas droit à mon fringant? Bonsoir tout le monde. Voilà, merci à tous de nous retrouver, messieurs, pour inaugurer, on s'est même plus parlé, ce nouveau format, là, c'est la première fois qu'on fait ces podcasts en live, on a la chance d'avoir un invité puisque Punky est avec nous. Bonsoir Punky. Salut. Voilà, Punky, un grand amoureux de Sega qui va prêter main forte à des membres un peu esselés de l'équipe de la case rétro pour défendre la console de Sega, la Mega Drive, dans ce podcast. Mega Drive versus Super Nintendo. Alors Punky, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, et un peu certainement dans les auditeurs de la case rétro, tu es le créateur de Feu Press Start Button, et aujourd'hui, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube Punky avec les Retro Punky, les Top 6, et plein d'autres styles d'émissions que tu fais sur ta chaîne YouTube. Tout à fait. Ouais, t'as pas envie de parler du tout. Non, je sais pas, tu as tout dit, non, c'était parfait. Qu'est-ce que je peux dire de ce truc? Oui, je dessine des zizi aussi. Voilà. Ah bah voilà, c'est pas mieux. C'était très important, oui, exactement. Oui, voilà. Si vous voulez voir des zizi et du rétro gaming, vous allez sur la chaîne YouTube de Punky. Voilà, c'est magnifique. Tu vends du rêve. Exact. Et c'est toi qui nous vends du rêve. Donc le c'est sujet. Bien des pour, c'est bien des zizi pour un dual 16 bits, en fait. Oh là là. Et on est en live. Looping. Ouais. Est-ce que tu peux me faire un buzz? Allez, on va se faire un petit buzz alors. Oh non, ça... Ah, attendez. Ah, voilà. C'était un peu. Il était pas dit celui-là. Oui, ça y est, je vais rebalancer là. C'est un buzz de 4L, on ne sait pas. Voilà. Ouse, tu es prévenu. C'est pas parce qu'on est en live que tu ne peux pas te faire buzzer. D'accord? Il n'y a aucun problème. Voilà. Tiens-toi un carreau. Donc le sujet de l'émission de ce soir va réveiller de vieilles rancœurs puisqu'on va se replonger tous ensemble dans la grande bataille des années 90, la Mega Drive de Sega face à la Super Nintendo de Nintendo. Donc on va revenir de long en large sur les consoles, les jeux, sur les prix, sur les sorties de l'époque. Donc on va voir tous ensemble ce qu'on avait pensé de cette grosse bataille, et vous aussi n'hésitez pas à nous partager vos propres souvenirs de cette bataille, si dans quel camp vous étiez. Est-ce que vous aviez les deux? Est-ce que vous faisiez partie des bourgeois qui avaient une Neo Geo et qui crachaient allègrement sur nos deux consoles japonaises? Donc on verra ça tous ensemble. Donc messieurs, ça fait à peu près 20 ans que la guerre a eu lieu et on continue encore à se chercher des poules là-dessus. Donc avant de se plonger dans ce gros versus entre les chroniqueurs et les auditeurs de la case rétro, on va se replonger dans le contexte de l'époque, histoire que les plus jeunes d'entre nous qui ne connaissaient pas cette histoire, qui en ont entendu parler, qui eux se fritent sur Xbox et PlayStation, on va revenir un peu sur les chiffres essentiels, histoire de se remettre vraiment dans le contexte. Donc je vais me lancer avec Professeur Oz et la Mega Drive. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur cette console de Sega, histoire qu'on voit à peu près d'où on part? Alors, sans vouloir être trop dogmatique et puis professoral, je vais essayer de donner les chiffres essentiels. Déjà, tu m'as perdu. Oula, dogmatique. Non, mais j'essaie de passer moins intelligent en début d'émission, quoi. Voilà. On est chez Je Game, moi non plus, là. Voilà. Donc, pour la Mega Drive, c'est simple. Deuxième console de quatrième génération. Elle fait suite justement à la Master System, la 8-bit de Sega, qui avait eu du mal justement à affronter la NES. Du mal, c'est Japon. Le cynisme. Ah, il y avait qu'en Europe où ils avaient réussi à avoir un petit succès avec la Master System et encore. Ouais. Donc du coup la Mega Drive, elle arrive en 29 octobre 88 au Japon. Quelques mois plus tard, 14 août 89, elle arrive aux USA, et beaucoup plus tard en Europe, elle débarque le 30 novembre 1990. Ah ouais, d'accord. Et en fait, pour faire simple, le prix au Japon, c'était 21 000 yens, aux USA 190 $, et en France 1990 francs, qui équivaut à peu près en euros de maintenant 435 euros.
On n'est pas spécialement très loin finalement des prix qui peuvent être pratiqués maintenant si on y pense sur la Xbox One ou la PS4. Au niveau de la console, bah, c'est quand même une console qui a vécu, qui a eu presque plus de 10 ans de carrière. Donc, je l'ai dit, a démarré en 88 au Japon. En Europe, le support technique s'est arrêté en 98. Et en cherchant un peu sur le net, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu même encore du soutien de la part de Sega au Japon jusqu'en 2000. Bon, je n'ai pas réussi à trouver les détails très précis, donc je ne m'aventure pas trop de ce côté-là. Mm-hmm. La Mega Drive, c'est quoi ? C'est plus de 900 jeux, en comptant que les jeux qui sont sortis sur Mega Drive. Je ne compte pas, après les extensions, quand même, le Mega CD ou la 32X, ça ne compte pas. Je ne compte pas non plus les jeux Master System, parce que la Mega Drive était rétro-compatible à l'aide d'un petit appareil. La Mega Drive, c'est quoi ? Bah, au final, c'est quand même 40 millions de ventes sur toute son existence. C'est la console la plus vendue de Sega. Je sais que beaucoup de gens adorent la Dreamcast, moi aussi, mais ça reste quand même la console avec laquelle Sega a eu le plus de succès. Les 40 millions de ventes, c'est surtout aux États-Unis, 20 millions, parce qu'on sait que Sega of America avait vraiment mis le paquet de ce côté-là. On se rappelle une campagne publicitaire. Le jeu le plus vendu, alors là, je prends des pincettes. Il semblerait que, suivant les sources, le jeu le plus vendu, ça resterait Sonic 2 avec environ 6 millions de ventes. Mmh. Et donc j'ai glissé rapidement tout à l'heure par des extensions, le Mega CD c'était que 6 millions d'exemplaires en mélangeant à la fois les deux versions, le 1 et la version 2. La 32X, c'est un ridicule 200 000 exemplaires. Wow. Et en fait, voilà. Et pour tout dire, bah, le dernier jeu qui est sorti sur Mega Drive, bah, il date de 2010, c'est Shenmue. Ah non, j'ai Pierre Solar. Pierre Solar. Ah bah oui, Pierre Solar, évidemment. Oui, bon, c'est vrai. C'est un jeu qui est sorti vraiment très récemment par des fans et tout, qui l'ont sorti maintenant, qui est disponible sur PC. Voilà, c'est. Et t'es sûr qu'il n'y en a pas eu encore d'autres derrière ? Ou il y en a peut-être des projets en cours, je pense. Oui, des projets, mais le dernier qui soit vraiment sorti avec justement avec un, une campagne commerciale entre guillemets, toute proportion gardée. Ça reste personnel. Après, il y a toujours. J'ai vu la pub à la télé. Présenté par Hugo Délire, c'était magnifique. Donc, est-ce que vous voulez que je me lance aussi dans les descriptions techniques ou bien ça va? Non, ça ira. Voilà. Non, mais au moins on peut se noter qu'elle est sortie en France en 1990 à 1990 francs. C'était rigolo. Voilà, oui, comme ça. Voilà, on fait un truc bien cohérent. C'est mignon, tu t'émerveilles d'un rien. Oui, je sais juste qu'il y avait quand même un an et demi de différence entre la sortie au Japon et puis la sortie deux ans entre le Japon et l'Europe. Hein. Donc on parle d'une époque. Là, les jeunes qui nous écoutent, quand les consoles sortent au niveau mondial, nous, il fallait qu'on attende 2 ans. Quoi ? Faut que j'attende 6 mois pour avoir ma console ? Voilà, limite, je sais pas. C'est pour ça qu'on achetait l'import à l'époque. Hein. Qu'on se faisait entuber sur le prix pour pas pouvoir après jouer à tes jeux. c'est plus Looping qui se fait entuber, mais. Parlez pour vous, moi j'habitais en province. Ouais, moi l'import je connaissais pas, honnêtement. Ouais, moi c'était Leclerc et c'est tout, quoi. Ouais. Looping, toi, ouais. La Super Nintendo, des chiffres essentiels là, après ce grand récap de le professeur. Alors, la Super Famicom au Japon, donc qui a succédé à la NES, qui a été la Famicom. Donc la Super Famicom, elle est sortie en novembre 90 au Japon pour un prix de 210 €, ce qui est pas à l'heure actuelle n'est pas énorme, mais à l'époque ça représentait quand même un sacré chiffre. Elle est sortie aux États-Unis en août 91 pour un prix de 200 $. Elle est sortie chez nous donc en Europe en avril 92 pour un prix de 1290 francs. Qui était un pack Super Mario World avec la console et deux manettes. Pas mal. Voilà, donc elle a une très belle carrière parce que elle s'est vendue à plus de 49 millions d'unités sur sa vie, en sachant que la NES s'est vendue à plus de 61 millions quand même. Hein. Oui, parce que là on fait le duel Mega Drive Super Nintendo, mais il faut quand même juste remettre le contexte à l'époque, c'est que dans le duel de la génération d'avant, il n'y en avait pas eu en fait, hein, c'était un massacre total de la NES. Voilà, tout à fait. Alors la Super Nintendo, elle a connu une deuxième version, une deuxième forme en fait, en 97 et 98. Ah, ils avaient déjà fait la Wii de l'époque ? Ouais, bah, bah, comme la Mega Drive hein, qui a eu deux versions. Oui. Donc il y a eu la Super NES 2 aux États-Unis et la Super Famicom Junior au Japon qui était un modèle beaucoup plus petit, quoi. Ouais. Attends, juste un truc, la Mega Drive, t'as dit 2 versions, elle a eu 5 versions, la Mega Drive. Oui, c'est vrai qu'il y a eu. Ouais, mais après c'était. Bah, si on compte la Nomad, la Genesis 3, tout ça, oui, effectivement. Ubermega et compagnie. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Et ce qui est étonnant de noter, c'est que à l'époque de la sortie, par exemple au Japon, il y avait que 2 jeux au lancement. Donc t'avais Super Mario World et F-Zero.
Donc, ça va, c'était pas vraiment des grosses merdes, hein, voilà. Ouais, mais quand tu vois que maintenant les joueurs ils demandent toujours d'avoir quand même une ludothèque assez importante. Et en genre Europe... Rise. Ouais. Et en Europe, on avait eu quelques jeux. On avait le pack Super Mario World, on avait F-Zero, Super R-Type, Super Soccer et Super Tennis. Super Soccer. Ouais. C'était super. C'était super génial. Non mais quand même, tu te rends compte, Mario World F-Zero, quand plus quelques années après, il y a un mec qui est sorti avec Kessen et Fantavision. Ouais. Tu vois, oui, les différences quoi. Ouais, ouais. Tout à fait. Ouais, mais au moins tu pouvais écouter la musique avec PlayStation. C'est ça. Exactement. Tu pouvais mettre des CD. C'est voilà. Ça. Tu pouvais mettre des CD. C'est une autre histoire. Contrairement à la Wii. D'autres chiffres essentiels, Looping ? Bah écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ouais, comme ça on a bien mis dans le contexte, hein, on a pu voir que la SNES est sortie un peu plus tard. En fait, elle est sortie au Japon quand elle est sortie un en France. Un peu plus tard, t'as 2 ans. Bah deux oui, ans non mais. Oui, oui, voilà, ça reste quand même 2 ans. Et voilà, on verra si elle est sortie 2 ans à la bourre ou si c'est pas la Mega Drive qui est sortie 2 ans trop tôt. On verra ça dans ce podcast en direct. Donc on va commencer par ma question traditionnelle, évidemment, celle que je pose à chaque podcast. Quel fut votre tout premier contact avec ces consoles? Et d'ailleurs, j'en profite d'avoir les auditeurs en direct pour vous demander à vous aussi de nous parler de votre tout premier souvenir, que ça soit de Super Nintendo ou de Mega Drive. Et je vais commencer par notre invité, Punky. Mega Drive, Super Nintendo, est-ce que tu as eu les deux déjà à l'époque? Quels sont tes premiers contacts avec ces consoles? Alors, la Super NES, je l'ai eu assez tard. Je l'ai eu, j'avais déjà une Dreamcast, donc. J'ai eu la Nintendo 64 avant d'avoir la Super NES quand même. Donc voilà, pour mettre les choses dans le contexte, je ne pouvais pas saquer cette console. Non, la Mega Drive, c'est une longue histoire. J'ai commencé petit avec la Master System. Ouais. Ah. Et donc Sonic 1 sur Master System, et j'ai toujours cru. Parce que j'étais très très jeune, hein. J'ai toujours cru que Sonic 1 était sur Master System et que Sonic 2 était sur Mega Drive parce que j'y jouais chez quelqu'un de ma famille, ouais. Et qui avait le 2 sur Mega Drive. Pour moi, c'était si je voulais jouer au 2, il fallait que j'aie une Mega Drive. Mm-hmm. J'ai mis très longtemps à économiser pour m'en acheter une avec mes petits sous, ouais. Et je m'étais acheté une Mega Drive avec Sonic 2 et c'était le pack Le Roi Lion, une Mega Drive 2. Ouh. Avec Le Roi Lion. Qu'est-ce qui était moche cette Mega Drive 2? Moi, si. Là, tu insultes la première console que je me suis achetée avec mon argent, mec. C'est pas très sympa. tu joues sur les sentiments. Mais justement, ça me fait mal. Tu vois, t'économises des sous et t'achètes ça, quoi. Ah. Écoute, on va dire que j'avais 8 ans, j'avais pas de goût. Okay, voilà. Mais voilà. Non, mais très sérieusement, c'est une console que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment la première que je me suis achetée tout seul, qui était ma console à moi, qui n'était pas la console de ma mère. Et du coup, quand je suis passé de Sonic 1 Master System à Sonic 2 sur Mega Drive et puis Le Roi Lion, je peux vous dire que j'ai les yeux qui ont pleuré des larmes de sang tellement c'était beau. Oui. et voilà, c'était mon premier contact, Sonic 2, Le Roi Lion, et puis après tous les Sonic, quoi. Oui, donc on comprend que dans cette grosse bataille Mega Drive Super Nintendo, tu vas plutôt te ranger vers Mega Drive. Hein. Ah ben, il n'y a pas photo, là. Il n'y a même pas à réfléchir 2 secondes. Quoi. C'est pour ça qu'on l'a invité, parce que Oz, il risque de se sentir seul ce soir. Quoi. T'inquiète pas pour moi, Mika. T'inquiète, on est là, représente. C'est les 300, c'est ça. Bah tiens, justement, Mikado Twix, toi, premier contact avec ces consoles, par laquelle t'as commencé? Moi, j'ai connu la Mega Drive en premier. Non. Et figurez-vous que je l'ai connue avec la musique qu'on s'est légèrement appropriée, donc avec Space Harrier. Ah oui. Et en fait, je me souviens que c'était un copain que j'avais au collège. En fait, à la réflexion, je crois que c'était un copain parce qu'il avait une console de jeu, tu sais. Ça... Oh, c'est moche. C'est moche. Ah, non, mais arrête, tu vois, 20 ans minimum. Une console, de... non, bon, dégage. Non, mais on a tous eu un copain qu'on appelait un petit peu par intérêt, quoi, tu sais, genre... Non. Ah, mais tu sais quoi, je viens de tu viens de me faire un flash. Moche. En fait, j'étais ce copain. Et Space Harrier, j'avais pas trouvé ça génial. La console, pas plus que ça. Moi, je ne jurais que par l'Amstrad, hein, je vous rappelle. Oh, oui, je sais. Non, mais j'ai pas dit que j'avais toujours bon goût. Hein. Et en revanche, quand j'ai commencé à bien me désintéresser comme il faut de l'Amstrad, parce qu'il y a un moment, j'ai quand même vu que techniquement, c'était assez limité. Oui. Quand je me suis intéressé à ce qui se faisait, c'était la SNES. Mm-hmm. Et moi, j'ai bavé, j'ai saoulé mes parents pour l'avoir à mon anniversaire. Looping, rappelle-moi, quand est-ce qu'elle est sortie? La Super Nintendo? Ouais, la Super Nintendo. Ah, t'as eu quoi, le modèle européen? J'ai eu le modèle qui était sorti en Europe. Ouais. 92.
D'accord, bah moi je l'ai eu pour mon anniversaire au mois de juin 92. Et question bête, ton anniversaire c'était les... quelle année? Tu fais tête les combien? Mes 4 ans. Voilà. Merci, et moi je l'avais eu avec, je me souviens, j'avais un copain qui l'avait acheté en même temps avec F-Zero qui était pour, selon moi le jeu qui défonçait tout à la sortie. Mm-hmm. Et moi mes parents ils me l'avaient acheté avec Super Soccer pensant que j'aimais le foot. Et je l'ai scotché ce jeu. Pourtant, il est d'une pas très bon quoi. Médiocrité, tu peux le dire. Il est plutôt médiocre parce que en plus, le jeu-là, il avait une particularité, c'est que quoi qu'il se passe, tu voyais toujours les deux goals, mais en vue profondeur. Enfin, ça marchait pas du tout. C'était pourri quoi. C'est quoi comme genre de jeu, rappelle-moi. C'était un jeu de foot en mode 7. Ouais. Parce qu'il fallait vendre le truc, mais on voyait pas en vue comme on pouvait voir à la télé. C'est-à-dire que tu voyais derrière les cages du gardien jusqu'aux cages suivantes quoi. Enfin, ça marchait un pas. Un peu à la Olivier Tom quoi. Tu courais fond de terrain, tu montais tout le terrain vu de dos quoi. Ouais, t'avais l'impression de courir sur une pastèque quoi. Tu vois. Et voilà. Et moi, évidemment, hein, je le hurle haut et fort que c'est ma best console ever. Hein, ouais. Je suis un fan absolu de cette console et rien ne pourra l'enterrer quoi. Rien ne pourra l'enterrer. Ah voilà. D'accord, bon bah c'est dit, on verra ça dans le podcast. Là, professeur Oz, toi, bon, les auditeurs de la case rétro commencent à te connaître un petit peu, donc est-ce que c'est vraiment la Mega Drive que t'as découverte en premier? Est-ce que t'as connu la SNES? À quelle époque? Comment? Dis-nous tout. Moi j'ai connu, alors moi c'est bien simple, j'étais possesseur d'Amstrad à l'époque quand mes camarades découvraient par exemple le jeu vidéo avec la NES. Le jour où on a su qu'on allait acheter une console, mes parents ont dit qu'on allait acheter une console, mon frangin avait un peu décidé, mon grand frère, et il m'avait dit tiens on va acheter la Mega Drive. Je savais pas ce que c'était, j'avais dû voir ça dans un magazine comme Génération 4 qui avait fait un reportage sur ces étranges objets qui venaient du Japon qui étaient appelés consoles de jeux vidéo. Et en fait je me rappelais que j'étais tout petit, je devais avoir 8-9 ans. Et je comprenais pas trop parce que moi, pour console, on parlait de NES, de Master System, ce qui fait que pendant un moment, je me rappelle vraiment, c'était à la fin de l'année 90, tous les samedis, on allait dans les grands magasins faire les grands magasins avec mes parents et mon frère, et on passait dans ces magasins, genre Conforama ou les supermarchés, et puis on passait devant les trucs console, et puis ils demandaient la console, et puis moi, je comprenais pas, on repartait les mains vides parce que la console n'était pas encore sortie, ou du moins les distributeurs ne les avaient pas reçus. Ah. Et je me rappelle un jour avoir pleuré parce qu'on était passé devant une Master System, et puis je me dis, mais j'en ai ras-le-bol, je veux la console, en gros, je voulais la Master System, j'adore la Master System, et mon frangin m'a dit, mais arrête, t'es con, c'est pas ça qu'on veut avoir, on veut avoir la suivante quoi. Et ouais. En fait la Mega Drive, moi j'ai la première fois que j'ai mis les mains dessus, c'est pas dans un magasin, c'est simplement quand on a acheté la console, on est rentré à la maison, on l'a déballé avec mon frère, on l'a branché directement sur le téléviseur et puis on a joué à Altered Beast. Alors Altered Beast, je le connaissais déjà en arcade. Ça m'a fait bizarre voilà justement d'y jouer. Donc voilà, c'est assez particulier parce que je me rends compte que finalement la première fois que j'ai mis la main dessus, c'était tout simplement à partir du moment où elle est arrivée dans mon foyer. Et voilà, et puis donc voilà, donc mon attachement à cette console vient aussi du fait que c'est mon premier contact avec le monde des consoles. J'expliquerai après pourquoi dans l'émission je reste très attaché à cette console, que je la cette défends. Manette. Mais après, on va être très très clair également. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu aucune rivalité par rapport à la Super NES. Super NES, c'est une console que j'ai également pratiquée parce que j'avais des potes qui l'avaient. On était sur 7-8 potes. On devait être 3 à avoir la Mega Drive et puis 4-5 qui avaient la Super Nintendo. On allait les uns chez les autres. On jouait à la Super Nintendo, on jouait à la Mega Drive et dans nos groupes de potes, il n'y avait pas de rivalité où ça trollait pas. Ça se chambrait pas, quoi. Ouais. Non, honnêtement, ça se chambrait pas du tout. C'est-à-dire que quand on allait chez eux, on était très contents de pouvoir jouer aux jeux Nintendo. Quand eux, ils venaient chez nous, ils étaient très curieux de pouvoir jouer justement aux jeux Mega Drive. Il n'y avait vraiment pas cette animosité. Et en fait, cette espèce de rivalité, moi, je la ressens surtout depuis que je m'intéresse au rétro gaming. Mais honnêtement, moi, la Super Nintendo, c'est une console vraiment que j'aime beaucoup. S'il faut dire que s'il y a la meilleure console 16 bits, je pense que ça reste la Super Nintendo parce que si on regarde 20 ans après. Non, mais attendez, il y a une question d'objectivité. Il y a une question d'objectivité. La Super Nintendo, si on regarde 20 ans après, c'est vrai que par rapport à son catalogue, par rapport à ce qu'elle a pu laisser, par rapport aux séries qui ont pu naître dessus, c'est une grande console, c'est peut-être la plus grande console, mais il n'empêche que moi, je continue à préférer la Mega Drive et les raisons, je les expliquerai au cours de l'émission. D'accord, non mais je sens bien, c'est le mec qui commence à vous caresser dans le sens du poil, tu vois. Si je peux revenir sur la guerre, moi par contre, je l'ai vraiment vécu à la cour de récré. Ah ouais. C'est-à-dire que on était toujours potes, hein, c'était pas West Side Story, hein, faut pas déconner non plus, tu vois. On n'arrivait pas en claquant des doigts, genre hey. Non, par contre, c'est vrai que quand on était chez un pote qui avait la Super NES, on chambrait souvent sur les jeux, et inversement, quand un pote qui avait la Super NES venait chez ceux qui avaient la Mega Drive,
on se faisait chambrer, etc. C'était vraiment un truc à savoir quelle était la meilleure des deux, quoi. Mais je pourrais pas te dire d'où c'est parti. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça avait toujours été le cas, en fait, Sega et Nintendo au final. Puis un petit peu les magazines aussi, on lit, voilà, les magazines. Mais c'était surtout Sonic Mario, en fait, à l'époque aussi. Il y avait une rivalité entre Sonic et Mario qui était beaucoup plus palpable, parce que là, pour le coup, c'est comme Batman et Spider-Man, quoi, qui est le meilleur, quoi. C'est pas mal. Ouais. Non, mais en fait, tu vois, t'as les potes de Punky qui venaient chez lui, le mec il disait, dis donc, tu saignes pas un peu des oreilles avec cette musique? Et là, Punky disait, attends, regarde, on joue à Street of Rage à deux, qu'est-ce que tu fais avec, voilà, Final Fight, toi? Je lui mettais le son à fond. C'est ça. Subikun, toi, première rencontre avec ces consoles, par laquelle t'as commencé, voilà, quelle époque, tout, dis-nous tout. Bah, alors moi, c'était quand j'étais au primaire, premier contact avec la Super, j'étais donc sur ma Master System à l'époque, et je vois un de mes camarades de classe qui arrive avec le mode d'emploi, parce qu'il y en avait encore à l'époque, de Super Mario World, et tu sais, bah, je vois tous les détails de Mario, de Yoshi, sachant que j'avais déjà pratiqué chez des cousins Super Mario Bros 3, donc là, je vois le graphisme, etc., je me dis, oh là là, ça me donne envie. Et donc, à partir de cette date-là, j'ai commencé à économiser sévèrement. Ah. Parce que comme j'avais raconté à l'époque, je m'étais posé la question de si j'allais revendre ma Master ou pas. Je l'avais dit dans le podcast sur le CAS avec Gamerside. Oui. Et donc, rapidement, en fait, grand radin que je suis, voulant pas lâcher, on va dire, ma console Master System chère à mon cœur pour un prix trop faible, bah, finalement, j'ai économisé pur et dur pour avoir suffisamment d'argent pour me payer la SNES, et j'ai fini par me l'acheter plusieurs mois, voire je sais même plus combien de temps, voire peut-être même une année après, avec le pack Super Nintendo avec Super Mario All-Star dedans. Ouais. Et donc là, moi, j'avais pas Super Mario World finalement, mais j'ai pu me faire super plaisir sur... sur cette première trilogie de Mario Bros que j'aime beaucoup, et surtout j'ai beaucoup joué à cette époque avec ma sœur, et finalement mon premier contact que j'ai eu après avec la Mega Drive, j'avais raconté dans le podcast sur S1 Gym, c'est avec un pote du collège qui lui avait une Mega Drive et avec qui on s'était fait un échange de consoles, sachant que c'était déjà un stade assez avancé pour les consoles, donc chacun avait une blinde de jeux, et donc on s'était passé l'ensemble de nos ludothèques respectives, et c'est à ce moment-là que j'ai touché à la Mega Drive. Mais moi, pour en revenir à la question de la guéguerre, moi, quand j'étais surtout au primaire, début collège, en fait, tous mes potes avaient la SNES. Donc, pour moi, il n'y avait pas de guerre. À part ce pote-là qui avait la Mega Drive, tous les autres avaient la SNES. Donc, finalement, je n'ai pas spécialement eu de guerre l'une par rapport à l'autre, parce que je ne connaissais pas de gens qui avaient la Mega Drive. Ouais. D'accord, mais comment... Comme tu dis, tu avais la Master System, et pour toi, c'était pas limite logique de dire les jeux que j'ai aimés, les Sonic que j'ai aimés sur Master, moi j'ai envie de les retrouver sur la prochaine console de Sega. Il n'y avait pas ce côté un peu, pas fidélisation, mais de se dire il y a des licences que j'aime et j'ai envie de les retrouver. Toi, c'était vraiment, c'était pas ton cas, quoi. Non, parce que moi, ce que j'aime, c'est les jeux, et dès l'époque, j'en avais rien à foutre si c'était Sega ou Nintendo. Mmh. C'est juste que je voyais les jeux sur Super Nintendo, ils me faisaient plus baver que ce que je voyais sur Mega Drive. En soi, tu sais, c'est pareil sur Mega Drive, les jeux que je voyais, c'était, comme tu dis, c'était les licences que je connaissais déjà sur Master, et j'avais un peu envie de voir autre chose. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, c'était pas que je pensais qu'elles étaient moins bien ou autres, c'est juste que j'avais envie d'essayer autre chose. Non, déjà. De toute façon, Soubi, vous avez vu, hein, vous le remarquez dans les podcasts de la case rétro, Soubi est un joueur différent, tu vois, qui fait des jeux sur 10 ans, qui les continue comme ça. Donc, et là, dès l'époque, il s'est dit, voilà, c'était pas mal la Master System, je vais tenter autre chose, je vais aller chez le concurrent voir s'il me propose. C'est, voilà, c'était des. Paraît-il des... qu'il a acheté la 3DO après. Non. C'est une rumeur. Hein. Gerfo, toi, je me tourne vers toi parce que Gerfo, on le sait, tu es notre PCiste de l'extrême, et là, on parle de Mega Drive. Super Nintendo, mais justement. Qu'est-ce qu'il fait là, le Gerfo? Voilà, est-ce que t'as un passé avec ces consoles déjà? Pas spécialement, en fait. Hein. Je dois dire. Non, est-ce que tu sais de quoi on parle? Bonsoir, c'est la case rétro. Alors, on a Sega d'à côté. Alors, l'Amiga, de l'époque, des manettes. Il y a des manettes.
Non, non, bien entendu que j'ai entendu parler de toutes ces consoles, mais pour moi, c'est des objets. C'est des objets que j'ai découvert extrêmement tard. Des objets. Écoutez, oui, non, non, mais je dis ça élitiste tout de suite. Une merde que j'ai découvert, mais alors. Non, mais non. Oh, un bout de plastique, là, je ne comprends pas. Vous êtes méchant. Vas-y, continue. Non, non, mais. C'est des objets que j'ai découverts assez tard. Pour moi, c'est même l'idée même de guerre entre consoles. Je l'ai vu chez certains de mes amis. Ouais. Façon qu'ils avaient de dire ouais, je préfère ça et ça. Mais j'ai découvert très 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 tard ce que c'était les consoles de salon et même cette mystique qu'il y a à côté de ah c'est Sega le meilleur, c'est Nintendo le meilleur. Donc j'avoue que je viens un peu écouter en néophyte. Ceci dit, bon, j'ai quand même eu moi aussi quelques amis par procuration qui m'offraient des choses que je connaissais pas beaucoup. Oui. Époque et c'est vrai que c'est assez sympa de voir tout ce qui est fait sur les consoles et de découvrir. Donc moi j'ai pas spécialement d'avis dire celui-là est meilleur que l'autre etc. Je vous dirais juste que tous les jeux de PC qui ont été adaptés sur console en général ne rendent pas hommage au matériel initial. ça malheureusement c'est assez vrai. Et voilà. Parce qu'on avait pu le dire avec Super Metroid, par exemple, que Subit a fait découvrir, toi. Et après, en plus, avec l'émergence du speedrun, c'est quand même des trucs que t'avais pas sur ton PC et que t'as raté finalement, ça. Non, mais voilà, que j'ai. Alors, moi, pour ça, je dis vraiment, vraiment merci à l'émulation. Alors, on n'est pas du tout là pour parler de ça ce soir, mais c'est des choses que j'ai découvertes sur le tard. Voilà. Et c'est ce qui m'a fait aussi réviser un peu mon avis sur les consoles. Il y a de très, très bonnes choses sur console, c'est évident. En fait, si je peux me permettre, T'as découvert la SNES et la Mega Drive quand t'as pu jouer au clavier, quoi, non? Bien joué! Hein, on peut le voir comme ça, si on veut. T'aurais pu découvrir la Mega Drive avec le combo PC Mega Drive qui était sorti. Ouais. Comment il s'appelait déjà ce PC avec Tera Drive. Un truc avec Amstrad et tout. Le Tera Drive. Ouais, le Tera Drive. Tera Drive. Magnifique. Partenariat avec Amstrad. Ah putain, franchement, j'ai beau adorer ces gars, putain, mais. On en parlera, mais voilà. Ils ont une politique de je sais pas, c'était de très matériel qui était particulier. Hein, voilà. C'est pas Sega qu'il faut blâmer, c'est Amstrad. T'as vu la GX4000, s'il te plaît. Ah, mais. Ouais. On aurait attendu un peu, on aurait eu le Megazord, on sait pas. Voilà, peut-être. Looping, notre régisseur de l'extrême de l'impossible. Toi, je sais que t'aimes pas mal les deux consoles, que t'as un affect quand même pour la SNES, mais c'est quoi ton premier contact avec ces machines? Moi, j'ai eu la Mega Drive en premier, parce que j'avais la NES à l'époque, et puis j'allais tout le temps dans les supermarchés, je regardais un peu ce qui se faisait, et puis j'avais vu la sortie de la console, et ça m'avait plu avec Alter Beast, hein, j'avais eu ce fameux pack. Ça t'avait plu avec Alter Beast? Non, mais bon, voilà, j'ai vu que, voilà, enfin, graphiquement, si, il y avait. Attends, il y avait une sacrée différence avec la NES, hein. Alter Beast, maintenant on en rigole, mais à l'époque. Je te rejoins, Looping. Ouais. Moi j'avais joué chez ce même copain là, qui avait Space Arrière. Ouais. Le Altered Beast, moi il m'avait scotché à l'époque, hein, franchement. Ouais. Maintenant ça prête à sourire. Même si le jeu il était pas terrible, mais. Pourtant, moi qui suis un fervent défenseur de la Mega Drive, Altered Beast, ça m'a. Enfin, j'ai commencé avec Sonic 2, donc Altered Beast c'était un gros retour en arrière quand j'y ai joué. Voilà, ouais. Et j'ai toujours trouvé ça nul. Mais je suis d'accord, mais comme toi, t'as commencé plus tard. Si tu veux, moi en sortant de la NES, Altered Beast, tu avais l'impression que je jouais à un jeu d'arcade. Quoi. Double Dragon mais avec des sprites géants, quoi. Voilà, ouais. Donc bon, enfin bon, après j'ai eu tout un tas de jeux sur la Mega Drive, une console que j'ai bien aimée, hein, franchement. Voilà. Et donc en 90, j'ai un de mes meilleurs potes de l'époque avec qui je faisais beaucoup de gaming. Son frère, un jour, il me dit tiens, on a acheté la Super Famicom avec Super Mario 4, parce qu'à l'époque on ne disait pas Super Mario World, on disait Super Mario 4 en version japonaise. Et donc je vais chez lui et là je prends une claque, je lui dis ah ouais bon. Je dis ok, faut que je passe à la Super Famicom. Donc j'avais demandé pour mon anniversaire, donc en février 91, j'avais commandé chez Shoot Again en VPC la Super Famicom. Donc j'avais reçu la console avec Actraiser,
C'était pas un pack, hein, c'est parce que. Actriser, le premier podcast de la case rétro. Voilà. Il doit faire très mal aux oreilles celui-là. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Et du coup. Je confirme. Le Shoot Again, en fait, il disait à l'époque, tu choisissais pas le jeu, il t'envoyait un jeu qu'il voulait avec la console, quoi. Tu pouvais pas choisir. Oui. Donc, oui. Il disait console avec un jeu, et puis tu recevais ce que tu recevais. Donc voilà, oui. Donc après, entre temps. Bah, j'ai bien, t'as le droit à la Super NES quand t'imposais les jeux, donc j'aime bien la liberté. Enfin, c'est ouais, bien le concept aussi. Et entre temps, donc j'avais revendu la Mega Drive à un cousin pour avoir un apport d'argent en fait pour acheter la console parce que je l'avais payé 2500 francs hein, la Super Famicom. Oh yo yo. Et oui, hein, c'était de l'import. Et c'est qui qu'on traitait de bourgeois parce qu'on avait une PC en G. Petite histoire, cette Super Famicom a rendu l'âme peut-être, je sais pas, peut-être 3 ans après. Je crois que j'avais parce que j'avais un. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Super Famicom, elle était vendue sans adaptateur secteur. Ouais. Donc il fallait les Japonais en fait ils avaient pas l'adaptateur secteur, ils utilisaient celui de la Famicom je crois pour la brancher. Oh. Et donc moi Shoot Again m'avait donné un adaptateur comment on appelle ça là, les adaptateurs où tu peux régler l'ampérage tout ça là, tu peux mettre sur les Game Boy. Ah sur les... oui. Voilà. Mmh. Et je crois que un jour j'ai molette, la petite réglette sur le dessus. Voilà, c'est ça. Et je crois qu'un jour j'ai un peu merdé avec ça et j'ai grillé la console. Ce qui maintenant, ça se trouve, serait très facile à réparer, mais à l'époque, voilà, j'ai pas cherché plus loin. Et j'ai acheté une version européenne. Et là, ça a été la catastrophe. Parce que je suis passé. Ah bah oui. Ah, c'est tout lent. Et oui, je suis passé du 60 au 50 Hz. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros palier entre les deux formats, quoi. En plus, t'as été obligé de limiter tes jeux fermés Super Famicom pour que ça rentre sur ta SNES là. Ah bah non, mais c'est des jeux, US que t'es. Voilà, c'est les jeux US que t'es carré. Donc non, pour ma Super Famicom, en fait, je pouvais toujours pour ma Super Nintendo, bah j'utilisais la D29, mais oui. Je mettais une cartouche japonaise derrière et enfin non, inversement, enfin tu sais, tu pouvais. AKA ouais. Le grille-pain. Ouais. Exactement. Donc voilà quoi. D'accord, donc t'as commencé par la Mega Drive, on s'en rend pas assez compte. Ah ouais, j'en parle pas assez, ouais. Ouais, c'est ça. Il en a caché. Le mec fait honte. Professeur Oz, un petit tour sur le chat, comment ça réagit du côté des auditeurs de la case rétro? Eh bien, pour les gens qui sont présents, il y a quoi une il y a déjà à peu près 5000 personnes. Hein, à peu voilà. D'ailleurs, il y a quelqu'un de haut bas gauche droite. On leur fait un petit bisou. Hein. Bonjour. Et ben en fait, ça le débat, il est déjà bien lancé sur le chat et ça se balance pas mal à nom de jeu. Tiens, Sparkster était mieux sur telle console et tout, Aladdin et tout. Enfin, c'est rigolo. Donc le débat est vraiment déjà bien parti. Ça se liste les jeux et puis ça troll joyeusement et dans une ambiance bon enfant, on va dire. C'est génial. On a l'impression que Professeur Rose, c'est le chroniqueur dans Interville, tu sais. Gilux, Gilux, la fête est basse. Mets lunettes, Gilux. C'est magnifique. Bon, on va se lancer dans la première partie de ce podcast live Mega Drive versus Super Nintendo. Maintenant qu'on a fait un petit tour de table et que tout le monde a dit à peu près comment il a rencontré ses consoles, on commence à soupçonner un peu les différents camps. On va se lancer dans cette première partie. On va parler des consoles elles-mêmes. On fera les jeux en deuxième partie. Vous inquiétez pas. Donc, on va commencer par un truc tout con. C'est le design. Quelle est la console qui était la plus belle? Voilà, c'était comment quand vous voyez ces consoles. Console, laquelle vous disait de donner envie, laquelle était facile et belle. Facile. Ouais, Xbox. Au niveau du design, toi, t'es Mega Drive, quoi. C'est parce que c'était une identité. Parce que en fait, c'est une des raisons pour laquelle j'ai quasi pas joué à la Super, enfin que j'aimais pas jouer à la Super NES, c'était une espèce de design play school. On aurait dit, tu sais, avec les boutons de couleur. Mais les boutons de couleur, s'il te plaît. Comme si on était autiste, sérieux. Enfin, je veux dire, je veux bien qu'il y ait 4 boutons, mais de la mettre des couleurs et en plus les. Enfin, il y a un truc pas logique, ils mettent des couleurs, ils les appellent X, Y, Z, W, je sais pas quoi là. C'est bon, moi ça m'a saoulé déjà. Et puis sur Gak, c'est quelle couleur? Oui. Et puis non, il y avait trop de facilité. T'avais l'impression d'être assisté, quoi. T'avais un bouton éjet, quoi. C'est bon. C'est pas comme si c'était dur de retirer une cartouche. Pour la Super NES, soit la console la plus custom ces temps-ci, je me dis que. Ah, est-ce que tu peux sortir de ta grotte et revenir vers nous aussi? Je dis juste que pour que la Super NES soit la console qui soit le plus customisée maintenant par les rétro gamers, bah, y a peut-être une raison, c'est peut-être qu'à la base, esthétique, c'était pas la meilleure non plus, quoi. Non, mais genre le buzz, looping, le buzz. Non, mais c'est une critique qui se vaut. Soubi, t'as pas l'air d'accord. Ouais, parce que moi, je trouve vraiment que le design de la SNES, c'est presque, enfin, pour moi, à l'heure actuelle, la console la plus sympathique en termes de design. Ça reste que j'adore et je trouve justement parce qu'elle est extrêmement simple et efficace, c'est ça que j'adore dans son design et c'est ce qui fait aussi, moi à l'inverse, je dis qu'elle est beaucoup customisée, c'est parce que justement elle est un design suffisamment sobre et élégant pour pouvoir la customiser et faire qu'elle
elle a encore plus de goût. Enfin, voilà, c'est vraiment une console que je trouve, parmi toutes celles qui sont sorties, celle qui me plaît le plus. Encore à l'heure actuelle, ouais, je la trouve extrêmement jolie. Et franchement, moi, la Mega Drive, j'ai beaucoup de... Alors, je parle de la SNES européenne ou japonaise, hein, parce que par contre, le design complètement carré US, je ne le supporte pas. Je préfère le dire tout de suite, je le trouve absolument abominable. Et donc, je disais, moi, c'est la Mega Drive 1, j'aime pas du tout, je sais... C'est un design de console que je trouve vraiment pas super inspiré. Et c'est pour ça que je dis que j'aime bien la Mega Drive 2, parce que je trouve qu'elle commence à ressembler à une SNES. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aime pas, en fait, d'un seul coup, tu viens de te rappeler. C'est un flûte. Mais moi, Mika de Twix. Si je peux me permettre, moi, je rejoins totalement Soubi et Punky, là, j'ai envie de lui dire, on va le kicker. Parce que moi, ce que j'affectionnais sur cette console, c'était la simplicité, le design. La manette, c'est pas encore le débat, mais les couleurs, justement, moi, je trouvais que c'était extrêmement efficace parce que j'ai toujours travaillé, entre guillemets, aux couleurs sur les touches, tu sais, quand t'avais des QTE d'époque. Ouais. Et en revanche, je rejoins Sub. Je sais pas ce qui s'est passé quand la console elle est arrivée aux États-Unis, parce que cette console, je l'ai pas et je n'en veux pas, quoi, parce que selon moi, elle mérite pas de trôner sur mes étagères. Il faut savoir qu'historiquement, en Europe, on a failli avoir le modèle qu'ont connu les États-Unis. Hein. Ça s'est fait vraiment à la toute fin. Ils ont décidé de prendre le format japonais, mais on aurait pu connaître ce modèle carré, violet. Enfin, voilà. Puis les boutons, ils sont moches aussi, parce que t'as un violet et un violet clair, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Super. Alors là, c'est le pire de pire que tu peux faire. Nintendo. Ouais. C'est ça. Toi, Looping, toi, en termes de design, bon, on a dit, hein, c'est presque deux identités différentes. Hein. Il y a la console noire, il y a la console gris clair. Il y en a une qui ressemble à une platine de DJ, l'autre qui ressemble à un jouet. Tu vois, justement, c'est ce que j'allais te dire sur la Mega Drive. Je pense qu'ils ont voulu faire un côté un peu high-tech, tu vois, de l'époque. C'est-à-dire, tu sais, faire un peu, bah, tu sais, avec le bouton de volume que t'as dessus, quand tu branchais ton casque, tu pouvais monter le volume. Et je pense qu'ils ont voulu lui donner un peu un look un peu comme ça, genre chaîne hi-fi de l'époque. Enfin bon. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai, ouais. Et bon, je préfère vraiment la Super Famicom au niveau design. Par contre, j'avoue, il y a un truc que je trouve la méga classe sur la Mega Drive, c'est le premier Mega CD que tu mettais en dessous. Ouais. Je sais pas pourquoi, je trouve que quand ce combo là, je trouve qu'il déchire, quoi. Je dirais des vaisseaux spatiaux. Ouais, j'avoue que je trouve que ce combo. Bon, après, si un jour si la Super Famicom avait eu le lecteur CD, alors là, mon dieu, ça aurait été quelque imaginez, chose. Hein. Bah, ouais. Sony et Nintendo main dans la main. Mmh. Ouais, non, mais en plus, avec le Mega CD, là, c'est vraiment platine DJ. Hein. Tu bouges le CD, tu fais la réglette sur le côté, là, en plus, tu mets ton casque, c'est vraiment, tu te prends pour David Guetta, totalement. Non, il y avait les formes arrondies aussi, c'était un truc, enfin, je trouve qu'elle avait beaucoup plus la classe, elle était d'un noir un peu brillant et tout, enfin. Mmh. Elle avait un convoitateur sur la gauche. C'est ça, voilà. Et tout de suite, tu mettais ça sous ta télé, t'avais l'impression d'avoir un moteur de bagnole en dessous de ta télé, tu vois, c'était classe. Ouais, mais tu vois, c'était trop classe, quoi. T'avais une machine, quoi. C'était limite une machine à voyager dans le temps, le truc. C'est trop beau, alors qu'en face, t'avais un jouet, quoi. Avec les magnétoscopes noirs, ça faisait ton surton, en plus, dans ton... Ouais, voilà, c'est ça. Mais à côté, t'avais vraiment un jouet, quoi. Ça tranchait trop avec le reste... Enfin, à l'époque, avant d'être le gris puis le noir, bah c'était le noir la mode pour tous les magnétos, oui, les chaînes hi-fi et ça, tout. Ouais. Je pense qu'ils et du coup, voilà, le gris clair plus les boutons de couleur plus l'espèce de bouton on/off de la Super NES qui fait clac clac là. C'est vraiment l'impression d'avoir un jouet, quoi. Alors que. Et moi, ce clac clac, il est culte, hein, pour moi. Hein. Ouais. Ce clac clac, il est unique. Insupportable. D'ailleurs, c'est pas clac clac, c'est clac. Non, mais en fait, c'est sur Mega Drive. Sur Mega Drive, c'est clac clac parce que le temps que ça s'allume vraiment, c'est. Oh, c'est moche. Ah non, mais moi pendant des années, hein, c'était vraiment on prie pour que la lumière rouge s'allume, quoi. C'est. Ouais, moi j'ai pas de soucis, mais juste pour revenir sur la Mega Drive 2, le rouge sur le noir, ça faisait quand même un peu, ça faisait motard, quoi. Je sais pas. Moi, je l'ai sous les yeux, la Mega Drive 2 là, magnifique. Franchement, elle est pas belle. Elle est pas dégoûtante parce que bon, j'ai quand même la Xbox qui est juste à côté. Et là, j'ai un petit peu peur, mais. Un truc tout bête, mais la SNES, c'est une console qui vieillit bien dans le temps. Je parle au niveau design.
Au niveau design, oui, on en parle. Puis au niveau, non, au niveau matériaux, parce que, oula par exemple, une SNES, ça jaunit. Tu verras jamais une Mega Drive jaunir. Le camp Mega Drive, laissez Mikado parler, ça peut être un avantage pour vous à la longue. Ouais. Et un truc tout pourra être retenu contre lui. Les deux tétons, là, orange, là, pour allumer la console, là, et ben, ils vieillissent mal. Au bout d'un moment, ils sont plus très droits, tu vois. Et moi, ça me dérange. Alors que sur SNES, il y a ton claque et ça marche. Et puis, voilà. Sauf que tu verras jamais une Mega Drive venir, jamais. Justement, apparemment sur le chat, ça parle justement de ce phénomène de SNES jaune. Ouais, ça a trollé un petit peu justement sur le fait que la Mega Drive 2 était plus belle, moins belle. C'est assez partagé hein, finalement. Bon, le fait que la SNES a un design qui est assez épuré, ça revient. Et puis c'est vrai que les gens, je pense qu'en majorité, il y a quand même des défenseurs de la SNES sur le chat. Mais voilà, on peut pas non plus dire qu'elle vieillit bien la SNES en termes de forme, d'esthétique. Oui, mais elle jaunit quoi. Il y a quand même ce problème-là. Si je peux me permettre maintenant de donner mon véritable avis, parce que tout à l'heure je me suis permis gratuit sur la Super NES. Moi, le truc c'est que la Mega Drive, faut bien savoir que je l'ai connue. Là, on n'avait pas encore la forme définitive de la Super Nintendo, donc je savais pas à quoi elle allait ressembler. Mais moi, le jour où j'ai déballé la Mega Drive, quand je l'ai découverte chez moi, j'ai trouvé la console magnifique parce que justement, on le disait tout à l'heure, je pense que Sega s'adressait peut-être à un public plus adolescent, là où Nintendo restait encore peut-être plus familial, plus pour les enfants. Et j'avais adoré justement cette esthétique très asymétrique. Il y avait un côté ovni, justement, un côté un peu sous volante avec cette forme arrondie et j'adore toujours ce design. Franchement, la première Mega Drive, je trouve que c'est une console qui est magnifique. Moi, c'est une console, j'adore son esthétique. Pour avoir fait des petites quelques études sur le design, j'aime vraiment cette console. La Super Nintendo, oui, elle a une esthétique qui est simple, qui est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on repère tout de suite à quoi les boutons vont fonctionner. Et c'est vrai que pour les personnes à qui elle devait s'adresser, c'est clair. C'est-à-dire, pour les personnes à qui ça s'adressait, mais non, mais ce que je veux dire, c'est Google, c'est les mecs qui savent pas allumer. Ah non, mais là c'est pas gros bouton. C'est pas ça, c'est pas une critique, c'est que la Super Nintendo, tu la prends, tu vois, tu sais à quoi vont servir les boutons. T'as le bouton éjecte, le bouton reset, t'as le bouton pour allumer la console. C'est vraiment une console qui est claire, qui est facile à comprendre. Je peux comprendre qu'à la limite que la Mega Drive, on n'apprécie pas son esthétique. Mais après, voilà, je trouve presque que la Super Nintendo a un design qui est trop passe-partout. La Mega Drive, moi, je sais que, et je vais en revenir souvent durant l'émission, moi, ce qui me parlait justement, c'était qu'elle me donnait l'impression d'avoir un objet high-tech, un objet presque adulte, et c'était pas un jouet. C'est-à-dire qu'on était habitué finalement à avoir des appareils qu'on branchait sur les téléviseurs qui étaient vraiment des jouets, et là, pour le coup, on avait autre chose. Et pour moi, ça reste vraiment, il y a cette image-là de côté high-tech. Et du coup, la Mega Drive 2, quand elle est sortie, je l'ai trouvée extrêmement laide parce que du coup, tout ce côté très caractéristique de la première console, de la première Mega Drive, on l'avait perdu. Pour moi, l'intérêt de la Mega Drive 2, c'est juste quand elle est associée au Mega CD 2, parce que je trouve que le combo Mega CD 2 avec Mega Drive 2 fonctionne plutôt correctement et est assez agréable à voir. Voilà. Après, je suis comme Looping. Moi, je garde quand même une préférence pour le premier Mega CD avec la première Mega Drive, même si du coup, on a une espèce de Transformers sous le téléviseur. Mais voilà. Après, voilà. Moi, la première Mega Drive, je pense, enfin, je le dis tout net, pour moi, c'est en termes esthétiques, c'est la console que je préfère de toutes les consoles. Ah oui. Je rajouterais juste un petit truc dont on n'a pas parlé, c'est le logo de la Mega Drive, brillant, avec son espèce de cercle autour, on dirait un logo de bagnole, quoi. T'as vraiment l'impression d'avoir une grosse cylindrée devant les yeux. Un peu K2000. Ouais, voilà, c'est ça. Bonsoir et bienvenue sur le site de JackieTouch.fr. Ce soir, un podcast spécial logo de... Non, mais moi, je sais pourquoi je la kiffais pas, parce que j'en ai rien à foutre des bagnoles, donc c'est pour ça. Ah, bah voilà. Ah, je te rassure, moi, j'en ai pas avec Jackie et... Pardon. Oui, c'est bon, Mika. mais c'est après, sur le design, quand on voit la Mega Drive 1, on peut se dire que si on connaît bien Sega, qu'on voit la gueule de la Master System 1, qui s'était à peu près calmée au niveau du design, hein, parce que la Master System 1, en termes d'art conceptuel, c'était autre chose. Je la trouve super classe. Autant la Master System 2, j'aime pas du tout, du tout. C'est celle que j'avais, la toute ronde, là, elle avait des bourrelets. Avec son couvercle que tu refermais, c'était génial, ça. Exactement. Ah, la une, moi, je la trouve vraiment classe. Hein. Je la préfère de loin. J'ai toujours préféré la 2, mais question de goût. J'aimais pas le côté rouge bordeaux là de la Master System 1, en fait. Mais bon, après, moi, je préférais l'Amiga, mais c'est autre chose. Hein. Gerfo, l'homme neutre. Ouais, j'écoute là. Mais vous êtes sérieux quand vous dites que vous préférez regarder la console qui jouait? Oh là là. Parce que sérieusement, enfin, je veux dire, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas l'aspect extérieur. Ouais, quoi, mais Gerfo, la console, elle reste sous ton téléviseur, tu la ranges pas dans la boîte après, donc forcément, tu vas garder un truc sous meuble. Je sais pas, je passe pas mon temps à lustrer la tour de mon PC juste pour dire, oh putain, il brille, c'est trop beau, quoi.
Enfin, je sais pas, mais c'est... si, ceci dit, ça s'est développé après. C'est vrai que t'avais eu les custom, les bois, les tours custom avec les néons et tout ça. Comme, ça existe encore, hein, je te rassure. Oui, non, mais c'est à l'époque aussi qu'on a vu apparaître ça. Mais je veux dire, enfin, c'est, je sais pas, enfin, c'est qu'un boîtier avec des composants électroniques. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dans les cartouches, quoi. Ouais, mais Gerfo, à l'époque, il fallait voir que les constructeurs comme Sega, Nintendo cherchaient aussi à s'adresser à un public plus grand. Ils cherchaient justement à sortir des rayons jouets auxquels ils étaient catalogués, surtout en Occident. Donc forcément, qu'est-ce qui leur permet de sortir justement du rayon jouet? C'est d'abord l'esthétique de l'objet. Il vaut mieux ressembler à la limite à un magnétoscope ou à un lecteur de CD plutôt que de ressembler à un jouet ou à une dictée magique, quoi. Mais ça reste encore aujourd'hui, c'est même aujourd'hui dans les dernières consoles. c'est ce que j'allais dire l'absence de design. Merci. Pour les consoles, Gerfo aussi, toi qui es très pessimiste et qui n'a pas nagé là-dedans, c'est qu'aussi c'est même pas qu'un objet que tu vas acheter pour jouer à des jeux, c'est presque une identité que tu veux acquérir. Ouais, d'accord, mais si tu veux, moi j'ai eu deux consoles Nintendo, j'ai eu celle de la génération d'avant et celle d'après, j'ai eu une NES et une Nintendo 64. Pour moi, c'était des objets qui étaient moches avant et après, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas esthétique dans un salon, ça l'a jamais été, une console. Ça jure sur le cadre, c'était joli. Ouh, une méga joli. Non, c'était pas joli. Je suis désolé. C'est voilà. Enfin bon. Moi, mon avis, c'est que c'est pas. C'est pas si important que ça. Mais bon, si je découvre votre monde, hein, donc. À l'époque, maintenant ça l'est moins, mais à l'époque c'était un critère de choix, les gens. Même encore aujourd'hui, je pense, Looping, les jeunes aujourd'hui, quand ils attendaient, tu peux prendre la présentation de la PS4, tout le monde a râlé parce qu'on n'avait pas vu la gueule de la console. Mais, les gars, on se calme, tu vois, c'est même encore aujourd'hui, ça tient, ce genre. Nintendo pour la Wii U, on a toujours pas vu la gueule de la console. Attendez. Attendez, un petit buzz là. Oh là là. Voilà. J'ai vu la gueule du gamepad, on dirait une Game Gear. C'est tout copié. Bah justement, Gerfo, comme tu dis que c'est secondaire le design, on va rentrer dans les consoles, on va parler de puissance. Comme on l'a dit, la Mega Drive est sortie 2 ans avant, ou la Super NES est sortie 2 ans après, ça va être une question de philosophie sur ce coup. Bah je vais me tourner vers toi, Soubikoun, en termes de puissance, est-ce que... Comme on laisse entendre, la Super NES serait la plus puissante. Est-ce que c'est vraiment, sur tous les points de vue, elle défonce le Mega Drive? Tu lances le sujet bien, bien compliqué. Attention. Alors, attention. Pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, en fait, la SNES est une console qui est extrêmement intéressante du côté, en tout cas, de ses coprocesseurs graphiques et sonores, mais qui souffre d'un très, très gros problème de processeur, on va dire central, qui malheureusement est une bouse absolument infernale, et je le dis parce que c'est vrai. Où malheureusement, ouais, le Nintendo a fait le choix à l'époque parce qu'il voulait en gros avoir une console rétro-compatible NES. Mmh. Et donc, du coup, ils ont cherché un pros 16 bits qui serait compatible avec la 8 bits NES pour pouvoir faire tous les... En gros, t'insères ta cartouche et ça fonctionne même si t'as mis une cartouche NES. Et comme on va dire Sega a pris les devants, a sorti sa Mega Drive et a pris Nintendo un peu au dépourvu, finalement, ils ont conservé ce processeur central par défaut. Et malheureusement, c'est quelque chose qui a posé après beaucoup de problèmes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce processeur central, il est quand même cadencé à une vitesse 2 fois moindre par rapport à la Mega Drive. Il est, je crois qu'il tourne autour des 3,7 MHz, là où surtout que le processeur central de la Mega Drive, qui a un 68000 de Motorola, qui était à l'époque extrêmement utilisé dans l'arcade, donc très bien maîtrisé, qui avait fait toutes ses preuves, qui lui est cadencé à 7,6 je crois, MHz. 767. Oh, excuse-moi. Et donc en fait, si tu veux, sur SNES, on peut dire que les jeux sont absolument magnifiques, parce que techniquement tu vas avoir un choix de 256 couleurs parmi, je sais plus, 32 000. Enfin, vraiment, le coprocesseur graphique est absolument énorme. Mais par contre, derrière, les jeux, certains qui étaient mal optimisés avaient tendance à la ramettre, quoi. Et on le voyait, par exemple, avec Super R-Type, quand on a fait l'émission sur R-Type, qui malheureusement, dès que tu avais un peu de sprite sur l'écran, ça souffrait fortement. Et c'est ce qui explique aussi, par exemple, quand on avait parlé de Final Fight, du fait d'avoir le mode aussi qu'un seul joueur, parce que c'était encore compliqué pour la SNES à être optimisée. Donc au bout d'un moment, les développeurs ont réussi à maîtriser quand même le système malgré ce processeur central extrêmement faiblard. Mais comme on dit toujours, c'est qu'est-ce qu'aurait donné la SNES s'ils n'avaient pas mis
ce processeur central. S'ils avaient mis un 68000 ou même un autre pros cadencé de manière similaire à celui de la Mega Drive, je pense que là, ça aurait été mais un monstre, mais de chez monstre, quoi. Et mais bon, là, tu dis qu'en gros, ils avaient fait ça pour faire de la rétrocompatibilité. On le rappelle quand même, ça n'était pas le cas à la fin, donc c'est un gros fail de sortie industrielle. C'est un gros fail, mais voilà. Et après, les développeurs ont dû faire avec, et du coup, beaucoup de développeurs à l'époque se plaignaient fortement de ce processeur central qui était quand même largement en dessous. Et là, il faut même si je suis un pro SNES, il faut le dire, qui était largement en dessous de celui de la Mega Drive. Mais par contre, Nintendo a été extrêmement fort sur ce qui allait à côté, notamment sur son processeur graphique et surtout sur les modes donc qu'ils ont intégré dedans, dont le fameux mode 7, le mythique mode 7, qui permettait de faire des effets absolument extra, sachant qu'il faut pas oublier que à côté il y a quand même les modes de 0 à 6, même si c'est des modes qui jouent essentiellement sur les effets d'arrière-plan, enfin sur le nombre d'arrière-plan que tu peux mettre, le nombre de couleurs que tu gères, les quelques effets de scrolling que tu peux rajouter. C'est surtout le mode 7 qui lui permettait de faire tout ce qui est de transformation mathématique, que ce soit des zooms, des rotations, des effets un peu de 3D, qui a été extrêmement puissant. Et après, là où aussi Nintendo a été super ingénieux, c'est sur l'intégration dans les cartouches en elles-mêmes de processeurs supplémentaires comme le Super FX, qui permettait un peu de booster tout ce matos. Mais voilà, le processeur central, on peut pas dire que c'était le meilleur choix au monde. Juste looping. Ouais, juste pour ajouter par rapport justement au manque de puissance du processeur central. En fait, ce qu'ils ont fait pour pallier, certains devs, ils ont été s'épauler par le processeur sonore. En fait, ils allaient puiser avec le processeur sonore pour épauler le processeur central. Il faut savoir que le processeur sonore de la SNES, c'est un processeur Sony et c'est un processeur qui a été créé par le créateur de la PlayStation. Ken Kutaragi. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Et en plus, les mecs se sont dit, non mais de toute façon, regarde le son sur la Mega Drive. Si on perd un peu de puissance au niveau sonore avec la SNES, personne, ils y verront que du feu. Vas-y, fou, prends sur le son. Je vois que tu as déjà choisi ton. Non, je suis neutre, voilà. Pour le son de la Mega Drive, on y reviendra après de toute façon. Oui. Tiens, Punky, on a parlé des lacunes de la SNES malgré en fait une avance. Elle est sortie plus tard, donc comme l'a dit Soubi, la Mega Drive a un peu coupé l'herbe sous le pied de Nintendo. Toi, en termes de puissance, le côté ce qui ressort le plus chez Retro Gamer, que la Mega Drive est vraiment inférieure techniquement à la SNES, c'est un truc que tu partages ou t'es pas d'accord? Non, pour moi c'est une idée reçue, parce qu'il suffit de regarder comment est géré tout ce qui est en dehors des modes de la Super NES, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment parallaxe et tout pur, comme dans les Sonic, Sonic c'est le meilleur exemple, mais t'en as d'autres, ne serait-ce que Gunstar Heroes, tout ça. Quand tu vois comment il y a des, enfin tu vois, tu prends un Mario sur Super NES, tu vas avoir un parallaxe, il va y avoir 2-3 couches quoi. Sur Mega Drive, tout de suite c'est 6-7 couches, 8 couches sur certains niveaux de Sonic 3 et Knuckles, que je connais bien et que j'ai exploré dans les moindres détails, où je me disais putain, mais il y a encore des couches derrière qu'on voit même pas quoi, c'est assez dingue. Et puis certes il y a cette histoire de chipset audio, mais pour moi aussi c'est un de Master System sur la Mega Drive, c'est ça. C'était le processeur central de la Master, c'est ça. Le Z80, il pilotait, mais le vrai chipset audio, c'était un Yamaha dans la Mega Drive. Exactement. Et le truc, en fait, je pense qu'il y a aussi une grosse idée reçue, qui est de dire ouais, les musiques, enfin le processeur audio, enfin le chipset audio de la Mega Drive était inférieur à celui de la Super NES. Je pense pas qu'il était aussi inférieur qu'on voudrait bien le croire. C'est juste que il était différent. Il était tellement différent, et c'est un chipset, pour travailler dessus, il fallait obligatoirement être musicien, parce que la façon de composer sur Mega Drive est tellement plus compliquée et plus musicale, entre guillemets, que il y a que quand des grands musiciens s'y ont mis, comme Richard Jacques, comme Yuzo Koshiro, etc., qu'on a eu le droit, ou Jun Senoue pour la série Sonic, qu'on a eu le droit à des vrais belles pièces de musique quoi. Tu regardes n'importe quel jeu éditeur tiers où c'était un péon de développeur qui s'occupait de faire trois tututes avec la musique. Sur Super NES ça passait très bien parce qu'il n'y avait pas besoin de plus pour que ça fasse beau.
Sur Mega Drive, si tu faisais ça, bah tout de suite tu sentais que voilà, c'est comme tu compares jouer sur une guitare électrique tout seul et faire jouer un orchestre symphonique. En fait, si on doit revenir simplement sur la comparaison entre la Super NES et la Mega Drive en termes de puissance, enfin plus particulièrement, je resterai plutôt sur le côté graphique parce que vraiment la partie son, bon moi c'est un truc qui me parle donc j'ai envie d'en parler après. C'est que moi en fait ce que je retiens souvent et j'avais déjà dit dans certains podcasts ou dans certains lives, c'est vrai que souvent la Super NES quand on prend les jeux, on a l'impression qu'ils sont plus beaux, enfin on a l'impression qu'ils paraissent plus beaux parce qu'ils sont plus colorés justement, alors que la Mega Drive avait peut-être tendance à être un petit peu plus détaillée, mais les palettes de couleurs utilisées étaient plus ternes parce que forcément la Mega Drive avait moins de possibilités au niveau de l'affichage des couleurs. Il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a quand même quasiment 3 ans qui séparent les deux consoles, 88, 91. Donc je veux bien que les deux consoles sont des consoles 16 bits, mais ce que je veux dire, Sega a voulu prendre de l'avance. Quand on veut prendre de l'avance, quand on veut être le premier sur le marché, forcément on s'expose aussi au risque d'être rapidement dépassé dès que le concurrent arrive. Donc moi c'est pour ça que souvent je me dis, quand j'essaie de prendre la défense de Mega Drive, je dis que c'est une console qui finalement s'est bien défendue jusqu'à l'arrivée des 32 bits, sachant qu'elle avait quand même 3 ans d'avance par rapport à la Super Nintendo, que ce soit sur les sons, sur les graphismes. Juste, je reviens par rapport au graphisme. Y a un type de jeu qui fonctionne très bien sur la Mega Drive et qui fonctionne pas moins bien sur la Super Nintendo. Et là, c'est pas du troll, mais c'est avéré. On prend les shmups. C'est-à-dire que les jeux peuvent être très beaux sur Super Nintendo, mais n'empêche qu'après, au niveau de la fluidité, de la rapidité, ça va plutôt assurer du côté de la Mega Drive, parce que justement, c'était deux philosophies de développement de ce côté-là. Non, mais tu le dis aussi clairement, là, tu parles de la différence de sortie, c'est encore plus éloigné que, par exemple, une Wii U et une PS4, tu vois, en termes de sortie de hardware. Et puis c'était énorme pour l'époque. Maintenant c'est vrai que la technologie va beaucoup plus vite, mais quand la Mega Drive est sortie, Sega se mettait justement en opposition par rapport à la NES et pas par rapport à la Super Nintendo. Alors sans doute qu'il y avait les bruits de couleurs qui faisaient qu'ils savaient que forcément Nintendo développait les 16 bits, mais ils fonctionnaient complètement à l'aveugle. Donc voilà, les consoles pour moi, elles ont chacune leur de qualité. Alors après certains diront que la Super Nintendo est plus puissante. Ils ont adapté les cartes arcade qu'ils faisaient pour en faire une console de jeu. Ils n'ont pas fonctionné avec. Ils ont juste fait le choix qui était le moins coûteux pour eux. Et ce que je veux dire, l'aveugle, c'était par rapport à la concurrence. Ouais, mais Oui. Je pense qu'ils regardaient même pas par rapport à la concurrence. Je pense qu'ils ont juste essayé de faire une console. Ils voulaient arriver plus tôt. Et pour arriver plus tôt, ils ont adapté les cartes arcade qu'ils avaient développées, qui limitait le coût de R&D et qui faisait que la console était extrêmement efficace, et surtout pour porter tous les jeux tirés d'arcade, c'était super efficace quoi. Mais c'est vrai, mais ça. Dites-moi si je me trompe, mais il y avait pas que Nintendo aussi en face de Sega, hein. Il me semble qu'il y avait encore l'Amiga, qu'il y avait encore certains micros qui sortaient, et forcément notamment chez Amstrad, je sais qu'ils sortaient ils ont sorti un ou deux modèles à ce moment-là. Bon, ça commence à faire un peu la gueule au côté des micros là depuis ne serait-ce que depuis la sortie de la NES. Il me semble que c'est à la même époque que justement la GX4000 est sortie chez Amstrad. Bon, leur a pas fait de grand. Ça c'est pas une rêve. Ouais, voilà. Non mais si tu veux, ce que je veux dire c'est qu'il y avait pas que Nintendo en face. Il fallait qu'ils regardent aussi un peu de tous les côtés ce qui se faisait. Et je pense qu'ils ont fait un choix économique, mais aussi pas trop économique. Ils auraient pu tout simplement sortir une Master System 3, hein. ils avaient déjà 3 SG 1000, 2000, 3000 au Japon, tu vois. Ils auraient très bien pu sortir un troisième modèle de Master System en attendant de voir ce que Nintendo faisait. Mais non, je pense qu'ils voulaient aussi marquer le coup, et c'est pas pour rien qu'il y avait Altered Beast qui était quand même adapté d'un jeu arcade, qui est sorti sur la console au line-up. C'était aussi pour montrer que voilà, elle en avait dans le bide. Et effectivement, la SNES est arrivée 3 ans après, mais même avec trois ans de retard entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, les deux consoles finalement se valent quoi. C'est bête à dire, mais ça serait impossible de les départager parce qu'elles ont chacune leurs qualités et leurs défauts. Et Punky, il y a un truc que t'as dit justement, il y avait les ordinateurs, mais il faut pas oublier non plus qu'il y avait un troisième larron dans l'affaire au Japon à l'époque, c'était NEC. Hein. Dans le chat, donc il y a beau avoir des fans de Mega Drive, de la fan de la Super Nintendo, quand NEC ou PS Engine apparaît sur le chat, j'ai l'impression que voilà, c'est l'arbitre qui vient entre les deux, parce que les gens, enfin voilà, ceux qui citent la chorégraphique disent clairement voilà le meilleur. Voilà, c'était presque le meilleur des deux mondes. Ça parlait également de la Jaguar, mais bon, je pense que c'est autre chose. Il y a erreur. C'était un troll.
Parce qu'à la base, il faut savoir que Nintendo, quand ils ont sorti la Super Famicom, c'était pas forcément pour contrer Sega, hein. C'était pour contrer NEC, hein, au Japon. Hein. Ah oui, parce qu'au Japon, la Mega Drive, voilà, elle marchait pas du tout. Voilà, hein. Voilà. Et apparemment, ouais, marché aux États-Unis. Ouais, Nintendo avait très peur de NEC parce que NEC au Japon c'est une société très puissante. Et ils ont sorti précipitamment la Super Famicom pour les contrer. Parce que Nintendo avait peur d'Hudson parce que Hudson était, voilà, un partenaire de la NES qui est parti voler de ses propres ailes avec NEC pour faire la PC Engine. Tout à fait. C'était une référence sonore, hein, par rapport à la mascotte d'Hudson. Voilà, c'est ça, j'ai un peu bzzzé. Oui, oui. Mais c'est important aussi de parler de ça, de NEC était aussi dans l'équation, ouais, exactement. Donc en termes de puissance, vous avez fait le pour, le contre, vous avez donné vos arguments. On l'a abordé tout à l'heure, on va parler un peu des manettes, comme on dit, pour y jouer. Voilà, on a besoin d'un pad. C'est un truc qui fait souvent débat. On dit souvent que le pad SNES est le meilleur pad de tous les temps, à tel point que Sony l'avait piqué pour son pad PlayStation. Professeur Rose, je vais commencer par le pad Mega Drive. Est-ce que ce pad est si mauvais qu'on le dit, sachant qu'on avait eu le pad Master System avant, hein. Alors, je peux pas, honnêtement, je peux pas être objectif parce que c'est le premier pad console que j'ai eu dans les mains. J'avais bien tâté justement de la NES, mais bon, la NES, j'ai beau adorer cette console, le pad, il restait, t'as la croix, mais c'était resté un pad carré qui était pas super confortable dans les mains. Moi, le pad Mega Drive, ce que je trouvais agréable justement, c'était les formes arrondies, et puis je le trouvais toujours efficace. Alors après, je trouve qu'avec le temps, il avait tendance à les boutons avaient tendance justement à vieillir, à perdre en précision. Mal. Parce que moi, il fallait justement, j'ai dû plusieurs fois redémonter mes manettes pour pouvoir remettre un peu les connecteurs. Donc je pense que c'est quand même une manette qui, objectivement, doit vieillir assez mal. J'ai pas énormément essayé le pad 6 boutons qui est arrivé un peu plus tard quand Street Fighter 2 est arrivé sur la Mega Drive. Il y avait un problème. Oui, mais enfin, moi je l'ai déjà dit, hein, moi Street Fighter 2, j'y ai toujours joué avec la manette à 3 boutons et j'avais pas. Oh non, oh là là, l'horreur. Mais, oh, j'avais l'horreur. Stick pour Street Fighter 2, j'avais le stick pour Mega Drive. Voilà. Très beau stick. Mais voilà, après, c'est vrai que quand j'ai pu mettre mes mains sur la manette Super Nintendo, si je dois juste commencer avec les critiques, pour moi, la seule critique que j'ai à faire sur la manette Super Nintendo, c'est sa taille. Parce que là, même maintenant, lorsque je reprends, je la trouve un peu petite. Après, en termes d'ergonomie, je trouve que c'est une excellente manette. Les 4 boutons, les 2 triggers, là, le L et le R, je trouve que ce sont de très bonnes idées. Et quelque part, je trouve même que Sega a été un peu trop timide parce qu'ils partaient d'une Master System qui était avec une manette à deux boutons. Et ils arrivent avec la Mega Drive qui a une manette à 3 boutons. Ils auraient presque pu être un petit peu plus ambitieux. Déjà, 4, c'est 4 avec le start. Ouais, mais enfin, bon, start, c'est pas un bouton d'action. Chez NEC, t'avais. Ah, bah, c'est sur Street Fighter 2, c'est pas un bouton d'action. Tu switches entre les coups de poing et les coups de pied. Mais ce que je veux dire, c'est que chez le mec dit ça normalement. Tu switches entre les coups de poing et coups de pied. Je vous montrerai, je vous montrerai. Mais moi, j'ai juste un argument pour la Mega Drive. C'est un truc tout con, hein. Ça n'a rien à voir avec la Super NES. Mais moi, il y a un truc, et c'est aussi pour ça que j'aimais beaucoup ma Mega Drive, c'est qu'à l'époque, à la maison, on jouait encore à l'Amstrad. Et on pouvait brancher les manettes de Mega Drive sur l'Amstrad. C'est vrai. Et c'était les mêmes ports. Et c'était tout bête, hein. Mais t'avais deux manettes Mega Drive, t'avais deux manettes Amstrad et tu pouvais jouer à deux à l'Amstrad, quoi. Et ça a changé beaucoup de choses. Après, je suis d'accord. Je te rejoins. Bon, moi, c'était un tout petit peu différent parce que je jouais avec la manette Master. Mais c'est vrai que c'était extraordinaire de pouvoir brancher une manette sur l'Amstrad, quoi. Si je peux juste terminer un truc, parce que après, voilà, parce que la manette Super Nintendo, je disais justement que pour moi, c'est une très belle manette et je pense que c'est une manette qui a posé vraiment les bases pour tout ce qui a suivi après. Juste après, inconvénient pour moi, enfin, je l'ai déjà dit dans le podcast, bon, le bouton L, comme je suis droitier, je ne réussis pas à l'utiliser. Alors, dans les jeux comme Street Fighter, j'avais beaucoup de mal pour faire les gros points, les gros Dragon Punch. Bon, ça, c'est une petite anecdote. Quoi ? Et après, non, mais voilà, En gros, même aujourd'hui, c'est les boutons LB, les gâchettes côté gauche. Non, je peux pas. Non, ça marche pas. Je suis droitier. Bah oui, malheureusement, oui. C'est pour ça que je le reproche. C'est pas un vrai reproche. Et la deuxième chose, mais là, c'est pas un reproche que je ferai à Nintendo. C'est un reproche que je fais aux développeurs sur la Super Nintendo. Parce que moi, lorsque j'ai découvert la manette Super NES, j'ai vu une manette avec 6 boutons. Et là, j'ai vu un champ des possibles, mais énorme, en me disant, tiens, s'il y a 6 boutons, mais on va pouvoir faire des trucs de fou dans les jeux. Et il y avait finalement 90% des jeux qui se contentaient d'utiliser 2 boutons. Le L, le R et puis les deux boutons ronds n'étaient quasiment jamais utilisés. Donc pour moi, c'était une déception. Donc c'est pas une déception de la part de Nintendo, c'est une déception de la part des développeurs qui se sont pas cassés la tête pour pouvoir utiliser correctement ce pad qui était un pad excellent. Ouais, on n'a pas dû jouer au même jeu. Hein. Looping, bah, toi, les manettes losange ou ligne droite?
Losange ou ligne droite. Pour les boutons. Voilà, c'est important parce que mine de rien, quand on joue avec les boutons en losange ou qu'on joue avec A, B et C les uns à côté des autres, c'est pas la même philosophie. Ouais, toi, ouais. Tu tranches dans quel camp? Moi, j'ai eu les deux, mais clairement, je préfère la manette de la Super Nintendo, rien que pour l'accès au L et R qui a complètement changé ma manière de jouer. Ça a complètement changé ma vie. Non, puis la croix. Non, mais la croix, tout simplement, je retrouvais la croix de la NES. Ouais. Parce que j'aimais pas trop la croix de la Mega Drive. Non, moi là-dessus, par contre, ouais, c'est clair et net. Mon camp, c'est Super Nintendo. Au niveau de la manette, il n'y a pas photo. Hein. Mm. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment débat quoi. Alors, est-ce que je peux juste ajouter un petit truc sur la manette Super Nintendo? Parce que c'est vrai que quand j'allais chez des potes qui l'avaient, il y a étant habitué à la manette à trois boutons, j'étais vraiment très très perdu au départ avec les X et Y en fait. C'est le nom. Tu vois, pour moi, il y avait AB, XY et moi ça m'a toujours. Je comprenais pas. Ouais, pourquoi pas AB, CD ouais. Quoi. C'est. Ouais. Et pour le coup, et L et R en plus, surtout quand t'es petit et que tu comprends pas que c'est pour left et right, t'étais en train de regarder sur les tranches lequel fallait appuyer. Donc voilà, il y a juste ça. Mais après, c'est vrai qu'en termes de solidité, de précision et de fiabilité, la manette Super Nintendo est au-dessus de la manette Mega Drive, mais de loin. Parce que la manette Mega Drive, elle est creuse. Une fois sur deux, elle a le clic-clic. C'est-à-dire, tu la secoues, elle fait clic-clic-clic-clic-clic parce qu'il y a un truc qui se balade à l'intérieur. Donc voilà, c'est. Mais après, j'ai un affect pour la manette Boomerang, quoi. Parce que il y avait une vraie ergonomie, il y avait un vrai truc. Tu pouvais jouer des heures, ça te faisait pas mal, tu vois. C'est... Mm. Ah, tu devais être déçu avec la PS3 alors. Quand ils ont arrêté. Je déteste la manette PS3. Je parle de la première version. Celle que tout le monde a oublié qui passe. Ah oui, le boomerang de la PS3 là. Ah oui, c'est vrai. Oui. Exact, ouais. Je suis sûr c'était super bien. Pas dans le même genre, je crois que t'as la manette de la pipine aussi. Oui, tout à fait. Je vais me tourner vers Mikado Twix avec un petit point Twitter. Est-ce qu'on a des réactions sur le Twitter de la case rétro? Bah oui, on a pas mal de nos followers qui nous globalement sont assez partagés. Je pensais que ça serait pro SNES, mais bon, on a quelques personnes qui nous disent que bah les boutons sur L et R de la SNES c'est vraiment ultime. Mm-hmm. Et que pareil, la manette Mega Drive l'a trouvée relativement fragile quoi. Et surtout au niveau de la croix qui vieillit mal dans le temps, et ça je peux que le confirmer parce que surtout qu'elle faisait mal aux doigts quoi, purée cette croix. J'ai pas encore intervenu donc je vais venir, mais c'est vrai que de toutes les manettes que j'ai Mega Drive, j'en ai pratiquement aucune qui est encore nickel aujourd'hui, donc c'est un peu dur je trouve aujourd'hui quoi. Oui, bah c'est une critique qui se vaut. Sur les manettes Super NES, c'était le bouton Select et Start qui se barrait souvent. C'était une espèce de mousse un peu molle. Ouais, le caoutchouc, il vieillissait de temps en temps. À la fin, t'étais obligé d'appuyer avec des trucs pointus dedans. Pour avec des ongles. Arrêtez de se couper les ongles. Professeur Oz, des réactions sur le chat? Ouais, tout à fait. Alors, une remarque. Oui, tout à fait, Cognac. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, Guilux. Donc, remarque intéressante au niveau des manettes, on la doit en fait à notre comparse Don Hemsel de Pixelers, qui signale en fait que, j'avais complètement oublié ça, c'est que Nintendo allait assez loin justement à l'époque parce que les ports manettes de la Super Nintendo étaient zonés. Ah bon? Ouais. Je savais pas non plus. Moi, c'est vrai que la Mega Drive, moi, ma Mega Drive, j'ai des manettes européennes et des manettes japonaises et ouais. J'ai aucun problème pour les brancher dessus. Et c'est un truc que j'apprends visiblement là. Donc, un truc assez ébouriffant. Je sais même pour une rumeur, alors ce que je veux dire est une énorme connerie, c'est qu'ils ont failli penser à faire des zonages par port manette, tu vois. Ils se sont dit, voilà, il y a que des manettes pour port 1 et des manettes pour port 2, tu vois. Et arrête, si Nintendo nous écoute, ils vont le faire. Ouais, je suis en train de donner des idées à des gens là, merde. Juste un petit truc qu'il faut signaler, c'est que sur la Super Famicom, le câble était tout petit de la manette. Ah bah, les japonais, hein. Et ouais. Et moi, j'avais au début la Super Famicom, donc j'étais obligé de jouer de très près de la télé. Enfin, très près. Mais ça, c'était pareil pour la manette Mega Drive. La manette japonaise, elle est super, ouais, elle est super courte. Hein. Okay. J'étais dingue. Un truc chiant sur la manette Mega Drive, c'est que le câble est hyper rigide. De quoi? Qu'est-ce qui est hyper rigide? Le câble de la manette Mega Drive est hyper rigide par rapport au câble de la manette Super NES. C'est-à-dire qu'il se tord un peu chelou et du coup, ça fait. Tu vois, tu poses ta manette et en fait, elle se retourne. Oui, c'est vrai. Il est plus épais, je crois, que la. Il est bien épais. C'est ça. Ouais. Mikado Twix, on t'a pas entendu sur ce duel de manettes? Bah, moi, ma manette préférée, bien évidemment, c'est celle de la Mega Drive.
Non, moi je suis tellement fan de la manette SNES, ouais, que je me suis, quand on révise ou quand on fait des lives ou quand on joue en émulation en ligne, j'ai vraiment fouillé les forums pour trouver même un adaptateur qui, ouais, permet de jouer avec cette manette sur PC. Ouais. Donc je l'ai trouvé et ça fonctionne extrêmement bien. Donc là je suis aux petits anges. Néanmoins, avec le temps, je mets quand même une petite J'adore nuance. J'adore ce mix entre petits oignons et aux anges. Moi, je suis aux petits anges. Voilà. Avec un petit sama, un petit bon, bref, avec un chien, avec un chienti et des fèves, tu sais. C'est ça. Et néanmoins, je crois que c'est Oz qui a dit ça. Aujourd'hui, curieusement, je la trouve un poil petite, la manette. Ah ouais. Et... Ouais, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quelque part, je pense que Nintendo restait en gros sur la sphère familiale et proposait, ouais, des manettes qui étaient facilement tenables pour des adultes, mais également pour des enfants. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que ça se rapproche du design. Non, je pense plus que c'est parce que c'est typique japonais. Et les Japonais ont les mains généralement plus petites. Non, mais tu vois. Ah, Xbox, manette, Xbox. Non, mais la Xbox, bah, c'est, ça fonctionne pas. C'est sûr, si tu mets la manette Xbox One à côté d'une manette Super Nintendo, t'hallucines. Hein, on parlera pas de la manette Jaguar. Hein. Moi, je pense que c'est un design qui est typiquement japonais pour la Super Famicom, Super Nintendo. Et ce qui fait que. On se rapproche dans les comparaisons de taille japonaise assez dangereux là. Sur le chat, d'ailleurs, c'est parti. Et si je peux continuer, moi, ce que j'adorais et j'aime toujours autant et je trouve toujours aussi efficace, c'était vraiment les boutons L et R qui, selon moi, à l'époque, révolutionnaient complètement la manière de jouer. Mmh. Et curieusement, moi, quand le jeu qui s'y prêtait à mort, on l'a déjà traité, c'est pour F-Zero. Et par la suite pour Super Mario Kart, ouais, parce que ces boutons LR, ils étaient vraiment pensés pour le jeu. Enfin, où je me demande, enfin, tu vois, c'est limite, ils ont fait un jeu, ils ont fait une manette autour de ça. C'est, tu vois. C'est ça, c'est Nintendo. Nintendo pense ses manettes pour les premiers jeux qui sortent, ce qui peut paraître totalement débile, comme le pad de N64 qui a été pensé pour Super Mario 64, mais en gros, ils pensent les manettes pour les jeux. Pour la Super Nintendo, ça fonctionne et ça fonctionne toujours aussi bien, quoi. Concernant la manette Mega Drive, bah moi j'aime pas, enfin j'ai jamais réussi, je trouve que la croix est catastrophique. Ouais. Les boutons sont d'une rigidité absolue. Et puis il y a pas de bouton LR, quoi. Enfin voilà. Comment il dit ça, Mikadette est sorti de ce corps. Sort Mika, on avait dit. Et voilà, donc moi je quand je joue à la Mega Drive en ému, je branche la manette SNES. Voilà. Oh, c'est sale. Non, c'est pas sale, non, c'est propre. Oh, mais vous jouez pas au clavier? C'est quoi ce délire? Ah bah tiens, justement, Gerfo, toi, quand tu troques ta souris, ton clavier, tu les as déjà tâtés, ces manettes, laquelle te plaît le plus? Là, je suis clairement pas la personne à qui il faut discuter, hein, parce que moi, la première manette que j'ai véritablement tenue dans les mains, c'est celle de la Xbox 360. Quand j'ai dû acheter certains jeux PC, parce que maintenant on a des jeux PC qui sont optimisés pour des manettes, c'est incroyable. Donc, tu vois, moi, je suis pas du tout concerné par ces discussions. Bon, ceci dit, pour en avoir touché quand même un petit peu, j'aime bien celle de la Super NES. C'est la bonne évolution de celle de la NES que j'avais vu à la maison, mais auquel je touchais pas trop. Il y a assez de boutons pour autoriser des bonnes fonctions. Il manque un peu. Il manque quelques touches par rapport à la clavier. Voilà, ça, c'est. Par rapport à la manette de la Jaguar. J'ai trouvé cette USD, moi. mais les jeux après étaient adaptés pour le nombre de boutons, donc on va pas se plaindre non plus, quoi. Donc. Réagissez sur le chat là, ce que vient de dire Gerfo. Première manette, Xbox 360. Réagissez. La case rétro. Ceci est un chroniqueur de la case rétro. Magique. Il me surprendra toujours, ce Gerfo. Donc, on le sent, hein, la manette SNES a un peu plus vos faveurs. C'est un truc qui se rapproche un peu de la vie un peu générale des rétro gamers. Donc, moi, de toute façon, ma manette Mega Drive préférée, c'est la manette Saturn. Donc, c'est un autre débat. Mais j'avais des manettes qui n'étaient pas officielles. Parce que moi, je suis le jeune joueur. Je sais que vous êtes, y en a plein comme ça, même sur le chat. C'est le syndrome du petit frère, du deuxième joueur. On n'a jamais la manette officielle. J'ai retrouvé une manette non officielle, j'en avais jamais eu pour SNES. Vous savez, c'est celle qui est un
tout petit peu plus grosse, transparente, avec les boutons de turbo. Violette. Ouais, je l'ai, ouais. Elles ouais, sont je l'ai pourries, aussi. Celles-là. Oh là là, elles sont alors elles là, sont jolies, moi, mais elles sont... Et surtout très ouais, chères, parce que t'as le bouton qui est dessous la manette, qui passe en auto-fire, et en fait, quand tu fais pas attention, tu t'appuies sur ce bouton-là. C'est ouais, pas, et moi, je les déconseille. Hein. Vraiment, c'est pas un achat intéressant, quoi. Ouais, par contre, j'avais une autre manette SNES non officielle dont je me rappelle plus le nom, où il y avait, elle avait quasiment le même design, mais un chouïa plus haute sur le milieu et qui permettait, pareil, de mettre, parce qu'à l'époque c'était la grande mode des manettes où tu pouvais mettre les options auto fire ou turbo, comme on disait. Mm. Et donc j'avais 6 réglages pour régler chacun des boutons, soit en turbo ou non. Et bizarrement, j'ai presque plus joué avec cette manette-là, parce que je l'utilisais sur quelques jeux. Et finalement, ça me faisait bizarre quand je retournais à la manette officielle. À la manette officielle, parce que pendant très longtemps, moi, mon choix de premier joueur, et c'était ma sœur qui jouait sur la manette officielle, c'est parce que moi j'avais la manette turbo officieuse, on va dire. Et c'est exactement le même rapport entre moi et mon frère sur la Mega Drive. Mon frère avait la version Auto Fire, c'était les manettes Mega Drive qui ressemblent un peu à des batarangs. Si ils avaient fait des petits trucs sur le bas, c'est histoire que ça ressemble au boomerang de Batman. Et lui, il avait les petites réglettes Auto Fire, et moi j'avais la toute première, celle qui est certainement vendue avec la boîte et la tout. La manette du pauvre. Mais oui, c'est avec le câble qui se démonte un petit peu au-dessus, tu vois. Alors, c'est traumatisme. Et d'ailleurs, c'est des manettes qui sont complètement cheatées, parce que là, je fais un petit coucou à mon copain Daf Pakun, là, avec qui j'ai joué récemment. Des jeux comme Street Fighter, où tu prends si vous voulez, on fera un podcast, mais c'est quand tu mets l'auto fire avec Honda. Il fait ta 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 avec ses mains, et terminé, t'appuies plus, et puis tu gagnes, quoi. Enfin, ouais. Franchement. Ça, c'est parce que tu sais pas jouer aussi, hein. Parce que franchement, gagner. Ça a l'air sympa, vos parents. Sous avec un tunnel, mains, c'est que t'es pas bon. Mais petite chose à part, quand j'ai eu ma Core Graphics, il y a quelques années, j'étais très surpris de voir que les manettes officielles avaient des options auto-fire. Et d'ailleurs, au départ, j'ai cru que j'avais pas la manette officielle, et j'ai cherché partout la manette officielle en me disant mais pourquoi il y a que des photos de manette avec un autofire de merde. Au final, c'était la manette officielle, j'étais très très étonné. J'avais expliqué dans le podcast PC Kid, justement, c'est vrai que de ce côté-là, encore grand honneur, justement, grand hommage à NEC et à la PC Engine, parce que ouais, les manettes officielles autofire pour le bouton 1 et pour le bouton 2, c'était même on diverge un petit peu là, mais il y avait un triple, c'était pas simplement passer en mode normal, en mode autofire, t'avais vraiment trois modes pour chaque bouton. Donc c'était ingénieux pour une console qui date de la fin des années 80. Mais on rappelle, NEC était quand même dans cette bataille, même si nous on a beaucoup connu la bataille Sega Nintendo. C'est vrai que NEC était un peu le mec, l'outsider qui arrivait et qui faisait très très mal au Japon, et beaucoup de gens passionnés et avisés avaient réussi à se la procurer en import, n'est-ce pas, professeur Oz? En import? Ah bon? Non. Non, c'est continent. Chez continent. Chez continent. L'achat gagnant. avec une boîte de poireaux et c'est dans la boîte de petits pois et puis le PQ, voilà. Pour boucler cette première partie là sur les consoles, on va faire un petit tour sur les accessoires. Alors je sais qu'il y aura beaucoup plus de choses à dire peut-être sur la Mega Drive, et Oz ne sera pas d'accord avec ce que je viens de dire. Voilà, même pas. On va parler de quelle méconnaissance du sujet là. Très rapidement, tiens, justement, Oz, t'as envie de parler. On va parler des accessoires. En termes d'accessoires, si t'as envie d'en citer les plus importants sur la Mega Drive, ceux qui jouaient un rôle important. Tu vois, ceux que t'as envie de vendre avec la console, ceux qui disent voilà, sur la Mega Drive t'avais aussi ça, c'est important, tu placerais quoi? Alors déjà, on va mettre de côté tout ce qui était le Mega CD 32X, parce que pour moi c'est pas des accessoires, c'est des extensions, donc on exact. En parlera peut-être plus tard. Au niveau des accessoires, le premier, mais ils ont fini comme accessoires au final, hein. Oui, c'est vrai. Accessoires de luxe. Mais alors, le premier accessoire qui me vient en tête, parce que c'est un des seuls que j'ai eu, c'était déjà l'adaptateur pour les jeux japonais. C'était un bête adaptateur que tu branchais, parce que comme on l'avait expliqué dans le podcast Street of Rage, les cartouches japonaises avaient justement été un peu plus larges, et donc il fallait soit gratter les cartouches, soit limer la console pour les faire rentrer. Donc moi, c'est cet accessoire que j'ai eu en premier. Il y a eu la manette 6 boutons qui était une sorte de desiderata de Capcom pour que Street Fighter 2 arrive sur la Mega Drive, plus les joysticks. Il y a eu également ou c'est une rumeur ça, que ça soit Capcom qui est... je suis pas allé chercher, mais je me rappelle avoir lu ça dans des magazines. Alors je serais incapable de dire si c'est officiel, ça m'est resté en tête, et j'ai l'impression ABC et XYZ, c'est ça.
Ouais, voilà. Moi, bon, voilà, moi, je jouais avec la manette 3 boutons, t'appuyais sur Start pour switcher entre les coups de poing et les coups de pied. C'était assez épique. Mais je me rappelle avoir lu dans les magazines que Capcom avait, entre guillemets, exigé justement que cette manette 6 boutons existe pour pouvoir jouer confortablement Street Fighter 2. Ce que je comprends tout à fait, hein, parce que jouer à 3 boutons, moi, je le fais, mais je le recommande pas. Il y a eu quoi au niveau de la Mega Drive? Il y a eu également, bon, un pistolet optique comme quasiment toutes les consoles à l'époque que moi, j'ai pas eu l'occasion de tester. Il y avait également le Master System Converter qui permet justement de, bon, je parlais rétrocompatibilité en début d'émission. Justement, ça permettait de brancher les cartouches Master System sur la Mega Drive, ouais. Ce qui pouvait être sympa justement pour les gens qui avaient une Master System avant. Moi, je l'ai pas eu et il était très joli, hein. J'aime beaucoup son design, ouais. Très esthétique. Mais là, après, on retrouve encore le côté esthétique que j'avançais tout à l'heure sur la Mega Drive. Il y a eu également, alors ça on les a pas forcément connus ici, mais au Japon il y a eu un modem. C'est vrai qu'on connaît beaucoup pour la Super NES. Alors je sais plus comment il s'appelle pour la Super Famicom, l'appareil qui permettait le Satellaview. Voilà, le Satellaview. Donc c'est vrai qu'on en parle souvent. Il y a eu un modem également au Japon pour la Mega Drive. Il y a eu le même principe. Ça se branchait sur la télé. C'était comme un truc de câble et tout. Tu mettais sur une fréquence. Je suis pas allé chercher spécialement, mais ouais, je suppose que c'était à peu près le même principe. Mais honnêtement, ouais. Tu vois, je suis même pas foutu de citer quel type de jeu il y a pu avoir avec ce modem. Mm-hmm. Et après, il y a eu également une souris. Mais honnêtement, je sais pas du tout à quoi une souris a pu servir. Certainement des jeux qu'on n'a pas connus, nous, en Europe. Parce que ça, ouais. C'est des objets qu'on n'a pas connus. Mais après, quand on parle d'accessoires, honnêtement, sur la Mega Drive, il n'y a pas eu tant que ça d'accessoires, pas plus finalement que pour d'autres consoles. Hein. Donc, c'est vrai qu'on troll souvent la Mega Drive par rapport au Mega CD ou à la 32X. Mais honnêtement, non, elle n'a pas connu plus de dérivés que d'autres. Alors si, il y a un dernier que j'ai oublié de citer, mais ça évidemment on l'a connu sur toutes les consoles, un multitap. Hein. Bon. Ah bah oui, c'est vrai ça. J'ai encore, il n'était pas très très utile parce que, par exemple, Micro Machine 2 avait le multitap intégré à la cartouche. C'était trop bien ça. Ça c'était la classe. C'était excellent, t'avais pas besoin d'acheter le multitap, tu faisais une économie de fou quand tu voulais. Puis même la cartouche un peu arrondie, c'était un design, moi j'ai trouvé ça toujours très beau ces designs-là. Ouais. C'était mieux que les cartouches EA avec leur gros truc jaune. Ah, leur truc jaune, là, pour pas payer de royalties. J'ai jamais compris à quoi ça servait. C'est pas la pile de sauvegarde. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était de royalties. Ouais, c'était simplement parce qu'ils voulaient pas payer les royalties auprès de Sega, donc ils ont développé leur propre forme de cartouche. Oui, non, mais est-ce qu'ils étaient obligés de faire un truc moche jaune? Ouais, mais quel était l'intérêt de ce? Aucun intérêt, parce que moi je l'enlevais. Tu l'enlevais, c'était pas un bouton, tu pouvais l'enlever, il y avait rien derrière. Ah bon? Le truc jaune, tu le virais? Oui, moi je l'ai viré, je l'avais sur Wadra, sur FIFA. À quoi ça te servait de le virer? Mais non, mais rien. Mais non, mais un jour, c'est pas par curiosité. Tu trouves ça trop moche? Oui, c'est ça. Oui, mais c'est dégueulasse. Déjà, les cartouches IA étaient particulièrement moches à cause de ça. On a dû chercher ce qu'il y avait en dessous. J'ai voulu voir à quoi ça ressemblait. J'ai enlevé le truc et puis pour moi, il y avait rien, quoi. Enfin, ou alors sur le jeu sur lequel j'avais essayé, je crois que c'était sur FIFA, il y avait rien derrière. Sur le chat, on nous parle également des cartouches Codemaster, mais je me souviens pas du tout, personnellement. Ouais, c'était un Micro Machine. Ah oui, Micro Machine, c'est Codemaster, elles sont un peu arrondies. Il y a Dizzy aussi qui était comme ça. Ouais, c'était vachement classe. Elles étaient classe, celles-là, non? Elle était arrondie, puis il y avait des espèces de petits traits sur les côtés. Enfin, t'as l'impression que c'était un peu une cartouche de, je sais pas, comme si c'était quasiment une extension, quoi. Ça faisait très stylé. Je suis étonné que professeur, il nous parle pas de cet accessoire sur Mega Drive qui te permettait de faire Karate Kid. Ah oui, le nom de l'Interceptor. Mais j'en avais parlé dans un podcast que je l'avais pu le tester dans un supermarché. C'est la manette de Jean-Michel Jarre? C'est l'espèce. Alors, c'est une forme d'octogone, je crois, dédicace à Dr. Gookie, je crois, octogonal, que tu branchais en fait sur la Mega Drive. Et voilà, à la Jean-Michel Jarre, tu pouvais, quand tu passes tu mettais les mains, des bougies, tu faisais des incantations. Voilà. c'est un octogone qui se posait par terre. Ouais, tu le mettais au milieu, justement. Ouais. Et après, en faisant passer tes membres, donc les mains, les bras. Oui, voilà. Tu codis les mains et les jambes et tout. Voilà. Tu interagissais avec ce qui se passait à l'écran. Alors, je crois que dans les publicités, tu voyais des jeux comme Street of Rage, Mortal Kombat. Pas également le jeu de baston Mortal Kombat ou Eternal Champion. Moi, je l'avais testé sur Street of Rage, je me rappelle. Ouais, Street of Rage, mais honnêtement, c'était pas du tout convaincant. Hein. C'était franchement foireux. Le problème, c'est que c'est des faisceaux, tu sais, en fait, c'est des faisceaux qui passent. Par exemple, quand tu coupes le faisceau, c'est censé appuyer sur A. Mais oui, c'est injouable. Moi j'avais vu une démo, sur YouTube. un mec qui jouait, mais c'était ridicule quoi. C'est clair. C'était pas un accessoire officiel. Il y en a eu plein des trucs comme ça où tu mettais. Par exemple. Oui. Ah attends, ça me plaît ça. Tu vois, là il y a Mikado 2, il y en a eu plein. Et là d'un seul coup, t'as Soubi qui ramène une petite carte sur SNES. Soubi là, non, sur la NES. Non, c'était sur la NES. Pardon, sur la NES, oui. C'était tellement beau.
Bah, oui. Sur le chat, on nous signale également qu'il y avait les Game Genie, les Action Replay. Bien sûr, pour toutes les consoles, ça. Ouais, mais tout à l'heure, les accessoires que j'ai cités, c'est des accessoires officiels. Ça, après, Game Genie, c'était pas des trucs licenciés Sega, tout comme le Mickey Dolphin, c'est venu avec le groupe des pirates anonymes, en fait. Oui, ouais, c'est vrai. Ah bah, moi, j'avais en vrai, je vais en parler, mais j'avais l'accessoire ultime hein, sur Super Nintendo. Ah ouais, ultime, c'est bien. T'as bien supporté ta console. Hein. Toi, t'es le fan, bravo. Hein. Moi, j'aime cet esprit-là. Looping, là, on parle un peu de la SNES en termes d'accessoires. Ouais. S'il faut en vendre quelques-uns, si tu dis, voilà, sur SNES, il y avait ça aussi comme accessoire, tu parlerais de quoi? Alors, bon, je vais dire en gros, puis il y en a un sur lequel je voudrais un peu plus insister. Donc, nous, on a eu, bien sûr, les adaptateurs AD29, etc., les Game Genie. On a eu la souris avec Mario Paint. Ah oui. Qui servait aussi dans SimCity, je crois, et quelques jeux. Gerso, la souris, on arrive dans ton secteur. Oui, oui, j'écoute. Attends, j'écoute. Excusez-moi, je le place, copyright Mikado, pour la petite anecdote. Oui. Parce que ça faisait un moment que je ne l'ai pas fait. C'est vrai. On parle du Mario Paint. Moi, je suis hyper fan de ce programme parce que, à la base, c'est un logiciel qui avait été pensé pour faire des jolis dessins. Ouais. Et en fait, ils se sont aperçus que c'était un compositeur musical assez performant. Ouais. Et tu tapes n'importe quel titre de n'importe quoi sur YouTube avec Mario Paint, et ben en fait, t'as tous les titres qui sont faits à la sauce Super Nintendo et c'est toujours extrêmement efficace et j'adore quoi. Ça a été fait aussi avec un émulateur et des programmes, des scripts. Pour passer du MIDI sur Mario Paint, hein, tout n'a pas été fait à la main. Ah, mais il fallait pas briser mon rêve là. Excuse-moi. Ah, il m'a plombé là. Regarde, donc la souris magnifique. Ouais. Après, bon, on a eu le Super Game Boy, donc qui permettait. Ouais. Je l'ai. Ouais, donc ça, c'était un accessoire super très classe. Hein. Voilà. Il y a le Super Game Boy 2 aussi qui disait jeux Game Boy Color. Hein, c'est ça, tout à fait. Ouais, il n'est pas officiel celui-là, si. 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 Ah, bon. Ouais. Un truc qui est classe sur le Super Game Boy, là, c'est que quand, par exemple, moi j'ai la cartouche, j'avais testé là, le Pokémon jaune, et bah t'as un wallpaper autour du jeu. En plus du jeu, ouais. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, ça sert à rien, mais ça habille un petit peu ta page, quoi. Et donc il y a un accessoire en fait que sur lequel je voulais insister un petit peu. Bon, on a parlé du Satellite View vite fait, donc qui permettait de télécharger des jeux, mais c'était qu'au Japon, hein, des jeux via le satellite, etc. Et en fait il y a un accessoire qui était pareil qu'au Japon, c'était le SF Memory, qui était en fait un système de cartouches vierges qui te permettait d'aller dans des magasins. Et tu avais des bornes et tu pouvais télécharger des jeux dans cette cartouche dans les magasins. Tu payais, quoi, c'était du démat. Mmh. Et après, tu remettais ça dans ta console. Et quand tu en avais marre, tu retournais à la borne et tu effaçais le jeu pour en mettre un autre. J'imagine que c'était moins cher qu'un jeu neuf. Ouais, tout à fait. Ouais. Et, pas mal ça. Ouais, ils l'ont fait presque aussi... de la location en fait. Ouais. Très bien ça. Et, ils l'ont fait... et tu pouvais mettre plusieurs jeux sur la même cartouche. Et ils l'ont fait après pour la Game Boy aussi. Ouais. Mmh. Vachement intéressant ça. Ouais. Mmh. Mais il n'y a pas énormément d'accessoires. Oh, j'avais l'impression que tu disais qu'il y avait vachement plus d'accessoires sur SNES. Finalement, il n'y en a pas beaucoup qui ressortent de plus que la Mega Drive. Il y avait le Super Scope. Le Super Scope, ouais. C'est un truc de Konami, ça. Non, c'est une Nintendo, le Super Scope. Ah, ouais. Mais non, mais je me moquais parce qu'on dit la Mega Drive. Pendant la semaine, t'as Mikado qui a voulu me bâcher sur Twitter en disant « Ouais, elle était les accessoires de la Mega Drive. » Et je suis parti voir. Ben non, il n'y en a pas plus sur Mega Drive que sur Nintendo. C'est kiff-kiff. T'avais les mêmes. Mais est-ce que si... Est-ce que si je vous dis par exemple UFO Super Drive Pro 6, est-ce que ça vous parle ça? J'ai l'impression que c'est un truc qui pue un peu là. Eh ben pas du tout, c'était ce que j'avais moi, c'était le comme on disait à l'époque, le copieur. C'est ce que je dis, ça pue un peu, ouais. Ah pardon, on n'a pas le droit de parler de tout ce qui est un petit peu obsolète. Bah, je sais pas si un accessoire, enfin si ça peut être considéré comme un accessoire, un copieur de jeu. Est-ce qu'un linker c'est un accessoire pour la DS? Non. Oui, voilà. Oh, il y a prescription. J'avais un super accessoire, ça s'appelait la R4, c'était super bien. C'était officiel? Je suis pas sûr. Bah, il paraît, c'était vendu en magasin. Enfin, ma mère l'a acheté avec la console, puis j'ai eu que ça. De toute façon, tous les jeux étaient dedans. Si, il paraît que ça se vendait comme ça, les jeux DS. Après avoir acheté Turtle in Time 600 francs à l'époque, il fallait que je me rattrape quelque part. Quoi. Mais là, on est en direct, Mikado Twix. On a des auditeurs de la caisse réseau qui sont là. Donc, je te mets au défi de l'avouer. Tu n'as pas eu un seul linker, tu en as eu deux. J'en ai eu trois.
Oh la vache! Oh, le mec est recherché par le FBI. Quoi. Ah, comment j'assume plus? Ah non, mais il m'a miné là. D'un coup, je fais un mea culpa là. Non, non mais non, moi j'avais eu rien. J'achetais tous mes jeux en officiel à 50 Hz qui ramait à mort. Tout va bien. 3 Linkers, non, mais moi j'avais. Comme je le raconte assez régulièrement, moi à l'époque j'habitais pas très loin de Logne, dans le 77. Pourquoi Logne? Bah, c'est important parce que Logne, c'est la deuxième ville asiatique après le Paris 13. Ah. Et j'avais plein de copains qui avaient des mille et un plans, notamment le fameux copieur. Il en avait trois, je ne sais pas comment. Et en fait, il me les avait prêtés à vitam et terpin. Maintenant, ils sont là. Ah oui, voilà. Tu vois, c'est il me les avait prêtés. Tu vois, ils noient un peu le poisson. Mais, les endormis. Désolé, je vais être obligé de me mettre un petit peu de son côté parce que moi aussi, j'étais dans le 77, j'étais à Coulommiers. voilà. Donc, je suis un petit peu. Tu vois, c'est la région d'origine qui parle. Il n'y avait pas de copieur. Il n'y avait pas de copieur. Bah non, il y avait du Coulommiers, quoi, tu vois. Enfin, bref. Ouais, bah, moi, j'avais du bon fromage, quoi. Donc, voilà. Et en fait, moi, le premier copieur que j'avais eu, en fait, c'était un copieur qui copiait aussi bien les jeux Mega Drive que Super Nintendo. Ouais. L'avantage, bah, ça faisait les deux supports. Inconvénient, c'était limité à 16 mégas à l'époque. Parce qu'il y avait on parlait en mégas des cartouches, les jeux de base, par exemple, à Mario. Ça faisait 4 mégas. Après, les jeux moyens, c'était des 8, 16. Les gros jeux, genre les Prince of Persia, ça faisait 24. Et enfin, les très gros jeux, c'est genre les Donkey Kong et tout ça, c'était des 32 mégas. Ouais. Et on parle de très gros jeux en termes de taille, hein, bien sûr. Oui. Parce que tu parles de Donkey Kong. Jamais ça, cette balle. Tu dis méga, mais c'est méga de cartouches mégabits. D'époque. Mégabits. Oui, parce que bon, et en fait, bah, ce truc était intéressant parce que tu mettais une cartouche, tu mettais une disquette sur le côté et tu pouvais directement dupliquer ta cartouche sur la disquette ou alors tout simplement copier les disquettes entre elles pour avoir toute une boîte de jeux. Putain, mais j'ai honte, pourquoi je vous raconte ça, moi? Vous voulez pas qu'on ne sait pas? On ne sait pas, hein, tu le lances, hein, le mec à bout. Voilà. Si vous voulez. Oui, monsieur le juge, oui. Si vous voulez. J'avais vous également le modèle qui faisait que Mega Drive. Et enfin, j'avais le truc ultime qui faisait plus cette fois-ci Mega Drive, mais en revanche, qui copiait jusqu'à, je crois, 24 mégas. Les jeux, donc Donkey Kong ne passait toujours pas. Donc c'est peut-être pour ça que je l'avais acheté à l'époque. Mais on coupera. voilà. Et j'avais également l'adaptateur là pour jouer à 4 parce que on va sûrement en parler. Mais évidemment que j'avais un milliard de jeux. Mais au final, je jouais à 3-4 jeux récurrents, quoi. Ouais. Bah oui, c'est ça. C'est le problème des pirates. Vous avez tellement la possibilité de télécharger tout que vous jouez toujours aux deux mêmes jeux. Mmh. C'est ça. Bah, c'est ça. C'est tout à fait ça. Hein. Si vous voulez vous prendre Punky. Un petit coup de vieux. Alors, juste une petite précision. Attends, Punky, il avait envie de parler. Non, juste pour vous foutre un petit coup de vieux. On disait 24 mégas, 32 mégas les cartouches. Mmh. Mais c'était des mégabits. Actuellement, un disque Blu-ray simple couche, c'est 25 gigas. Hein, donc, c'est à peu près 1000 jeux, 1000 jeux comme ça, même plus. Ah ouais. Exactement. Le Mega Drive Collection, vous avez que 16 jeux. Quoi? Pardon? Ouais, mais attends, il y a les menus. Oui, c'est ça, il y a les menus, il y a des making of. Le lissage HD. Oui, c'est ça. C'est trop beau. C'est génial. Oui, donc, Mika. Ouais. Oui, bah sur le chat, on me signale qu'évidemment, hein, c'était des mégabytes. Mais bon, à l'époque, on disait... oui, ça faisait quelques kilooctets. Voilà, en fait, en vrai, tu mettais sur une disquette, pour schématiser, tu mettais 4 Mario World, quoi. Ouais, tu vois ça. C'est ça, hein, mais dans les faits, nous, on croyait que c'était... Ouais, ça prend de la place, c'est des gros jeux. C'était des bons jeux. Bah, on va s'attaquer maintenant à la deuxième partie de ce podcast live de la case rétro. On va parler des jeux, là, on va se lancer vraiment dans les jeux. Donc, restez avec nous, on se retrouve tout de suite après un petit medley musical consacré à la Mega Drive. À tout de suite. Tout de suite. We'll be right back.
Et nous revoilà, merci encore à vous de nous suivre pour cette deuxième partie de ce versus ultime entre la Mega Drive et la Super Nintendo, toujours en direct avec la rédaction de la case rétro.fr et notre invité du soir, Punky. On a parlé des consoles tout à l'heure, on s'attaque maintenant aux jeux. Première, deuxième partie consacrée aux jeux des deux machines. Et on va commencer par une histoire toute bête, on va parler de boîte. Eh ben oui, parce que quand, comme tous les rétro gamers le savent, quand on a envie de se retrouver de vieux jeux aujourd'hui, souvent quand on parle de Super Nintendo, c'est un peu plus compliqué que sur Mega Drive. Là, on a gagné, Voilà. On va parler de boîte. Est-ce que c'est mieux d'avoir des boîtes en plastique que des boîtes en carton? Oh là là. Moi, alors, je vais prendre tout de suite la main. Ah bon. Alors, je trouve que les boîtes carton ont de la putain de classe, mais purée, qu'est-ce que c'est dur pour le vieillissement des boîtes, quoi. C'est... Ah ouais. Elles ont la classe quand t'as réussi à les maintenir. Elles ont la classe, les boîtes japonaises, hein, parce que les boîtes européennes et, US, elles sont dégueulasses. Ça, dans ces cas-là, c'est le cas que ce soit chez Mega Drive ou Master. Si on parle véritablement de l'illustration qu'il y a sur les boîtes, ça, c'est typique de cette époque-là. Mais je parle vraiment au niveau du rendu. Moi, j'ai un vrai affect pour les boîtes carton. Mais par contre, voilà, une boîte carton qui a mal vieilli, c'est une catastrophe, quoi. Un truc qui a été plié en mille morceaux, t'as l'impression d'avoir un truc qui ressemble à rien, quoi. Et pareil, ça a tendance à prendre l'humidité, etc. Alors qu'une boîte Mega Drive, quoi qu'il arrive, même si elle a été un peu maltraitée, t'arrives à la... et avoir dans un état plus que correct. Alors, mon côté de l'époque préfère largement les boîtes carton. Mon côté peu, qui a été un peu négligent de cette époque-là, par contre, a envie de se tirer des balles. Aujourd'hui, quand je vois l'état de mes boîtes SNES par rapport à mes boîtes Nintendo 64 que elle, j'ai conservé dans un état absolument impeccable. Ouais. Et je peux te dire que maintenant j'ai envie de me pendre parce que quand je vois mon Mega Man X qui a dû être où j'ai dû me rouler trois fois dessus pendant mon enfance, le mec il dormait avec, ouais. Le mec avec sur son lit. J'ajouterai un truc tout bête, vraiment tout bête, hein. Notamment au niveau des visuels des jaquettes. Alors c'est surtout pour l'Europe, hein. Les jaquettes Super Nintendo avec le visuel dans un petit encadré et que de la couleur autour, alors que nous on avait le visuel en grand avec souvent du bleu qui pète et tout quand c'était l'époque de la Mega Drive 2. Moi je préfère, j'ai le visuel était plus grand, plus classe, plus précis, on voyait plus de trucs. Pour la Mega Drive, faut quand même reconnaître qu'on partait de loin parce qu'on se rappelle déjà que Master System qui était franchement culte. Ah ouais, mais, alors là. Hey, honnêtement, moi il y a un truc, alors les jaquettes Super Nintendo, je trouve que finalement elles traversent mieux les frontières parce que on garde souvent les, j'ai l'impression les mêmes magnifique. Ouais, non mais j'ai l'impression premiers jeux, alors on pensera à Final Fight, mais plus tu avances dans la carrière de la Super Nintendo, plus tu te rends compte que finalement t'as les jaquettes finalement qui restent assez fidèles au jeu, alors que sur Mega Drive c'était parfois un petit peu what the fuck. Néanmoins, moi je sais que si j'avais une Super Nintendo à l'époque, je sais que j'aurais toujours mes boîtes, mes cartons, étant donné que je suis quelqu'un d'extrêmement soigneux. Mais il y a un truc qui me scandalise, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, je ne comprends pas comment on peut trouver sur le marché de l'occasion des jeux Mega Drive en loose. Mais oui, c'est impossible. Balance direct, il y a un truc que j'ai toujours, putain, mais les gens qui vendent les jeux Mega Drive en loose, jamais de la vie j'irai acheter des jeux Super NES avec ces gens là parce que j'ose pas imaginer l'état. Parce que franchement, les boîtes Mega Drive, mais elles sont solides, à moins vraiment de les avoir torchés, je comprends pas. Et il y avait autre chose, pour toujours en lien avec ce que je disais tout à l'heure au début de l'émission, quand je disais que Sega voulait peut-être s'adresser plutôt aux adolescents ou aux adultes, on a un format cassette à peu près une taille un petit peu inférieure à ce qui se faisait avec les VHS, et ouais, du coup ça se range très bien dans le meuble télé à côté des autres cassettes. Oui, mais après c'est une histoire de goût. Moi je sais que c'est exactement le genre de truc qui me parlait, mais après j'ai aucun souci avec les boîtes Super Nintendo. C'est des boîtes également, je trouve que le format est intéressant, qui laisse un peu plus de place au graphisme, enfin justement à l'illustration, au packaging, mais, voilà. Mais après, ouais, moi ce qui me dérange un peu plus, c'est que du coup dans les boîtes Super Nintendo, voilà, t'as le carton qui tient la console, le carton blanc, un petit peu, voilà. Et c'est vrai que pour la conservation des jeux, c'est un peu plus problématique, quoi. Il y a un truc qui est très très rigolo, c'est qu'on voit que les joueurs Mega Drive étaient pas du tout habitués aux boîtes carton, parce que la seule boîte carton, enfin une des seules, c'est Sonic & Knuckles, et c'est impossible d'en trouver sur le marché de l'occasion une qui est pas déchirée. Parce que les mecs qui ouvrent, enfin on a tous fait ça, hein, quand on a découvert la boîte de Sonic & Knuckles en carton, plus, hein. Ouais, avec une glissière, on n'a pas compris, je crois, on l'a tous arraché, quoi. C'est-à-dire que pour nous, il fallait que ça s'ouvre en plastique, quoi. C'est pas en plastique, comprends pas, moi. Ouais, c'est ça, mais gros bourrin. Je voulais placer une petite anecdote pour copyrighter un peu notre ami Mikado. Alors moi, à l'époque, les boîtes Super Nintendo, j'appréciais aussi parce que
pour être honnête, ce qui me saoulait, c'était de sortir les jeux toutes les 5 minutes parce que bah, je changeais régulièrement de jeu auquel je jouais sur ma Super Nintendo. Et donc, j'avais un tiroir de rangement dans lequel en fait je reprenais les inserts donc blancs là en carton de la Super Nintendo, ouais, et je mettais les jeux mais cette fois-ci à la verticale, enfin pas le jeu couché dedans, mais j'en mettais 5-6 empilés, ce qui me permettait de quand avec 5-6 inserts bah du coup d'avoir tous mes jeux là avec que les cartouches. Et c'est pour ça que mes boîtes en fait ont pas mal souffert parce que je les ai rangées dans des armoires où je les empilais, et comme il n'y avait plus l'insert blanc dedans, bah dès qu'il y avait un peu de poids dessus, ça avait tendance aussi à faire un peu crêpe, quoi. Mais j'adorais le fait de pouvoir en fait juste reprendre cet insert et de mettre mes cartouches, et comme ça j'avais comme un petit coffre qui était en dessous de mon plumard, ouais. Je le tirais, j'ouvrais, j'avais toutes mes cartouches Super Nintendo et je me disais tiens aujourd'hui je vais faire celui-là, hop j'insère, quoi. À l'heure du CD, Soubi, est-ce que tu avais les sacoches à CD? Non. Ah, sur le coup, là, je me suis dit, tiens, c'est un peu le même trick. Vous avez rigolé, c'était la même idée. Mais oui, j'en ai acheté une sacoche 502 CD pour mettre tous mes jeux sur CD, PS1, PS2, Gamecube, tout ça. J'ai l'air d'un ringard maintenant. Ah, c'est le top du top en cheap. Ah ouais, non, mais là, franchement, j'ai eu du temps à dire. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu y ranger mes CD de tuning. Okay. Ah ouais, voilà. Ouais. On te sent un peu client, quoi. Tiens, Mika, toi, le roi de la jaquette en termes de... Oh, bah, c'est classe. Bien, ouais. Ton cœur, notre graphiste de la case retour.fr, ton cœur va toujours sur la SNES ou là, pour le coup, la Mega Drive a plus d'avantages pour toi? Techniquement, Sega avait fait fort en faisant des boîtes en dur. Parce que bah dans le temps aujourd'hui c'est quand même comme le Dios, faut vraiment y aller pour trouver des boîtes éclatées et tout. En revanche, moi je préfère vraiment les boîtes japonaises, je précise, hein, petite dédicace à notre copain Yao, parce que en fait grosso modo, je vais la faire simple, mais la différence entre les boîtes japonaises et les boîtes on va dire européennes et US, c'est que l'aperçu était en paysage dans les boîtes françaises. Mais il était en portrait, donc il prenait toute la longueur de la boîte en japonais, et ça, je trouvais que c'était sublissime. Et ce qui est dommage, c'est que souvent les graphistes, j'imagine d'époque, faisaient comme il peut en faisant pivoter l'image. Donc bien évidemment, tu perdais, on va dire, un tiers du visuel, et plus tous les logos et tout, on dirait une pub Microsoft, tu sais. Et moi, j'aimais pas. Et je trouvais que les boîtes américaines étaient encore plus laides, quoi. Vraiment, j'ai jamais eu d'affect sur les boîtes Super Nintendo, en tout cas européennes et japonaises, quoi. Mais par contre, les boîtes Jap, elles sont vraiment classe. La plupart du temps, elles sont classe, quoi. Un exemple tout bête, on en avait parlé avec Looping, ouais, sur l'émission de Goemon. Tu regardes la jaquette japonaise, elle est sublissime. Et je l'avais déjà dit en émission, tu regardes la jaquette européenne, t'as le Goemon, il a les yeux qui sortent des orbites. Ils ont voulu faire un truc réaliste sur un dessin animé. Enfin, je sais pas, il y a un truc. C'est glauque. Du coup, le dessin devient inquiétant même, tu vois. Très, très, très. Bah, tiens, sur le chat ou sur Twitter, n'hésitez pas à nous dire, vous, si vous préfériez la boîte en dur. C'est par exemple, voilà, on a un truc qui se fout la malle, le plastique de la boîte Mega Drive se fout la malle, c'est pas grave. On prend la boîte de California Games, on retire la jaquette, on met celle de Sonic 3 et le tour est joué. En fait, pour dire, mais sur le chat, ça revient surtout sur les différences entre version japonaise et version occidentale, et ça rejoint totalement Mikado sur la maquette, sur le choix des illustrations qui étaient autrement plus hasardeuses quand on passait l'océan, quoi. C'était le cas aussi sur Mega Drive, hein, avec les Sonic. Oui. Les jaquettes de Sonic sur Mega Drive sont tellement plus jolies que les européennes et les américaines, c'est assez dingue. Le Last Blade, là, en français, il est pas mal quand même. Hein. Je peux juste rajouter deux choses sur la Mega Drive, parce qu'au niveau des boîtes, il y a quelque chose que j'appréciais. Mais c'est pas forcément en comparaison avec la Super Nintendo, c'est que je trouve qu'il y avait déjà, bon, c'était déjà le cas pour la Master System, mais c'était les premières boîtes, justement, avec ce quadrillage noir et avec les traits blancs, que je trouvais très identifiable, ce qui fait que dans les rayons, tu pouvais rapidement repérer, justement, les boîtes Mega Drive, un peu à l'image de ce qu'on connaît maintenant avec la Xbox 360, avec ce vert un peu fluo que tu identifies très rapidement. Et Mikado l'a dit lui-même, c'est le genre de truc que tu retrouves très rapidement quand tu fais une brocante, tu le vois rapidement dans les cartons. C'est un violet, quoi, tu vois, direct. Voilà.
Donc c'est vrai, j'aime bien ce côté identifiable. Alors après, c'est pas tout à fait dans les boîtes, mais je voulais quand même glisser un mot par rapport au manuel. Parce que là, je pense que de ce côté-là... Bon, techniquement, le manuel est dans la boîte, oui. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a un petit avantage du côté de la Super NES. Je laisserai peut-être parler un peu plus mes collègues de ce côté-là, mais du côté de la Mega Drive, c'était quand même un petit peu décevant. On avait des manuels où il y avait très peu de photos dedans. Souvent, les photos étaient en noir et blanc, et quand s'il n'y avait pas de photos, c'était des pauvres dessins qui représentaient les personnages. Je me rappelle, pour Street Fighter 2, ils représentaient des dessins pour les différents coups. Et là, c'était un peu le parent pauvre de la Mega Drive. Hein. Puis il y avait toutes les parties pour toutes les langues européennes en plus. Souvent, moi, je le perdais, ce livret. Hein. J'avais mis du temps à le retrouver parce que, en gros, tu le calais contre la petite encoche à l'intérieur de la boîte, et des fois, tu le paumais parce que voilà, tu l'avais posé sur tes genoux, tu l'avais paumé. T'avais noté un code à la fin. Et oui, donc, voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est rigolo, si vous avez encore ces manuels où il y a plusieurs langues, pour ceux qui ont une petite maîtrise de l'anglais, lisez les manuels en anglais et après comparez la traduction en français. Franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes parce qu'on se rend compte que la traduction est plus qu'aléatoire pour certains jeux. Les mecs ont inventé Google Trad. Moi, je me rappelle, sur la Mega Drive, je cherchais le bouton D. Appuyer sur le bouton D. Le bouton D, c'était le D-pad. Ben, ah bah oui, directionnel. Et quand j'étais petit, j'ai dit, il est où le bouton D? J'ai que 3 boutons à baisser. Mais en DLC. Mika, tu veux dire? Ouais, mais il me semble que de mémoire, tu parlais de la petite encoche. C'est assez fragile, je crois, sur le Mega Drive. C'est le truc qui partait en premier, ça. Ouais, il me semble. Hein. Enfin, c'était le seul truc qui partait, en fait. Ouais, c'était quand même bien malin, hein, parce que, comme je disais, les boîtes, elles sont aujourd'hui, même si t'es moyennement soigneux, la plupart du temps, elles sont en excellent état. Hein. Exactement. Mais moi, je voulais juste rajouter un truc, c'est que ça soit sur Mega Drive ou sur Super Nintendo, Super Famicom, tu vois vraiment la différence aussi de l'état des boîtes selon la culture en fait du pays. Parce que moi, je vois quand j'ai acheté des jeux Super Famicom il y a quelques années encore, les boîtes sont nickel. C'est là-bas, les mecs, ils font super attention, quoi. C'est rare que t'achètes une boîte en import, qu'elle soit complètement écrasée. Et voilà, je trouve que les Européens étaient moins. On est des gros porcs. Ouais, mais clairement. Très peu soigneux. Ouais. Et tandis que tu peux acheter des jeux japonais, Mega Drive ou Super Famicom, en général, ils sont nickel. En parlant de ça, il y a un truc. Ce que j'ai, c'est version japonaise. Hein. Ouais, Punky. En parlant de ça, il y a un truc que j'ai jamais compris par rapport aux boîtes Mega Drive. Je sais pas si vous voyez visualiser une boîte Mega Drive, mais il y a l'espèce de petits porte-rayons. Truc pour les mettre dans les rayons. Ouais. Et des fois, il y en a certains qui veulent pas partir. Moi, j'avais des potes, ils les enlevaient, ces trucs-là. Moi, je les ai toujours gardés. Ah, moi, je les enlevais. Je les ai toujours gardés, moi. Ah non, mais pour les rangs, quand tu veux ranger, empiler tes jeux, c'est horrible. Tu veux mettre une broche dans ta chambre, tu veux les accrocher. Non, mais... mais rigole pas, je faisais ça. et le drame, c'est quand tu le pètes et que tu le fais mal, quoi, tu sais. Punky mettait des punaises sur ses murs et il mettait tous ses jeux sur son mur. Il se faisait mais on avait une espèce de vieille tringle à rideau parce que, en fait, j'habitais dans une maison et ma mère était très fan de jeux vidéo, donc il y avait une salle de jeu avec un canapé, machin. Il y avait une espèce d'ancienne tringle à rideau, mais les volets de cette pièce étaient toujours fermés, donc ça servait plus. Et donc, on s'en servait parce qu'elle dépassait. Moi, je m'en servais pour mettre les jeux, les accrocher, et je voyais tous mes potes qui les arrachaient. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais, t'es en train de casser ta boîte. Je devenais fou, et je les ai toujours gardés. Même actuellement, vous venez chez moi, tous les jeux que j'ai, il y a encore les trucs dessus. À nous, de base, on les enlève, ces trucs là pourtant il y avait là, je vais vous poser, je rejoins Punky, hein. Il y avait un blister ou pas autour des jeux Mega Drive, finalement? Non, pas les premiers. Moi, je me rappelle des autocollants. T'avais un autocollant Mega Drive qui, en fait, fermait la. Ouais, un petit autocollant blanc. Je n'ai jamais connu de blister ou d'emballage autour. Ouais, il y a un autocollant blanc avec Sega en bleu. Ouais. C'est ça. Et maintenant, en fait, t'as une petite partie. Quand tu l'ouvres, hop, c'est comme ça. Quand tu l'ouvres, généralement, t'as une des deux moitiés qui est restée. Mais ouais, c'est ça. Ah ouais, donc toi, les trucs de magasin, tu les laissais. Mais ouais, c'est peut-être idiot, hein, mais. Non, moi, c'était la partie intégrante de la boîte, hein. C'était pas. C'est ça, voilà. Moi, je voulais pas la casser, je voulais la laisser comme elle était, tu vois. Et nous, on tirait comme des malades dessus pour l'enlever, comme ça, après, on le rangeait dans un carton, et parce que dès qu'il y en a un qui voulait pas partir, bah, ça faisait une petite bosse, là, dans la petite. Tu faisais pareil avec tes cartons de Super NES aussi. T'arrachais carrément le truc pour. C'est ça. C'est nul, ce carton. Bah, tiens, barbecue. Ouais, donc, on commence facile, on commence gentil avec les boîtes, histoire de poser un peu le truc, parce que maintenant, on va s'attaquer
au graphisme des jeux. On a parlé de la technique des consoles. Bah justement, vous avez dit oui, ça se valait hein, en termes de technique, mais en termes voilà de pure beauté artistique sur tous les jeux qui sur toute la ludothèque de vos consoles, messieurs. Voilà, quels sont les plus beaux jeux de vos camps finalement, lesquels à retenir, les plus beaux jeux de la Mega Drive, les plus beaux jeux de la Super NES. On va commencer par la Super NES avec Soubi. On va lancer le débat sur bah les plus beaux jeux. Voilà. Ouais, c'est dur comme truc parce que c'est pour moi un jeu c'est pas que graphique. Évidemment. Donc forcément je vais te dire Chrono parce que comme ça c'est fait, ça c'est plié. Je vais te dire Super Metroid comme ça pareil, ça c'est fait, ça je suis tranquille. Non, vraiment un jeu que je trouve magnifique, il y a Seiken Densetsu 3 qui est vraiment vraiment très très joli, qui est vraiment un jeu que je trouve absolument superbe, qui met le niveau vraiment très très haut en termes de graphisme et qui encore à l'heure d'aujourd'hui je le trouve toujours aussi fantastique. Je vais, pour me faire plaisir, je vais te mettre un petit Donkey Kong Country versus Yoshi Island, qui ouais. sont deux jeux que je trouve de fin de vie absolument magnifiques, chacun dans leur genre. Je peux comprendre qu'on n'aime pas le style Donkey Kong Country, mais les deux sont des jeux absolument magnifiques. Mm-hmm. Et voilà, après, c'est ceux qui me viennent là tout de suite en tête, mais il y en a énormément qui sont tous mais plus beaux les uns que les autres quoi. Enfin moi ce style pixel 2D c'est toujours celui qui me plaît le plus encore à l'heure actuelle quoi. Moi pour la Super Nintendo, celui vraiment qui m'a mis la première claque graphique, lequel je me suis dit ah ouais, c'est bah il y a eu Super Mario World et c'est surtout le Zelda 3. Ouais. La première fois je l'ai eu en japonais, la première à part fois Link. Que j'ai eu... Hein? Non, je trouve pas beau Link. Ah bon, les cheveux roses. Ouais. Moi c'est un ensemble quoi. Quand j'ai vu ce jeu là, je me suis dit mais enfin voilà, je après on rappelle t'avais eu le ça. Premier toi, le premier tu l'avais fini et tout sur ta NES, donc c'est aussi, voilà, aussi toi ouais. aussi voilà, t'as eu le passage de génération sur un jeu que tu connaissais et que tu aimais quoi. Tout à fait. Mais moi j'aimais le, alors si on parle des graphismes, ce que j'aimais sur la Super Famicom, c'était justement ce côté beaucoup plus coloré. Je vais te dire les comme les Magical Quest aussi. Avec plein de couleurs turquoise, enfin tu vois, moi, j'aime bien les jeux, surtout les jeux de plateforme, j'aime bien qu'ils soient très colorés. Et, ouais, que les mecs aient des t-shirts roses, les t-shirts blancs, flashback. Peut-être, voilà, mais non, mais voilà, Super Mario World, il est voilà, c'est très flash, c'est beaucoup de couleurs. Et la Mega Drive, je la trouvais, je trouve que c'est une console qui, parce qu'on l'a dit, elle a moins de palette de couleurs, mais je trouve que c'est des jeux qui restent sombres en général. Ouais, mais je rejoins un petit peu Looping parce que il parle des jeux de plateau qui doivent être colorés. Moi je l'ai récupéré en plus il y a pas très longtemps, mais un jeu que j'avais vraiment adoré, c'était les jeux avec les Tiny Toons. Ouais. Qui de Konami, qui selon moi avait vraiment compris l'essence même de cette licence, qui sont extrêmement fun à jouer et graphiquement qui sont vraiment au-dessus du lot quoi. Et on l'a évoqué maintes et maintes fois, mais tout ce qui touche à Goemon Fight, moi je suis hyper client. Ouais. Enfin les Mystical Ninja en Europe. Oui. C'est pas les jeux les plus beaux, mais au niveau ambiance visuelle, ça me porte toujours autant aujourd'hui quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Donc il y a un côté un peu peut-être plus coloré, peut-être même plus pastel, dessin, comme on l'a pu le dire avec Chrono, il y avait Toriyama aussi, donc il y avait un côté, on mise plus sur l'artistique dans le dessin, dans la représentation des sprites, peut-être un côté, nous, j'imagine, à l'époque, on disait un jour, peut-être on pourra jouer comme dans un dessin animé, on pensait même pas encore à la 3D, tu vois, on était là, peut-être on pourra jouer, ça sera exactement le même dessin, tu vois. Ça existait déjà sur Mega Drive. Oui, ça existait aussi en arcade avec le Roi Lion. Ah d'accord, bon, lance le truc. Pour toi, en fait, voilà, on a dit, hein, la console, la Mega Drive est sortie un peu en avance. On l'a dit, elle a moins une palette de couleurs plus faible. Est-ce que toi, pour toi, Punky, et Oz aussi, ça veut dire que la console, malgré son retard, enfin son avance, on va dire, et son retard technologique, est-ce que elle a réussi à tirer son épingle du jeu avec le temps, malgré sa faiblesse en termes de couleurs, par exemple? Bien sûr, tu prends dans les derniers jeux qui sont sortis, notamment le dernier Monster World, mais même le Wonder Boy de Monster World, qui est magnifique, coloré à souhait. Restar, tu vois, tu peux pas dire Restar, il y a pas de couleur, quoi. C'est... Restar, c'est Rayman, quoi. Ouais, c'est Rayman avant Rayman. Mais... Enfin, même ne serait-ce que les shoots, Flink, tu vois. Les... Flink qui est énorme. Ah ouais, Flink aussi, ouais. Adventure of Flink, ouais. C'est quoi Flink? C'est un jeu de plateforme. Faudra qu'on fasse une mission dessus. Oh. Parce que c'est quoi le héros? C'est un chat? C'est un petit bonhomme. C'est un petit magicien. Un blondinet. Ah oui, ouais. Ok.
Et non, ouais, les shoots Thunder Force, là, c'est... Pff, c'est tellement joli. Puis tout ce qui est Mickey, Castle of Illusion, World of Illusion, qui était tellement Quack plus shot. Beau que les ouais Quackshot qui était Quack tellement shot, plus beau super. Que ouais, mais si je peux me permettre, ouais, Quackshot, je le trouve artistiquement sublime. Mais par exemple, bon, je reviens au Tiny, tu vois, moi je trouve que comparé au Tiny, comme disait Looping, il est le jeu, il est un poil plus sombre, enfin ouais, ça, c'est pas le mot, parce que je un poil plus terne, voilà, c'est pas ouais, son terne. Quoi. Mikado, il y a aussi ce qu'en faisaient les développeurs, parce que ça, c'est un peu ma marotte sur l'émission. La Mega Drive s'adressait, on va voir sur la communication de Sega également, aux jeunes adultes, donc forcément, et les adultes qui sont. Quoi, les adultes n'ont pas le droit d'avoir des couleurs ? Mais c'est pas ça, c'est que du coup, c'est vrai que ce qu'on retient, Looping l'a dit, il disait que les jeux étaient plus sombres, mais parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeux qui étaient issus, par exemple, des portages d'arcade, qui étaient des jeux parfois, j'allais dire, entre guillemets, matures, toute proportion gardée, et c'est vrai que c'est pas forcément des jeux qui peuvent être couleurs, mais tu as eu des jeux qui étaient très colorés. Tu prends des jeux d'aventure comme Soleil, Story of Thor, tu les regardes, ouais. Ce sont des jeux qui sont vraiment magnifiques. C'est des jeux qui sont super beaux. Et tu prends un Story of Thor, il démérite pas devant un Link to the Past, malgré tout l'amour que j'ai pour Zelda 3. Quoi. En termes de jeux colorés, c'est vrai que Punky, t'as cité Restart, t'as Wonder cité Boy. Je t'aime d'amour parce que t'as cité également Wonder Boy et puis Thunder Force. C'est mon jeu préféré. Surtout le dernier Wonder Boy, c'est vrai qu'il est magnifique. Le Monster World avec la nana aussi qui est... incroyable. Mais moi je rajouterais également, mais il n'y a pas que les graphismes, il y a également la direction artistique. Moi j'adore les Sonic pour la direction artistique, parce que justement on avait des jeux qui étaient très sombres, qui étaient très j'allais dire très adulte finalement, et puis Sonic arrive, il te fait péter les couleurs. La Mega Drive, le jeu est mauvais, donc il fallait bien qu'il pense. Sam Mikado, c'est ton avis, hein, donc. Shinobi 3 et Shadow Dancer, voilà. Ouais, c'est du sombre beau, tu vois, tu peux pas dire sombre beau, j'aime bien ça. Pour les gens qui ne connaîtraient pas, je leur donne une pépite que moi j'adore, que j'ai découvert avec le rétro gaming. Je leur cite Vectorman. Et Vectorman 2, le Megaman de la Mega Drive. Boogerman, voilà. Aussi. Non, allez faire Vectorman, allez le faire en émulation. Vraiment, c'est une pure pépite, que ce soit en termes de direction artistique ou en termes de jeu. Rapidement, c'est quoi le jeu? C'est Megaman. C'est un robot, ouais, c'est un jeu de plateforme action, très punchy, très frénétique, et des transformations. Surtout qu'il utilise un peu la même technique que Donkey Kong Country, c'est-à-dire une espèce de 3D un peu digitalisé. Oh, c'est dégueulasse. Mais en tellement plus beau que Donkey Kong Country, et en qui vieillit tellement mieux. Ah, on critique pas Donkey Kong Country. Et puis un peu comme dans Time Cop avec Jean-Claude Van Damme ou pas? Non. Oh, sans le grand écart facial. Juste pour finir, Comic Zone, qui est juste pour moi la démo qui fait que la Mega Drive peut en cracher des couleurs, mais Comic Zone, c'est tellement beau. Et puis on en parlait du rêve d'avoir en fait des dessins animés à jouer. Comic Zone justement allait dans ce côté-là avec cet aspect BD, avec les onomatopées qui pètent à la gueule quand tu défonces tes ennemis. Et là, d'un seul coup, tu disais « Oh la vache, je joue à dessin animé, c'est trop cool !» Dans la même idée, d'ailleurs Second Player Gamer qui signalait, c'est vrai que les jeux Infogrames également, après on peut discuter de la qualité vidéoludique de ces jeux, les Tintins, etc., étaient des jeux qui étaient absolument magnifiques. C'est vrai qu'on pense à Aladdin, Mega Drive, tout ça étaient des jeux en 2D. Et voilà, comme on se faisait souvent la réflexion, comme tu viens de la faire, c'est on avait l'impression d'avoir soit la BD, soit un dessin animé devant soi, quoi. Exactement. Mais pour moi, perso, que ce soit l'une ou l'autre des consoles, j'en ai pas une pour moi qui était largement au-dessus en termes de graphisme, parce que sur la fin de vie, chacune avait ses jeux qui étaient vraiment magnifiques. Et voilà, je pense pas qu'il y ait vraiment une console qui ait écrasé l'autre d'un point de vue purement graphique, quoi. Je te rejoins, Soubi, parce que souvent on fait la comparaison sur des jeux qui sont sortis sur les deux consoles. C'est vrai qu'on pense souvent Street Fighter 2 ou alors ce genre de jeu, mais je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que finalement chaque console avait sa force et chaque console avait son identité. Il y avait une véritable émulation qui fait que ils essayaient de pousser à fond leur support, quoi. Et pour moi, voilà, il y a des jeux qui sont magnifiques sur Mega Drive, il y a des jeux que j'adore sur Super NES. Vous avez critiqué tout à l'heure Donkey Kong Country, moi j'adore ce jeu. S'il y a bien un jeu qui m'a donné envie d'acheter la 16 bits de Nintendo, c'était celui-là. Et voilà, t'avais des jeux qui avaient une super identité, quoi. Toad Jam and Earl. Oui. Ah oui. Ah, j'ai adoré. Moi. Je l'aurais pas cité en peau, mais en côté. Ouais, mais en identité artistique, ouais. Etc. Ah, ouais. C'est très spécial et voilà. Je dis, non, mais par exemple, moi, je vais lancer un pavé dans la mare, hein, mais
je trouve que Castlevania The Next Generation est plus beau que Super Castlevania 4. Alors après, voilà, on va me dire oui, machin, t'abuses. Je trouve, c'est mon avis. Lâchez-le sur le chat. Je ne peux pas te suivre. Non, mais après on peut faire des comparaisons. Je dis pas qu'il est plus jouable, je dis pas qu'il est meilleur, je dis juste qu'il est plus beau. Si on fait des comparaisons, Tortue Ninja, moi je le trouve plus beau sur Super NES que sur Mega Drive. Sur Mega Drive, c'est pas vraiment le même. C'est pas vraiment le même jeu, mais c'est pareil. Où on a fait un podcast sur Sunset Rider. Fais très attention là. Sunset Rider, je te rejoins. C'est vrai qu'il était plus joli sur arcade. Sur des copains en rose, violet. Ouais, mais quand même, graphiquement, il est plus joli que sur Mega Drive. Et les mecs, je peux pas être tout le monde d'accord, regardez, parce que on disait en début d'émission que voilà, il y avait, enfin, j'ai voulu glisser que Souvid avait dit que la Super Nintendo, justement, Nintendo avait eu l'idée de mettre des puces dans les cartouches pour pouvoir augmenter un peu la puissance des jeux, alors que bah, du côté Sega, ils avaient une autre philosophie, c'était plutôt on créait des périphériques comme le Mega CD ou le 32X pour un peu booster la machine. Ouais. Mais moi, il y a des jeux que je trouve horribles, c'est les jeux qui essaient d'émuler de la 3D. C'est-à-dire que pour moi, j'ai beau adorer Virtua Racing en arcade, c'est une chure sur Mega Drive et sur la Super NES. Mais je chie sur les Star Fox, mais comme c'est pas terminé. Ah, c'est une horreur, Le débat est ouvert. Con chie, mais mille fois. Pas de soucis, je suis totalement de ton côté. Les Star Fox, c'est injouable, c'est illisible, c'est ah, une grosse connerie. À l'époque, c'était les débuts de les 3D. C'est un des premiers jeux 3D sur console. Ça avait fait son effet, quoi. Faut se remettre dans le contexte. Maintenant, c'est vrai qu'à voir, c'est pas très joli, mais. Moi, à l'époque, j'ai trouvé ça formidable, Star Fox. À choisir, je prendrais Virtua Racer qui est quand même plus lisible. Ou Virtua Fighter sur 32X. Quelle horreur. Oh, c'est une autre histoire. Magnifique. Les femmes en polygone, c'était trop bien. Bah tiens, on parle de la 3D justement, comme on le dit, ce sont des consoles qui ont connu à la fin justement des renouvellements techniques avec les puces du côté de chez Nintendo ou les packs 32X chez Sega. Gerfo, notre PCiste de l'extrême de l'impossible, notre sémillant Gerfo, toi le PCiste avec tes cartes accélératrices 3D. Donc sur cette évolution technique au niveau des consoles, il y a rien qui trouve grâce à tes yeux en termes de graphisme par rapport à ce que toi tu connaissais à l'époque. Ah si, il y a beaucoup de choses. Alors bon, le problème c'est que ma connaissance des catalogues de ces consoles est un peu limitée, donc on a déjà parlé de ceux que je connais le mieux. Ouais. Mais enfin, au contraire, je crois que c'est des consoles qui ont aussi très bien marché parce que à l'époque sur PC on se gargarisait de la puissance des cartes vidéo accélératrices. Et le problème c'est que la 3D de cette époque-là, elle a pas fait date, elle était très moche et elle était pas géniale. Bon, c'est arrivé même peut-être quelques années un peu plus tard, mais enfin. La finesse des graphismes 2D marque aussi parce que on trouve ça beau encore aujourd'hui. Personnellement, je trouve que cette génération de consoles est plus forte que la suivante parce que la PlayStation a eu des très bons jeux, la Nintendo 64 a eu des très bons jeux, mais merci de parler de la Saturn. J'y connais rien en console, je t'apprends rien. Mais non, mais voilà, mais c'est non, il y a des choses magnifiques. Soubi a évoqué évidemment Super Metroid, mais même quelque part des univers abstraits comme celui de Super Mario World sur Super Nintendo sont. Il y a des choix de palette graphique, même en étant très limité, il y a une richesse artistique chez les créateurs à cette époque-là qui est vraiment vraiment à souligner. Moi, pourquoi je m'y intéresse aujourd'hui parce que ça a laissé du temps, ça a laissé sa trace dans le temps et c'est quelque chose de bien. Sur Mega Drive, moi je suis pas très fan de Sonic, mais bon, c'est juste une question de goût au niveau du gameplay. Mm-hmm. Mais ça a une marque, on ne peut que être impressionné par les capacités de ces consoles à nous immerger dans des univers avec quatre couleurs et quatre formes, quoi. J'exagère, mais c'est vraiment très 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 riche. Une question. Vas-y. Toi, à l'époque de ces consoles-là, toi, tu étais sur PC. T'avais un regard sur ces consoles-là. Tu les trouvais dépassées déjà. Comment tu voyais ça en fait? Bah moi, je voyais ça par le spectre de mes amis. C'est-à-dire, j'avais plus de potes qui avaient de Super Nintendo que de Mega Drive. Mm-hmm. Donc je te dis, la Mega Drive, je la connais très 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 mal, encore plus mal que la Super Nintendo. Mm. Mais je me souviens, il y avait ce côté convivial. On n'avait pas Internet encore chez moi à l'époque. C'était un loisir de super riche de jouer sur PC en ligne. Ouais. Et moi, c'est des choses qui me parlent le plus. Moi, tu vois, un jeu qui me plaît énormément et que j'ai refait après, c'est UN Squadron, par exemple, sur Super NES. C'est un super shoot 'em up.
mais jouer à deux avec un pote, mais c'est absolument génial. Enfin, je veux dire, c'est... Moi, en plus c'est un gameplay qu'on n'avait pas trop sur PC. Enfin, moi, j'en avais pas ce genre de jeu. Donc, il y avait des choses qu'on n'avait pas trop. Tu sais, pour moi, sur PC, les jeux de plateforme, c'est des trucs beaucoup plus anciens, beaucoup moins aboutis. Enfin, ouais, pour moi, quand tu voyais la console, bon, ok, tu trouvais le côté convivial et tout, mais par rapport à ton PC, tu trouvais que ce que tu par rapport à Doom. Ouais, voilà. Par exemple, le Doom, Doom, il y a eu une 32X, Super NES FX, PC. Quand tu l'as vu sur console, tu t'as rigolé, non, par rapport à ce que tu as. Bah, bien sûr que j'ai rigolé. Enfin, je veux dire, mais Doom, c'est on peut pas toucher à Doom. Je veux dire, Doom, c'est fait pour être joué sur PC. C'est là où il faut le voir en complémentarité. Quand les consoles ne cherchent pas à faire du PC, elles ont quelque chose à dire. Quand elles veulent limiter le PC, elles sont super limitées. Et c'est ça que je leur reprochais un petit peu, quoi. Enfin, Gerfo, j'ai une idée géniale. Un jour, je te ferai jouer à Doom avec une manette Mega Drive. Mais la manette de base, hein, la manette de base, tu verras. Ça va être magique, un moment magique. On va te filmer en train de jouer à Doom avec une manette Mega Drive sur 32X. Bah, ça va être volontiers, on prend rendez-vous, hein, mais bon. Une pépite, ça va être une pépite. Entre les niveaux, c'est pas drôle. Il y aura des bips toutes les deux secondes. Bip, 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 bip. Mais où est-ce qu'il a le bip? Bip. Ah, ça va être magnifique. Mais c'est vrai, ça, on peut comparer aussi les jeux, on va dire, les jeux éditeurs tiers qui sont sortis un peu sur toutes les plateformes. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques petites mésaventures, surtout, comme a dit Gerfo, quand on adaptait des jeux PC sur les consoles. Professeur Oz, est-ce qu'on a des réactions, justement, sur les graphismes dans le chat? Alors concernant les réactions, on a eu pas mal de name dropping, c'est-à-dire que chacun y allait un peu de sa petite liste de jeux qu'il aimait bien sur sa console. Je vais pas citer les jeux parce que grosso modo on les a abordés. Alors juste je me fais une petite parenthèse parce qu'en fait on a Second Player Gamer en fait qui demande si on peut parler justement des jeux Mega CD qui malgré le support réussissaient à être plus laid que les jeux Mega Drive, genre Night Trap ou Dracula Unleashed. C'est vrai qu'avec le Mega CD ils ont fait quand même très très fort de ce côté-là ces gars. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Alors juste entre parenthèses, nous on n'a pas eu la chance de connaître tous les jeux Mega CD, il y a quand même de bons jeux sur Mega CD. Il y a pas eu beaucoup de jeux, mais il y a quand même des bons jeux qui sont restés au Japon. Hein. Mais nous, on n'a pas connu le full motion vidéo. Nous, globalement, on a eu que Sonic CD qui était vraiment potable, quoi, en Europe quelques rares rééditions de jeux Mega Drive en un peu plus jolies avec des meilleures musiques, quoi. En fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était qu'on puisse voir l'intro avec Sonic qui jouit par le bout de son doigt. Ouais. Mais concrètement, Sonic CD a commencé à être développé avant Sonic 2. Donc, le jeu, ils l'ont sorti sur Mega CD uniquement pour vendre du Mega CD, sinon le truc se serait jamais vendu. Le souci du Mega CD, c'est que souvent t'avais des rééditions de jeux qui étaient déjà sortis sur la Mega Drive, mais simplement soi-disant avec des musiques qui étaient un petit peu meilleures, quoi. Après, si on doit regarder qu'est-ce qui est sorti sur Mega CD qui est intéressant, c'est vrai que la Mega CD, t'as Snatcher, t'as le Dune, de Kojima, ouais, et t'as également le RPG, la Lunar de Silver Star. J'ai pas pu l'expérimenter, mais bon, de ce que j'ai vu quand même, qui a l'air d'être assez sympathique. Maintenant, j'avoue que 20 ans après, j'aimerais bien pouvoir retomber sur des trucs comme Night Trap ou Switch, enfin, parce que il y a un côté nanar, j'aimerais vraiment pouvoir y tester. Mais à l'époque, il était hors de question que je mette plus de 1 000 € pour acheter un Mega CD et puis jouer à ces jeux-là. Mais maintenant, oui, j'avais le même membre de ma famille francs, qui m'a fait découvrir Sonic 2, ce même membre de ma famille avait acheté le Mega CD et le seul jeu qu'il avait, c'était Last Battle version Mega CD. Oh mon dieu! Oh là là! C'était triste. Oh la vache, oui, c'est triste. C'est clair. Mikado Twig, je t'entends pas sur les graphismes là. Bah écoute, moi j'ai pas trop de trucs à ajouter. Il y avait. La dernière fois en revanche, je suis allé chez Oz, il nous avait montré un jeu sur Mega CD qui était pas Sylphide. Dégueulasse. Pardon ? Sylphide. Ouais, je trouvais que celui-là il était pas esthétiquement formidable, mais il avait quelque chose, quoi. J'ai trouvé qu'il était intéressant, en plus il était assez jouable, ce qui est plutôt rare sur Mega CD, quoi. Oh. Voilà. Non, mais sur Mega CD, c'était les mêmes manettes hein, que sur Mega Drive. Hein. Ah, c'est pour ça. Il y a un peu de ça. Bah, tu vois, je suis assez surpris là que finalement, malgré presque 3 ans d'écart entre les deux consoles, il n'y ait pas genre un plébiscite énorme sur la qualité graphique des jeux sur SNES. Après, on a pu voir qu'entre les extensions de Sega ou les puces dans les jeux de Nintendo, chacun a essayé un peu de booster un peu les capacités techniques de leurs jeux pour proposer des effets toujours plus beaux. Et justement,
personne m'a dit « Ah, il y avait le mode 7 sur ce jeu !» Il y a que Looping qui aime le mode 7. Hein. Moi, perso, je serais pas fait la gerbe. On avait un équivalent sur Mega Drive. Il suffit de jouer à Street Racer sur Mega Drive pour voir qu'on avait un équivalent. Quel merde, ce jeu. Sorti tout seul. Désolé, je l'avais acheté Tu voyais quand même que graphiquement, il y avait un downgrade hein, sur Street Racer. Non, mais ouais, bien sûr, il y avait un downgrade, mais on avait un équivalent, ce qui suffisait largement à jouer, je veux dire... Même, enfin, tu regardes un Space Harrier, je veux dire, ça vaut largement tous les modes 7 du monde, quoi. Mais on l'avait déjà évoqué ça sur le podcast sur Contra versus Super Protector. Ouais. Mais le menu là, tu te rappelles, Oz, là, de la version Mega Drive. Oui. Ouais. C'est pas du mode 7, mais les effets de vagues et tout. Franchement, je trouve ça. Tu parles du menu, mais le jeu, t'as plein. J'ai déjà dit, moi, j'adore Konami sur Mega Drive. Comme je t'avais dit, on a jamais passé le premier niveau avec Looping. Ouais, bah, vous êtes mauvais. Il y a un niveau sur l'autoroute où t'es poursuivi par un vaisseau. Par Bénil. Oui, par Bénil, voilà. Et par le petit vieux. Ouais, il y a le menu principal qui est en mode 7. C'est génial. Ouais, mais justement, tout à l'heure, quand je parlais de Pulseman, ce jeu est méconnu, mais il utilise. Il y a des effets de mode 7. Il y a un boss où t'as des effets de rotation super fluides et le truc est vraiment hallucinant, quoi. Mais là, à nouveau, mais pour moi, c'était pas dans la console, c'était des trucs qui devaient être dans la cartouche. Enfin, je m'y connais pas dans la technique, mais c'est dans la cartouche que t'avais ça. C'est pas la console qui le permettait vraiment. Mmh. Ouais. Je pense que il y avait quand même un petit. Enfin, je crois que la cartouche était un peu plus grosse à mon avis. Hein. Enfin, devait y avoir un délire parce que j'ai jamais vu personnellement la cartouche, mais voilà. Après, si je peux me permettre, sur la Mega Drive, ils utilisaient des astuces pour parfois simuler un peu des effets de 3D. Je pense à un truc, c'est pas vraiment du mode 7, mais on parlait de tout à l'heure Sonic, et j'avais envie de glisser une anecdote. Vous savez en fait qui a glissé l'idée dans les premiers niveaux comme Rini Luzon de faire du quadrillage, les petits quadrillages pour faire le sol dans les Sonic ? Non. C'est Yu Suzuki. D'accord. Ah oui, parce que c'est lui qui a fait c'était pour l'effet de profondeur, parce qu'il a dit que par rapport à Space Harrier, ça donnerait une impression de profondeur et donc de 3D. C'est ça. Ouais, la pique. Et puis le fait de voir les quadrillages défiler, tu ressens beaucoup plus l'effet de vitesse finalement. Mmh. Oh, les niveaux bonus dans Sonic 3 ou même le Half-Pipe dans Sonic 2. Dans Sonic 3 et Knuckles, il y a des niveaux bonus, c'est mieux que du mode 7. Les boules bleues et les boules rouges, là, c'est mieux que du mode 7, c'est plus joli. Les gars, le premier niveau bonus du tout premier Sonic, il y a des effets de rotation. Bon, c'est très lent, c'est. Oh, il est sous LSD ce niveau bonus. J'adore ce niveau. Tous les niveaux bonus de Sonic sont sous LSD. Oh là là, et la musique, les poissons derrière qui changent, mais t'as l'impression que Sonic il a pris un gros rail, quoi. Oh là là, quelle horreur. Finalement ça se joint un peu sur les deux là. Moi je m'attendais à ce que vraiment les défenseurs de la SNES y aillent vachement plus fort. Tiens, vous avez été très gentils sur ce coup, messieurs. Bah pour une fois, c'est bien. C'est bien de rééquilibrer. Non, on a un invité, ça se fait pas quoi. on va les avoir à l'usure. Il y a des jeux très bien sur les deux supports. Ça dépend vraiment ce qu'on recherche quoi. Voilà. Après, si on doit vraiment être honnête, il y avait quand même un éditeur qui a tout déché sur la Super Nintendo, c'est SquareSoft. Hein. Seiken 3, Chrono, Final Fantasy 6. Moi, quand j'ai vu les screenshots de Seiken 2, mais je me disais, mais j'avais envie d'acheter une Super NES pour ça, et pourtant j'adore ma Mega Drive, je sais qu'elle est capable de faire de super jeux. Mais on avait les Fantasy Star. Oui, merci. Non, mais par contre, je vais te dire un truc tout simple, c'est aussi sur la Super Nintendo où il y a eu Street Fighter en premier, quoi. Et à l'époque, mine de rien, ça a cartonné, quoi. Le pack Super Nintendo plus Street Fighter, ce truc-là, il s'est vendu, mais comme des petits pains. Et il y a le portage Mega Drive, il a été fait quand même pas mal de temps après, je crois, un ou deux ans après, non ? Un an après. C'est beaucoup. Je crois qu'il était bien sur Mega Drive, non ? Ouais, mis à part qu'ils étaient tous enroués, quoi, mais bon. C'est-à-dire qu'il fallait pas y jouer en 50 Hz quoi, parce que. Ouais. Non mais c'est ça, c'est que comme tu le laisses entendre, Lucas, c'est que il est aussi sorti sur Mega Drive et comme tu dis, il me semble qu'il était bien, c'est que pour beaucoup, même à l'époque, tu parlais de Street Fighter, c'était estampillé Nintendo, Super Nintendo et finalement. T'étais limite surpris de voir la boîte Mega Drive. Tu dis c'est sorti aussi sur Mega Drive. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'il s'était tellement approprié entre guillemets la licence. Que moi ado je pensais que Street Fighter, je savais que c'était un jeu pour 4. Je mérite un buzz. Vas-y, sors le looping. Vas-y. Je mérite un buzz, oui. De quoi ? Il y a un buzz. Je mérite un buzz, mais oui. Il a dit quand j'étais ado, j'ai fait oui à Hadouken. Alors, buzz. Voilà, c'est même moi qui le demande. Ouais, je disais, ce jeu était vraiment pour moi estampillé Nintendo. Ouais.
Et en plus, on disait, ouais, c'est le même jeu que l'arcade. Enfin, tu vois, enfin, c'était. Je suis sûr qu'il y en a qui ont revendu leur Mega Drive à l'époque pour acheter une Super Nintendo. Ouais. Je suis sûr. Ah ouais. Ouais. C'est traître. Ah. Je les ai tous retrouvés, je les ai tous égorgés. Direct. C'est vraiment à ce moment-là que, par contre, la Super a repris le dessus sur la Mega Drive, parce que pendant des années, la Mega Drive restait quand même devant. Bon, hein. des années. Et la vérité, c'est que dès 92, la Mega Drive, elle a réussi justement, elle avait de l'avance jusqu'aux États-Unis. Mais en 92, la Super Nintendo, donc déjà apparue en Europe, et très rapidement, elle a repris la première place. Hein. Il y a eu aussi une période faste où je vais faire mon fan de Sonic, mais il y a aussi, c'est aussi lié à la distribution de Sonic 3 et Knuckles qui était un peu chaotique. Les gens ont eu du mal à acheter Sonic 3. Sonic et Knuckles en Europe, c'est mieux vendu que Sonic 3, alors que c'était la deuxième moitié du jeu. Et puis après, il y a eu Sonic 3D. Ouais. Que les gens ont, moi-même, je l'avoue, en tant que fan de Sonic, est complètement raté parce que tu peux pas faire un Sonic en 3D isométrique, c'est pas possible. Et je pense que ça a aussi convaincu effectivement beaucoup de possesseurs de Mega Drive de la revendre et puis d'aller s'acheter une Super NES pour faire les Super Mario qu'ils avaient pas fait, etc. Et tu vois, moi, je te dirais un truc, c'est qu'à l'époque, bon, j'avais plus la Mega Drive quand il y a tous ces Sonic là qui se sont enchaînés. Et je t'avoue que moi, je me suis toujours perdu là-dedans. J'ai jamais compris Sonic, Knuckles, machin, bidule. Ouais, et puis il y avait compliqué. Sonic Spinball aussi. Il y avait Sonic Spinball, le jeu de flipper qui est sorti au même moment, mais ils se sont embrouillés. En fait, Sonic 2 a tellement bien marché qu'ils ont voulu tout balancer d'un coup. C'est à la même époque que sont sortis les Sonic exclusifs à la Master System. Et du coup, c'était une avalanche de Sonic. Et je crois que les gens, ils ont fait une overdose de bleu, je sais pas. Et c'était pas bien, sauf moi. Moi, j'étais très heureux. Bizarrement, à cette époque, c'était peut-être la meilleure époque de ma vie. Oui, tu as un peu déchanté par la suite, mais c'est vrai, comme on le dit, il y a eu beaucoup de jeux estampillés Sonic. Mais attendez, les gars, sur Super NES, les jeux Mario estampillés Mario, il y a eu que ça. Hein. Il y a eu Super Mario, il y a eu Mario Kart et tout. Bon, après, les niveaux de qualité des jeux n'étaient peut-être pas les mêmes aussi. Bah, c'est ça, c'est qu'après, tous les jeux étaient soignés. Chez Sega, ils ont laissé quand même faire Sonic 3D par Traveller Tales, qui à l'époque, qui maintenant a fait les jeux Lego et a une réputation, mais à l'époque, il n'avait pas forcément une extrêmement bonne réputation. Il avait fait des bons jeux, mais il en avait fait aussi des très mauvais, Traveller Tales. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, en fait, par rapport à tous ces jeux, c'est aussi le terme de l'époque de la censure. C'est que il y avait beaucoup de gens à l'époque qui disaient que sur Mega Drive, t'avais les jeux où il y avait du sang, comme les premiers Mortal Kombat. Voilà, ça c'était aussi un argument de dire que les jeux étaient quand même plus adultes et plus sanglants sur Mega Drive. Ça faisait plus. Ah, mais Street of Rage était beaucoup plus sombre que Final Fight. Ouais, et surtout, ils jouaient à plusieurs. Non, on parle pas mal de ludothèque là, donc juste avant vraiment de se lancer dans nos ludothèques préférées là des jeux Mega Drive, des jeux Super NES, on va faire un petit tour là, au niveau du son, enfin des musiques. On a parlé justement des puces sonores des Mega Drive, Super NES quand on a parlé des consoles. En termes de musique d'OST ou même d'ambiance sonore, si vous deviez retenir vraiment les jeux les plus marquants, ceux qui utilisaient le mieux les capacités de leur console pour rendre une BO totalement de ouf ou une ambiance sonore qui vous a vraiment scotché à l'époque. Par exemple, toi, Soubi, au niveau de la SNES ou même de la Mega Drive, il y a des trucs qui t'avaient marqué en termes de musique. Même si, bien sûr, toi, t'es un grand fan de RPG, j'imagine qu'il y a pas mal de BO de RPG qui te tiennent à cœur. Comment dire, Secret of Mana, Chrono, FF6, Super Metroid, et voilà quoi. Déjà, t'as résumé grande partie des OST absolument cultissimes avec F-Zero, bien sûr. Enfin, c'est pour moi la. Alors, je vais être un peu méchant, mais voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup moins de thèmes qui me marquent sur Mega Drive. Et certes, Yuzo Koshiro a fait un énorme boulot. Certes, l'intro de Street of Rage est absolument phénoménale et je la trouve extraordinaire. Mais voilà, après, je trouve que là, d'un point de vue vraiment purement OST, rendu sonore, etc., la SNES, pour moi, est largement au-dessus. Il y a beaucoup plus de thèmes qui me parlent, mais parce qu'en même temps, le style RPG me parle beaucoup plus et que la SNES est plus adaptée à rendre ce genre de mélodie. Parce que voilà, la Mega Drive est moins adaptée pour ça, quoi. C'est plus électro, plus techno, un genre qui me parle beaucoup moins, quoi. Tout à l'heure, je parlais du fait que la Mega Drive était surtout faite pour être composée par des musiciens. Ouais. Et une preuve, parmi tant d'autres, c'est que les jeux Amiga qui étaient adaptés sur Mega Drive
au niveau de la musique, c'est extrêmement bien rendu et quasiment, bon, je dirais pas similaire à ce qui se faisait sur Amiga, mais quand tu regardes un, voilà, les jeux des Bitmap Brothers, genre Gods et tout, les musiques, elles sont aussi bien que sur les versions Amiga. Je crois qu'il y a Speedball 2 aussi qui est sorti sur Mega Drive. Même à Shadow of the Beast, ça a envoyé. Je pourrais pas te dire sur Shadow of the Beast parce que pas autant de l'Amiga, mais ça restait extrêmement bien rendu parce que la console, on sentait qu'elle avait été adaptée pour des musiques aussi, on va dire. C'est une sonorité un peu ordinateur, tu sais. C'est ça, voilà. C'est ce que j'appelle les musiques de KidGen, en fait. Et n'oublions pas un truc, on l'a dit sur la partie technique tout à l'heure. Bon, la Super Nintendo est sortie quand même bien plus tard. La Mega Drive, elle héritait finalement ce qui s'était passé, l'appareillage de la Master System. Elle est pas équipée de la même manière que la Super Nintendo. Et moi, je suis d'accord. Après, la Super Nintendo, elle se façonnait très bien les RPG. Mais je suis désolé. Moi, pour le côté technoïde électro, je trouve que la Mega Drive s'en sort très bien. Je trouve toujours très injuste lorsqu'on dit que la Mega Drive, le son est dégueulasse dessus. C'est faux. Et tout à l'heure, je l'ai mis sur le chat. Par exemple, tu sur prends. Sur Promotector, c'est vrai. Non. Je suis désolé. Tu prends un jeu. Je parle des bruitages. Mais tu prends un jeu comme Secret of Mana, je pense que la Mega Drive pourrait pas faire sonner correctement les mélodies parce que tu n'as pas de sample, de piano, de guitare, de synthé. Inversement, un jeu comme Street of Rage ne pourrait pas sonner sur Super Nintendo, n'aurait pas le même groove. Moi, il y a un jeu que j'adore, j'en ai parlé, on en reparlera dans l'émission qui va être diffusée dans la semaine là. Moi, je suis amoureux de Thunder Force, c'est une des OST que je préfère sur Mega Drive. Il y a le Thunder Force 3 qui a eu droit à une adaptation sur Super Nintendo. Le jeu ne sonne pas du tout de la même manière parce que justement, on est dans une musique qui est très rapide, qui est très électro. Donc, chacune des consoles, finalement, a ses forces. Et c'est pour ça qu'on dit Yuzo Koshiro sur Street of Rage. Oui, le mec, c'est un musicien. Il a mis la main à la pâte pour pouvoir faire de la bonne musique dessus. Et malheureusement, souvent, sur Mega Drive, les mecs n'avaient pas envie de s'emmerder à faire ça. Sur la Super Nintendo, tu avais des samples sonores. Les musiciens pouvaient très bien piocher avec. Je l'ai déjà dit sur l'émission, je crois que c'était pour Chrono Trigger, ou je sais plus, c'était pour Secret of Mana. Ou je crois que c'était Kikuta qui était justement qui avait composé, il avait créé des sons pour faire les mélodies de Secret of Mana sur Mega Drive. Il fallait vraiment également mettre la main à la pâte et les gens ne le faisaient pas. Généralement, ils se contentaient simplement de récupérer les banques sonores. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruitage qu'on retrouve dans plein de jeux Mega Drive parce que les mecs n'avaient pas envie de s'embêter. Alors peut-être les bruits plus payés. Mais honnêtement, elle était capable. Il y avait un véritable groove qui était capable de sortir de cette console. Oui, puis bon, thank you. Faut pas oublier qu'il y a des trucs qui sont restés. Enfin, je veux dire, le thème de Green Hill, il est aussi culte qu'un thème de Zelda. Il est culte en 60 Hz. Ah oui, il est culte en 60 Hz. Bah, c'est-à-dire que si tu l'écoutes en 50 Hz, tu mets une heure et demie à l'écouter. Donc, c'est ça. Mais voilà, t'as des musiques comme ça. Les musiques de Gunstar Heroes, elles sont incroyables. Enfin, j'ai des tonnes d'exemples. Ristar, Cool Spot, les musiques de Cool Spot, elles sont tellement bien sur Mega Drive, un truc de dingue. Et quand tu prends la version Super NES, bah ça sonne moins bien. Notamment la musique, par exemple, du bonus stage de Cool Spot qui est culte. Tu l'écoutes sur Super NES, tu fais mais non quoi, mais donc, non truc, c'était là. Pas ça. Voilà c'est ça. Donc je pense que chaque console avait sa patte, sa spécificité. C'est comme si tu disais est-ce que le piano est meilleur que la guitare? Tu vois, tu peux pas décider, ça dépend de l'utilisation que t'en fais. Dans la Super Nintendo, on était plus dans le symphonique, je pense un peu. Moi, je pense à Actraiser, à Parodius aussi, les musiques dans Parodius. C'était un peu des reprises de trucs de thèmes d'opéra, des choses comme ça, un peu délire, quoi. Et on était plus dans l'esprit symphonique. Et sur la Mega Drive, je trouve qu'on est plus dans l'esprit, comme on l'a dit, un peu électro, ordi, tu vois. Pop. Ouais, voilà, ouais. On a un son qui est très métallique, hein, finalement. Ouais, c'est ça, parce que tu prends le thème de Golden Axe, qui est un thème culte, mais il est quand même très, il est rugueux, quoi. Il accroche. Tous les thèmes un peu rock de Sonic 3 et Knuckles rentrent très bien parce que justement, c'est ce son métallique qui fait un petit peu rock, rock électro, c'est. Et puis après, ça va avec l'identité des consoles, comme on l'a dit au tout début dans la première partie, sur même dans le design et tout, c'est en fait le design un peu agressif de la Mega Drive, bah tu le retrouves aussi dans la manière dont ils utilisent les sons aussi. Aussi. Mika. Oui, sur Twitter, on nous signale aussi que Shining Force a une BO assez remarquable, quoi. Moi, je connais pas du tout, donc j'ai pas d'avis, mais voilà, RPG. Je dérape un petit peu. On dit souvent la Super Nintendo. Pour ça, moi, je critique parfois les mecs qui défendent la Super NES et qui connaissent pas mes rêves. C'est vrai qu'on dit que la Super NES, c'est la meilleure console pour les RPG. Mais c'est aussi oublier que la Mega Drive, quand même, a eu de bons RPG avec de très bonnes OST, hein. Donc, les Shining Force, les Phantasy Star également, ils se défendent très bien de ce côté-là.
Après, par exemple, c'est pour ça que vous avez pas eu Shining Force dans la petite pause musicale Mega Drive, c'est que si tu compares à d'autres musiques de RPG sur Super NES, sur le coup, bah t'avais peut-être pas envie de le mettre en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai mis des trucs un peu plus électro, un peu plus rythmé, un peu plus wouhou pour la Mega Drive, parce que. Bah, c'est la musique de Jones, quoi. Voilà, la musique de Shining Force. La musique Force est plus fort que toi. Quoi. Voilà, Shining Force, c'est un de mes premiers RPG, donc c'est un truc coup de cœur, donc c'est une Madeleine de Proust pour moi. Par contre, la musique, je l'écouterais pas pour elle-même, tu vois, c'est en gros je l'écoute avec le jeu, mais je l'écoute pas toute seule, tu vois. Bah, par exemple, une comparaison très simple, le thème de Sparkster, je trouve qu'il il rend tellement mieux sur Mega Drive que sur Super NES, parce que justement il est fait pour être aussi dynamique, aussi électrique. C'est un thème rock, et sur Mega Drive il fait petite balade pouf, 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 tu vois, mais d'un coup ça redevient presque enfantin, et ça revient avec le design et toutes les caractéristiques de la SNES. On est en train de faire, vous avez vu, on est en train de dessiner deux identités bien nettes, hein, sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas sur chacune de ces consoles, avec les designs, les identités, finalement les philosophies de ces deux machines, ce qui comprend un peu pourquoi la bataille qui a eu lieu dans les années 90 elle continue encore aujourd'hui, parce que c'était des identités bien marquées, bien fortes. C'est que quand on devait choisir une console, c'était pas c'est un peu les mêmes, non, c'était de l'ordre de la religion. Mais oui, non, mais c'est pour ça que les jeunes joueurs peuvent aussi tempérer un peu leur excitation, par exemple sur les consoles d'aujourd'hui, à se tirer la bourre sur des consoles qui se ressemblent vraiment énormément, comme quand à l'époque, même si on avait pas mal de jeux qui étaient sur la même console, il y avait beaucoup de jeux exclusifs, il y avait vraiment des identités bien marquées, et ce qui faisait que quand t'es un joueur Mega Drive et quand tu passais à la SNES, d'un seul coup t'avais l'impression de rentrer dans un univers vraiment différent, t'as l'impression d'arriver chez le voisin et pas chez le cousin. C'est ça. Le multiplateforme tel qu'il existe aujourd'hui n'existait pas, c'est-à-dire le multiplateforme, c'était pas deux jeux identiques, c'était pas possible. Ça n'existait jamais. Voilà, c'est ça, Turtle in Time, Hyperstone Heist, magnifique. Oh là là. Et moi j'ai bien aimé, j'aimais bien. On va se lancer là dans la ludothèque, on parle de petits jeux comme ça, on a parlé au niveau des graphismes et du son, on a vraiment lancé sur vos plus grosses Madeleine de Proust, les jeux que vous avez vraiment envie de vendre avec la console, et en même temps, si vous avez envie d'attaquer le camp d'en face, vous dire attendez, sur la console de l'autre là, il y avait vraiment ce jeu là, tout le monde l'a adoré, mais franchement c'était une grosse merde celui-là, donc on va commencer par la SNES avec Looping. Toi, si t'avais envie de vendre vraiment une petite ludothèque avec ta SNES, tu proposerais quoi aux jeunes joueurs, par exemple? Je vais essayer de sortir un peu des classiques, parce qu'on a déjà parlé pas mal de jeux, le Zelda 3, etc. Donc moi, j'aimerais vendre Pokin Rocky. Donc je t'aime. Sur le chat, il est nommé. Hein, il est très très bon, celui-là. C'est donc, que je connais pas, moi j'ai honte. Hein. C'est un beaucoup de choses que tu connais pas. Ouais. Vas-y, Looping. C'est comme un shmup, mais un peu à la plateforme, en fait. Tu vois, genre commando. T'as une vue de dessus. C'est une petite fille japonaise qui envoie des shurikens et qui est épaulée avec un renard. On peut jouer à deux. Qui était sur PS Engine aussi. Hein, Ça s'appelle Kiki Kai Kai en version japonaise. Et ça, c'est excellent. Le chien s'est fait mordre. Ouais. C'est beau ça. Continue Looping. Ouais, donc il y a deux épisodes sur SNES, donc je vous les conseille fortement. Je voudrais aussi parler d'un jeu qui existe qu'en version japonaise, qui s'appelle Doremi, qui est un petit jeu de plateforme où c'est une sorte de, on dirait Link en fait, c'est un petit lutin qui fait des bulles, et en fait tu captures tes ennemis dans des bulles, et il est magnifique, ce jeu. Donc je le conseille aussi. Il y a Castlevania Vampire Kiss aussi sur SNES. Mmh. Il est bon, mais putain, t'as Rondo of Blood. Enfin, d'accord, bon. On en parlera dans un podcast. Je dis pas, mais là, non. Après, c'est les goûts, hein, c'est toujours pareil. Carton rouge. Non, mais il est bon, mais voilà. Ouais. Et par exemple, le Looping, s'il y avait un jeu parmi la ludothèque Mega Drive, tout le monde dirait celui-là est trop bien, et toi, tu dis, mais franchement, il est nul celui-là. T'en as en tête des jeux comme ça? Sur la Mega Drive, les connus, ça me vient pas spécialement, mais les Sonic, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait le 1, après je trouve qu'ils se sont complètement perdus et j'ai pas trouvé d'intérêt, quoi. Ça me plaît pas plus que ça. J'ai jamais compris le système de Knuckles de mettre une cartouche sur une autre cartouche, enfin je sais pas quoi là. C'était DLC avant l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un côté sexuel un peu à l'affaire, quoi. Ouh,
magique. Et juste un petit dernier de Super Double Dragon sur SNES aussi. Double Dragon. J'ai juste une petite rectification apportée par un truc qu'on s'est dit avec Professeur Rose tout à l'heure, ouais. Qui m'a parlé de Pulseman et j'ai dit oui, c'est un Mega Man-like et tout. J'ai dit une grosse connerie, j'ai confondu avec Vectorman qui n'a rien à voir. Oui. Et qui lui effectivement utilise un Country avec des sprites 3D digitalisés. Il avait dit Pulseman et Vectorman. Voilà. Mais pour le coup, j'aurais bien envie de conseiller Pulseman, qui est un jeu de Game Freak, donc qui a fait Pokémon après. Et musique exceptionnelle, background, il y a des effets mortels, l'écran titre, ça imite la neige de la télé, mais à la perfection, quoi. C'est non, mais c'est excellent parce que c'est la Mega Drive qui simule la neige de la télé. Tu pourrais t'attendre à un truc un peu pixelisé. Non, c'est de la vraie neige de la télé, quoi. C'est assez dingue. La Mega Drive faisait super bien la neige, hein, vous saviez pas. Hein, mais... voilà. Non, mais voilà, c'est genre des petits effets qui miment un petit peu le brouillage de l'antenne de télé. C'est assez bien foutu. Et un deuxième jeu qui est peut-être plus connu. Mais qui est injustement oublié, c'est Wonder Boy in Monster World, oui. Qui est pour moi, le jeu a tellement, comment dire, le jeu a tellement inspiré Zelda par la suite. Oui. Je veux dire, dans le jeu, le premier truc que tu fais, c'est que tu récupères un ocarina pour ouvrir la porte d'un donjon, et il y a une petite fée qui t'accompagne, tu vois. Donc c'est voilà. Et c'est juste exceptionnel, c'est de la 2D magnifique, un Metroidvania avant l'appellation Metroidvania, c'est trop beau. Voilà. Et les musiques exceptionnelles, un paysage, une ambiance, tout ça, c'est génial. Donc sur Mega Drive, je conseillerais ces deux-là. Soubi, toi, des jeux à conseiller, même si on a pas mal parlé avec toi là, au niveau des musiques des RPG Squaresoft, en termes de Ludo, même on a parlé de Donkey Kong et tout, il y a vraiment des jeux marquants dont on n'a pas encore parlé là ? Ah bah, pour moi, non, malheureusement, ça va être quasiment que des jeux qu'on a déjà parlé, mais en même temps, c'est pourquoi la SNES reste ma console préférée de tous les temps, c'est parce que, à la Chrono Trigger, qui est le meilleur jeu de tous les temps, voilà, ça s'est fait, à la Super Metroid, qui est le troisième meilleur jeu de tous les temps, donc au moins comme ça s'est fait, à la Secret of Mana et Seiken Densetsu 3, et à la surtout une série que moi j'adore particulièrement, il y a Zelda aussi, mais vraiment une série que j'adore absolument, c'est les Mega Man X. Oui. Et les Mega Man X, pour moi, c'est juste de la ultra bombe. Et que ce soit le 1, le 2 ou le 3, c'est juste une tuerie. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'adore la SNES, quoi, pour ces jeux et qui, malheureusement, ne sont pas sur Mega Drive. Mais c'est pas faux, ça. Et, mais toi, l'amoureux de la Master System, il n'y a pas des licences que tu aimais sur Master. Et sur le coup, bah, tu as peut-être limite été déçu de la manière, peut-être même qu'il n'apparaissait pas sur Mega Drive ou des trucs comme ça. En termes de ludothèque Mega Drive, il n'y a pas eu des déceptions pour toi ? Non, pas des déceptions, mais c'est juste, oui, il y a des jeux qui après m'ont manqué. Comme on parlait des Sonic, j'aurais bien continué les Sonic sur Mega Drive. Justement, Punky parlait des Wonder Boy et on sait à quel point j'aime Wonder Boy 3, donc sa suite. Oui. J'étais très frustré de pas pouvoir la faire, même s'il y a une version Master System, mais qui est extrêmement, on va dire, coupée. Et après, les Phantasy Star me faisaient énormément baver, plus que les Shining Force, parce que j'étais plutôt sur, pas trop tactical, quoi. Il y a quelques jeux comme ça qui me donnaient envie, mais en soi, pour moi, ce que je préférais à cette époque-là, c'était les JRPG, et les meilleurs JRPG, je suis désolé, ils étaient sur SNES. FF6, il était sur SNES. FF4, même 5, tout ça était sur SNES, Squaresoft était sur SNES. Oui, voilà. Et malheureusement, à l'époque, c'était eux qui faisaient les meilleurs jeux. Unix était sur SNES et c'était également eux qui faisaient les meilleurs JRPG. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, c'est ça. Oz, en termes de JRPG, c'est clair que... Punky est mort. Punky est vraiment décédé. C'est moi. Il y a eu un argument tueur là. Voilà. ça m'a tellement vénère, j'ai balancé un peu. C'est ça. Non, ouais. non, j'ai juste fait tomber ma souris, c'est pas grave. Sobi a dit il y a plus de meilleurs JRPG étaient sur SNES. Je décède. Bah justement. Je peux que être d'accord avec Sobi parce que au niveau des RPG, moi c'est des trucs que j'ai découvert plus tard via l'émulation parce que voilà, je l'ai déjà dit, quand j'ai pu découvrir l'émulation, c'est vrai que j'ai récupéré les jeux que je connaissais pas sur NES ou enfin sur Super NES que je connaissais mais que j'avais pas pu pratiquer et c'était essentiellement des RPG.
Mais voilà, moi vraiment, maintenant, on attaque justement l'origine, la source pour moi de la passion, que j'ai pour la Mega Drive. Je l'ai dit, hein, j'adore la Super NES, mais moi, ce qui fait, c'est que pour moi, en fait, j'étais clairement la cible marketing de Sega pour la Mega Drive. C'est-à-dire que je l'ai dit depuis le début du podcast. T'étais la punk. Mega... Non, mais voilà, mais c'est ça. Mais j'aurais voulu qu'on parle de la campagne commerciale de Sega, que ce soit en Europe ou même ce qu'ils ont fait aux États-Unis, parce que pour moi, Sega, la Mega Drive, ils s'adressaient aux adolescents, aux jeunes adultes, un peu à la manière de ce que Sony a fait plus tard avec la PlayStation. Ils s'adressaient aux gens qui connaissaient les jeux d'arcade. Et moi, par exemple, bah, j'adorais ces jeux-là. Tous les week-ends, j'allais parfois avec mon père, on mettait une pièce justement dans le jeu d'arcade, dans le bistrot, et j'adorais ces jeux. C'est des jeux que je connaissais. Et honnêtement, le truc, quand la Super Nintendo est sortie, j'en ai pas eu spécialement envie parce que moi, les jeux Nintendo ne m'attiraient pas. Donc oui, moi j'étais content quand j'ai eu Altered Beast. C'est pas un grand jeu, Altered Beast, je suis d'accord, mais j'étais content de les retrouver. Les Golden Axe, j'étais super content de les retrouver. Tous ces jeux-là, justement, quand Looping, puisque c'est des jeux qui sont plutôt sombres, mais moi justement, le gamin que j'étais attiré parce que c'était un univers qui était déjà plus adulte. Et du coup, moi, je suis totalement rentré dans cette cible marketing. Les publicités avec le punk, mais forcément, il y avait un côté violent, un côté badass qui, moi, me parlait tout à fait. Et à l'opposé, chez Nintendo, bah, les jeux, ils ont beau être excellents. Je suis désolé, moi, Mario World, je m'en fous. F-Zero, oh, Yoshi, F-Zero, tellement mignon. F-Zero, ça me fait chier. C'est Mais voilà. Non, mais les gars, les gars, j'ai le droit. Ça n'enlève rien en fait que ce sont de très bons jeux, mais moi ce sont des jeux qui ne me parlaient pas. Donc c'est pour ça, il n'y a pas une question de dire que la Mega Drive est meilleure que la Super Nintendo, que la Super Nintendo est meilleure que la Mega Drive. Il y a une question également à qui s'adressaient ces consoles. Et moi je suis pas, même aujourd'hui, je suis pas la cible de Nintendo. Ça n'enlève rien en fait que ce sont de grands jeux, que ce sont des jeux qui ont des gameplays qui sont géniaux, mais moi je suis pas la cible. C'est pour ça que les Mario, ça me parle pas. Zelda, c'est un très grand jeu, j'adore Zelda 3, mais pareil, j'étais pas forcément attiré. Alors quand le Zelda 3 est sorti, évidemment ça faisait envie, mais quand j'y jouais chez les potes, j'ai envie de dire, c'est presque, ça me suffisait. Donc vous voyez, j'avais la Mega Drive, mais j'étais pas jaloux non plus de mes potes qui avaient la Super Nintendo. Il y a quelques jeux qui sont sortis sur Super Nintendo qui m'ont donné envie. J'ai dit Donkey Kong Country, Final Fantasy VI, ce genre de choses, Chrono Trigger également. Mais voilà, c'était déjà vers la fin des 16 bits. Voilà, moi pour la Mega Drive, si je dois retenir des jeux, je les ai déjà cités pendant l'émission. J'ai dit Thunder Force. On a dit Pulseman, Vectorman pour les jeux qui sont pas très connus. Je vais citer quelques jeux qui sont pas très connus et que j'adore. Il y a Biohazard Battle qui est un shmup qui est vraiment survitaminé où on peut jouer à deux. Peut-être qu'un jour on en fera un live. J'aimerais beaucoup qu'on puisse en faire un live. Il y a le Yu Yu Hakusho. C'est quoi ce titre? Moi je l'ai fait que par l'émulation. Bah, c'est tiré d'un manga. Ça. D'un manga justement qui était. T'avais déjà testé celui-là avec Bowser, non ? Ouais, on l'avait fait ensemble, on peut y jouer. Ouais, il est pas mal en plus. C'est un très bon jeu de versus fighting où tu peux jouer à 4 en même temps. Il est super fun. Bon, moi je l'ai fait que par l'émulation, je suis même pas. Est-ce qu'il était sorti en Europe ? Il est génial. On a cité les Gunstar Heroes. En jeu d'aventure, on a évidemment cité les Soleil, Landstalker. Il y a Light Crusader que je trouve génial. Ah, super glauque ce jeu. Ouais, mais voilà, une sorte de dungeon RPG. On n'a pas cité Shining in the Darkness, qui était la préquelle de Shining Force, mais qui est un super jeu. Sorti en même temps que Thunder Force 3, t'as Elemental Master, qui est un shmup un peu en run and gun dessus, qui est excellent. T'as Alien Soldier, encore de Treasure, qui est super dur, mais qui a un gameplay aux petits oignons. Et ouais, un dernier. Excuse-moi, je te coupe, Oz, mais c'est vrai que par contre, tu vois, il y a un éditeur qui me manquait sur SNES qui est majoritairement Mega Drive, c'est Treasure. Et là-dessus, c'est les jeux que eux, je regretterais vraiment de ne pas avoir sur Super parce qu'ils sont énormes. Treasure, c'est. Enfin, voilà quoi, c'est Treasure. Excuse-moi, Oz. Et j'en cite juste, non, il n'y a pas de problème, mais j'en cite juste deux derniers. Il y a un des premiers shmup que j'avais, je ne l'ai pas eu, j'avais joué chez un pote qui s'appelait Ginoog, qui était un shmup avec une ange. Ouais, avec un ange, mais un ange un peu déchu, un truc un peu glauque, hein, quand un même. Un peu Dolph Lundgren avec des ailes. Voilà, tout à fait. Et un dernier, Subterrania, une sorte de, c'est pas vraiment un shmup, mais un petit vaisseau qui se balade dans des cavernes pour aller prendre des ouvriers. Ce serait bien qu'on puisse en faire un live également, mais voilà. Moi, il y a plein de jeux qui sont connus. Moi, je connais sur Mega Drive que j'invite vraiment les gens qui font preuve de curiosité à aller y jeter un œil, quoi.
Oui, bah justement, sur le chat ou sur Twitter, si vous avez des petites madeleines de Proust à conseiller, là, même en émulation, histoire de faire découvrir à tous les rétro gamers, à tous les auditeurs de la case rétro, n'hésitez pas à les partager. On va, avant de conclure ce podcast, on va passer bien sûr à l'Argus de Mikado Twist. Mais juste avant, on va se faire un petit medley, un nouveau medley, celui consacré à la Super Nintendo. Surtout, restez avec nous, on se retrouve juste après ça pour la dernière partie de ce podcast live sur Mega Drive versus Super Nintendo. À tout de suite. À tout de suite. Et nous revoilà pour la conclusion de ce versus Mega Drive contre Super Nintendo et on va se retourner vers notre papy brocante Mikado Twix justement pour la dernière partie de ce podcast. Alors Mikado Twix justement sur les jeux, sur la ludothèque des deux consoles, est-ce que toi t'as des madeleines de Proust qui ne sont pas passées justement dans le lot de jeux qu'on a donné? Bah oui, moi j'ai en fait il y a deux trois madeleines de Proust qu'on a vraiment pas ou peu évoquées. Moi, je vous parlais tout à l'heure que j'avais le super copieur et que finalement on jouait à quatre jeux. Je m'aperçois que finalement c'était les jeux multi, moi, que j'affectionnais. Ouais. Et j'ai beaucoup beaucoup de souvenirs sur Puyo Puyo.
qui est peut-être pas le jeu le plus graphiquement extraordinaire, mais qui 20 ans après est toujours extrêmement efficace. Ouais. Bon, ça, Final Fight, vous le savez, c'est un de mes jeux cultes. La série des Bomberman que je scotchais mais à mort. De mémoire, il me semble que c'est le deuxième que j'aimais beaucoup. Ouais. Et enfin, j'arrive enfin à le placer en podcast. Mon jeu culte sur Super Nintendo, c'est Tetris 2 Bombliss. Ah oui. Ce qui est probablement le jeu le plus moche de la Super Nintendo. Mais qui selon moi est une évolution formidable de Tetris, puisque grosso modo pour faire éclater les lignes il faut faire sauter les bombes qui forment les lignes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que un jour je vous placerai une émission, vous n'aurez pas le choix. Mais voilà, c'est vraiment le jeu que j'affectionne tout particulièrement sur cette console et qui est pour le coup le plus moche, quoi. Voilà. Oui, mais c'est bien, ça prouve que voilà, il y a pas que les graphismes dans le plaisir, surtout dans le plaisir. Non, mais en revanche, il est vraiment moche. Hein, là, on dirait un jeu. Sincèrement, on dirait un jeu Amstrad. Hein. Ouh, ah oui, ça doit être moche alors. Ouais. La musique, tout est dégueulasse, mais le jeu est tellement bien, quoi. Enfin bref. Je reste avec toi, Mikado Twix. On va parler d'argent avec le spécialiste des bonnes affaires, notre spécialiste des coups de fusil. On va voir un peu si les deux consoles aujourd'hui, si on a envie de se les reprocurer, si ça coûte vraiment si cher que ça, laquelle moins dis-nous tout. Oui, les gars, sortez les chéquiers, hein, parce que bon, grosso modo, moi, je me suis basé sur, on va dire, les 2-3 consoles principales, Mega Drive, Genesis, etc. Ouais. Concernant la Super Famicom, en fait, j'ai fait 3 types de schémas, c'est-à-dire quand on veut l'acheter en complet, c'est-à-dire vraiment boîte, notice, etc. En loose, mais j'ai considéré mes recherches en l'état de fonctionnement, c'est-à-dire câble, console et au minimum une manette. Ouais. Et un truc que je fais une petite dédicace à notre ami Dopamine, le prix de l'escroc qu'il a copyrighté, que je trouve absolument divin. Alors, concernant la Super Famicom, en complet, à mon grand étonnement, on tourne à un peu moins de 100 euros. Ah ouais. J'aurais dit beaucoup plus. Enfin, j'ai vraiment Super Famicom ou Super Nintendo. Ouais. Non, Super Famicom. Ah, Super Famicom. Ah oui, bah c'est pour voilà. Ça. Ouais, en loose. Allez-y, si vous avez des commentaires. Oui, c'est en général, oui, on les trouve en boîte dans les 90 euros à peu près, quoi. Moi, j'ai halluciné. Moi, je pensais 1000 fois plus, étant donné que c'est la console japonaise. Non, peut-être parce qu'on l'en a dit avec le côté un peu les Japonais qui prennent soin de leur boîte et tout. Peut-être qu'en gros, c'est beaucoup moins difficile de leur trouver en excellent état. Ouais. Voilà. En loose, c'est-à-dire jouable, on tourne autour des 50 euros. Ouais. Et en prix de l'escroc, entre guillemets, on est autour de 140 euros, ce qui reste raisonnable. Sans les câbles, tu sais. Non. Ah non, prix de l'escroc au minimum complet. Hein. D'accord. Voilà. Concernant la Super Nintendo, donc nos chères consoles européennes, là déjà, il faut sortir un peu plus les bifetons parce que le moins cher du moins cher que j'ai trouvé, c'était 122 euros. Non. Et en moyenne, j'ai vu des 200 euros quand même. Hein. Oh lolo. Il y a en boîte, hein. En boîte. Là, on est en boîte. Hein. Ouais. En loose, pareil, on tourne autour des 50 euros. Et le prix de l'escroc est accordé à 500 euros. C'est quoi ces modèles en boîte? Alors, pour la version US, c'est simple, j'en ai pas trouvé. Voilà. De manière, personne n'en veut. concernant la Mega Drive, je parle de la Mega Drive 1 qui cote beaucoup plus que la 2. En complet, elle est autour de 85 euros. Mmh. Ah ouais. En revanche, en loose, elle est pas trop chère, puisqu'on peut la trouver autour de 35 euros. Ça va. Voilà. Bon, après, ça peut monter jusqu'à des 200 euros. Enfin, voilà. Et puis, il faut voir si la réglette audio marche encore, et trucs comme ça. Mmh. Oui, je pense que c'est un critère, ça, non ? La mienne marche plus. La réglette audio, elle a lâché bien avant qu'on soit passé à la Saturn, par exemple. Dopa, il va te faire une petite soudure, tu vas voir. Voilà. Donc, concernant la Mega Drive 2, je suis un petit peu étonné parce que je pensais qu'elle cotait beaucoup moins. Ouais. Parce que, déjà, plus répandue et puis surtout beaucoup moins belle. Et ben non, en fait, en complet, on tourne autour des 100-120 euros. En revanche, en loose, c'est celle qui coûte le moins cher, puisqu'on peut la toper autour de 25 euros. Ouais. Ah, juste un truc.
Et oui, juste un truc qu'on n'a pas dit, c'est passé dans les commentaires en début d'émission, mais s'il y a un choix, opter la Mega Drive 1, le son est meilleur que sur la 2. Ah, oui, c'est important. Oui, alors. C'est un truc qui a été signalé dans le chat, je sais pas. Enfin, et puis surtout, la Mega Drive 2 est fournie avec un câble Péritel complètement merdique qui balance des parasites. Ça balance des parasites, il faut couper deux fils pour que ça apparaisse clean, enfin. Concrètement, ouais, préférer la 1, même si la 2 est plus facile à faire switcher. Enfin, ça coûte moins cher de la faire switcher. Maintenant que tu le dis, moi j'ai essayé de. Cette semaine, j'ai voulu jouer un petit peu à la Mega Drive pour éviter de troller bêtement. Et c'est vrai qu'il faut bouger les câbles et tout, hein, parce que l'image elle parasite un peu. Je te filerai un petit truc, t'as juste un ou deux câbles à couper sur la Péritel et ça passe nickel. Voilà, et on prie de l'escroc, hein, t'as les gens, ils se disent, oh, Mega Drive, les gens, autour de 500 euros quand même. Oh la vache! J'ai quand même regardé parce que je crois qu'Enfa, il était en quête de trouver une Mega Drive 3. Non, Genesis 3. C'est celui qui fait le Mega CD et Genesis en même temps. Non, il y a différents noms. T'as vraiment une Genesis 3 parce qu'après t'as eu sur le marché brésilien. Après, ouais, tu veux parler du multi-méga qui fait à la fois Mega CD puis Mega Drive. Moi je me suis concentré sur celle-ci et je l'ai trouvé seulement en loose autour de 80 euros. La voilà. Genesis 3 de Majesco. Ouais. Majesco, c'était justement celui qui a publié, c'est la Genesis qui est sortie en 97. Elle est toute plate. Je vais être franc avec vous, je ne sais plus, parce que j'ai fait mes fiches il y a hyper longtemps déjà. Celle que je parlais, Mikado Twix, en fait, moi, c'était le multiméga. Ouais, multiméga. Bah, j'ai pas pensé à regarder, je suis désolé. C'est une merveille. Mais ça coûte 200 euros, ça. Et il y a la Nomade aussi qui coûte très cher. Ouais, le multiméga, on va dire que c'est ma licorne, tu vois, c'est ma laine blanche. Moi, c'est le Nomade. Même le 32X coûte cher maintenant. Sérieux? Le Mega CD aussi coûte hyper cher. Ouais, le 32X, c'est vrai que j'ai vu des prix assez affolants. Hein. Les gens se touchent. Hein. Ah merde. Et pour la petite anecdote, nous sommes dimanche, on enregistre en direct. Moi, je reviens de Brocante. Oui. Et j'ai topé une Super Nintendo, donc en loose, mais vraiment en loose, c'est-à-dire que la console, pour 8 euros. Voilà. Oh, pas mal. Elle est un peu éclatée. Mais, c'est respectable. Joli coup de fusil. Mais 8 euros, c'est très correct. Voilà. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que les SNES actuellement, depuis vraiment, je pense, un an et demi, deux ans, les prix s'envolent. Même toutes les SNES loose, sans manette, sans rien ou autre, les prix sont en train de grimper. C'est un truc de fou, quoi. Si vous en voulez une, grouillez-vous, parce que dans quelques mois, ce sera, je pense, insupportable. Ouais, la mienne, je l'ai achetée un an avec une manette et deux jeux. Je l'ai eu à 30 euros, je crois. Moi, j'ai voulu en offrir une à ma sœur à Noël dernier. C'était insupportable. J'ai halluciné. J'ai trouvé dans une benne. Et c'est bien sa place. Et moi, ma Mega Drive 2 avec son Mega CD, 50 euros. Oh, joli! Après, il faut trouver les jeux. Ouais, même Mega Drive 2, je l'ai gardé de quand j'étais petit. Oui, voilà. Et sinon, juste pour info, on parle d'achat et tout. Vite fait, il y a un truc qu'on n'a pas dit en émission, mais qui est important, je pense, à regarder. C'est, vous savez, les aérations qu'il y a en dessous de la Super Nintendo. Ouais. Faut bien regarder, parce que on parle de la console qui jaunit, parce que t'as des consoles qui sont nickel et qui jaunissent avec le temps. Donc théoriquement, ça cote moins cher. Mais ce qu'il faut également bien regarder, c'est pas les grilles, parce que c'est en plastique dur, mais les aérations de la console qui sont très fragiles. Par exemple, celle que j'ai achetée tout à l'heure. Ouais. Évidemment, il me l'a fait aussi à ce prix-là, parce que le plastique casse avec le temps, quoi. Ouais. Ah oui. Bon, c'est pas bien grave, parce que avec 3, je vais en faire une nickel. voilà. Sinon, à bien vérifier, quoi, parce que ça se fissure, et si c'est fissuré, c'est pas brillant, quoi. D'accord. Donc, faire toujours attention, hein, comme on l'a dit. Hein. Puis on le répète toujours souvent dans les podcasts, hein, de la case rétro, les podcasts réguliers, c'est que les prix depuis deux ans, ça devient assez n'importe quoi. Et on est toujours heureux de faire de bons coups de fusil, à trouver des trucs à pas cher, mais justement vendus par des gens qui n'y connaissent absolument rien. C'est pas vrai, ça. C'est fini, ça, parce que encore ce midi, j'ai acheté des manettes. J'ai mis ça sur Twitter, là, des manettes Mega Drive. Ouais. La dame, elle me dit, je voulais faire, je sais plus, j'ai dû payer 6 euros les deux.
Elle m'a dit oui parce que sur le bon coin ça vaut tant et ça me. Ouais. Mais je suis désolé de j'en avais déjà parlé quand on était passé chez nos copains de Gamerside. Ouais. Mais c'était de temps en temps. Maintenant c'est tout le temps. Voilà, ouais, c'est tout le temps. C'est La dernière fois, le mec, il balançait 3 Resident Evil sur sa table. Je lui dis combien ? Il me dit 15 euros. Je lui dis 15 euros les 3. Il me dit 15 euros pièce. J'ai halluciné. Ouais. Mm-hmm. Je lui dis, mais jamais de la vie, je paye ça plus de 5 euros, quoi. D'accord, maintenant c'est la cote pour le grand public. C'est voilà, on garde c'est le bon coin. Quoi. Et surtout, payez-le au prix que vous estimez, à votre prix de cœur, entre guillemets. Si c'est un truc que vous voulez, vous pouvez vous permettre de le payer cher. Si c'est quelque chose qui a de la valeur sur eBay, mais qui vous fait rien. Payez-le rien, enfin en tout cas ce que vous lui donnez comme valeur, parce que c'est ça qui est important, c'est la valeur que vous lui donnez vous et pas ce qu'il y a sur internet ou sur le bon coin ou sur quoi que ce soit. Voilà, c'est les prix, hein. On en reviendra un jour on dira voilà, ça ne sert plus à rien d'acheter les vieux jeux, c'est beaucoup trop cher, faut faire craquer son PEL. On y viendra. Donc, hein. Justement, on en parlait avec Soubi là, je sais plus, je l'ai eu hier ou avant-hier, je songe très 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 sérieusement à m'acheter un linker pour Super Nintendo, quoi. Parce que au final, l'objet coûte une soixantaine d'euros. Certes, il dit pas l'intégralité des jeux, parce qu'il y a des technologies qui passent pas encore. Mais ça limite, c'est presque le prix d'un jeu aujourd'hui, quoi. Tu vois. Enfin, ça me fait, moi perso, ça me fait halluciner, hein, parce que mon prix psychologique, moi, en rétro. C'est 2 euros, donc c'est pas, ça a pas de valeur. Ouais, c'est jamais au-dessus de 5 euros. 5 euros, ouais. Psychologique, ouais. Non, c'est jamais au-dessus. Ça dépend. Un jeu comme Tetris, je suis en train de le regarder. Bon, bah, je vais mettre 8 euros. Je sais que Soubi va venir, on va y jouer. Enfin, faut pas que ça dépasse 8-10 euros, grand max. Après, garde-le ton jeu, c'est pas grave, j'en ai pas besoin, quoi. Voilà. Mais surtout, hein, sur le chat ou sur Twitter, n'hésitez pas à nous dire, vous, c'est quoi le prix que vous metteriez sur les consoles aujourd'hui. Bien sûr, j'imagine que vous en avez un peu tous marre. J'imagine peut-être qu'il y a même des ratisseurs qui nous écoutent, qui disent, bah attends, je comprends pas, c'est. Bah non, 15 euros, ça allait beau. Attends, moi, la dernière fois, j'en ai vendu un à 20 euros, là. Moi, la Super NES, faut qu'on me paye pour que j'y joue. Je me suis embrouillé avec un ratisseur, tiens, enfin bref. Alors, on a fait un gros tour là sur cette grosse bataille des années 90. On est revenu sur les consoles, sur les jeux, sur les prix avec Mikado Twix, notre brocanteur de l'extrême de l'impossible. Donc bah, c'est là-dessus qu'on va achever ce tout premier podcast en live de la case rétro. Un gros podcast, un énorme podcast en direct. 3 heures de débat, 3 heures de podcast ultime, le podcast définitif sur cette grosse bataille des années 90. Et alors, qui a gagné? Mais personne, justement, on a vu que voilà, chacun. Oh, c'est le jeu vidéo qui a gagné parce qu'il y avait des bons jeux partout. Oh mon dieu! Ça mérite une conclusion. Buzz, tellement c'est corporate. Voilà, c'est beau, mais ça me fera pas jouer à la Super NES. Encore merci à toi, Punky, d'avoir accepté notre invitation, nous avoir rejoint. Merci à vous, parce que, comme je lui dis, moi, je suis très fan de l'émission, donc ça m'a fait plaisir. Hein. Je suis très fan des podcasts, donc là, c'est un peu un rêve de gosse qui s'est réalisé. Oh, c'est gentil. Comme j'ai dit je disais ça qui a loupé. Ouais. Non, ça a subi que je disais ça. C'est un petit. Ce soir, c'était un petit peu mon star à domicile à moi, tu vois. Oh, d'ailleurs, attends. On est flatté là. C'est gentil. C'est Michel Drucker là qui va être content, hein, non? Voilà, on rappelle hein, que les auditeurs peuvent te retrouver sur ta page YouTube avec les Retro Punky, les top 6 évidemment, tout ce que tu fais. Oui, et surtout que dans Retro Punky, c'est Garland qui écrit les textes et que des fois il m'oblige à dire que des jeux version Super Nintendo sont meilleurs comme Mr. Nuts par exemple. Ah, ça me fait bien mal. Ça fait bien mal. Merci évidemment à Mekaz d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé vos souvenirs, d'avoir bataillé sec sur vos différents camps, sur vos différentes consoles. Merci à vous sur le chat, sur Twitter, de nous avoir suivis pour ce tout premier podcast en live. On espère que ça vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à nous le demander sur les forums de la case rétro ou alors en nous mentionnant sur Twitter, Facebook, peu importe. Si vous avez envie de nous retrouver régulièrement comme ça sur Twitch pour parler de podcast en direct, voilà, de pouvoir réagir en direct au podcast de la case rétro, n'hésitez pas à nous le demander. On va se redonner rendez-vous très prochainement, bah justement mardi qui vient, la podcast hors série sur les niveaux aquatiques, ça va être un truc de fou, surtout ne le ratez pas, c'est ça, une intro totalement géniale. Mikado Twix a lancé une mode, ça va être magnifique. Moi, donc, je eh ben écoute le Punky, on te le donnera à la fin de cette émission parce que tu as été gentil, tu es resté aussi. C'est vrai. Non, j'ai une excuse. Ah. Putain, c'est comme si tu me mettais une boîte de Mega Drive et que tu me la retirais. J'ai l'eau à la bouche. Voilà. Oh là là. Est-ce qu'on peut pas lui mettre un buzz pour conclure? Allez. J'ai pas eu mon buzz, c'est vrai. Alors attendez.
La SNES, c'est de la merde. Ça a buzzé en même temps. Voilà, ça c'était une censure. Voilà, on se retrouve très prochainement. Bah, on se retrouve mardi, donc on espère que ça vous a plu. Passez une bonne soirée. D'ici là, n'oubliez pas, le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen. Salut, salut. Salut. Bisous, bisous. SNES. MD. R. Oh là là. Jusqu'au bout, le troll.